the same, ain't no debate. Confused, I'm in the break, by the problems. Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour la grande finale du MSI 2023. C'est un grand dimanche de League of Legends qui nous attend, bien entendu, en direct de LoL avec de Londres, avec toute l'équipe OTP. Donc, on est sur place en direct de la Copperbox Arena et on a hâte de vivre ce Best of 5, un remake de la grande finale de la LPL entre des JDG qui se sont hissés en finale sans perdre un best of 5 et des Bilibili qui ont remonté le lower bracket et qui sont eh bien la surprise de cette grande finale, traitons. Voilà, la surprise en quelque sorte, en effet, avec beaucoup d'histoires dans ce BO5, des joueurs qui se connaissent extrêmement bien, à l'image d'un Dayan Gao et d'un 369 que j'ai pu voir sur le parking, en train de discuter ensemble avant la rencontre, évidemment, d'anciens coéquipiers qui vont devoir s'affronter aujourd'hui. Et je pense que dans le match, il n'y aura évidemment pas de cadeau. Non, on ne devrait pas en avoir. Effectivement, les JDG qui arrivent en favoris, bien sûr, ils n'ont pas perdu un best of 5, mais la tendance est en faveur des Bilibili. On a l'impression que l'équipe est un peu inarrêtable, Striker. Ouais, en effet, bah, ils ont le momentum de leur côté, comme tu le disais hier. Ils sortent de plusieurs wins d'affilée avec pas mal de largeur. En plus, c'était pas forcément des BO qui ont été plus compliqués que ça pour eux. Donc, on va voir si JDG arrive à les stopper aujourd'hui. Ah, bien sûr, hein, 5 games au maximum, on l'espère, ce serait beau. En tout cas, c'est la prédiction de Bean. Oui, qui pour le moment s'en sort plutôt bien avec, dans un premier temps, le 3-0 sur G2 qu'il avait évidemment. Le 3-0 sur Genji. Sur Genji qu'il avait prévu. Le 3-1 derrière qu'il avait prévu aussi sur T1. Et maintenant, il a pronostiqué un 3-2 contre JDG. Il a évidemment plus de respect pour cette équipe qui est très très solide. Ouais, et puis en général aussi, dans les BO entre équipes de la même région, on se connaît bien. Ah, donc souvent on a des rencontres très 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 serrées, un peu à l'image du T1 GNG où on avait eu 5 games également sur ce MSI. Bref, vous connaissez un peu la chanson. On va revenir tout de même sur les images de la journée d'hier. Le T1 contre Bilibili Gaming qui avait vu la victoire. Bah, forcément on en parle, hein, mais des Bilibili avec des Bilibili qui ont été très très bons en early game notamment, qui ont toujours trouvé la solution pour mettre leur botlane devant. Pour moi, cette première game, elle change beaucoup de choses, voire même elle change tout, parce que cette game-là, les T1 l'avaient comeback, ils auraient pu la remporter, ils prennent un mauvais fight et perdent la game, alors qu'en vérité, ils auraient pu commencer avec un 1-0 dans ce BO, ils auraient pu commencer avec de la confiance, ils auraient pu aussi peut-être aller émécher un petit peu la confiance de Bilibili, et le fait qu'ils perdent sur ce teamfight, ça les a mis vraiment dans le dur, parce que derrière la game 2, ils se sont fait arracher. Hein. Ah, la game 2, là, on voit, hein, avec le fameux Kennen du côté de Zeus, on a tenté quelque chose, mais impossible d'accéder à la Jinx de Elk en teamfight, trop de spacing pour le carry AD chinois. Et c'est vrai qu'on se retrouve à 2-0, Striker en faveur des Bilibili, et là pour T1, tout est très compliqué. Ouais, c'est sûr, faut pouvoir remonter 3 games à la suite avec des sides qui changent et au moins une game où Bilibili pourra voir deux, même choisir son side. Donc c'est très difficile quand tu es dans cette position. Effectivement, la game 1 était jouable des deux côtés, mais au gros, Bilibili a bien fait son travail. Ils ont été très disciplinés avec des drafts qui ont toujours le même pattern. Un enchanteur qui était Lulu hier pour elle, qui est Yagao sur du setup, Bin sur un carry, et ils connaissent la recette, ils l'exécutent très très bien. Les Bilibili qui ont laissé passer le cas santé, hein, dans la game 3, oui. Faker n'a pas hésité justement à utiliser le champion, et la game 4, pas évidente, hein, pour les T1 qui ont essayé de se battre au maximum, qui ont eu une forme de comeback avec ce dragon ancestral en late game, traitons. Encore une fois, comme les Striker, ils sont passés derrière via le plan de jeu de Bilibili qui a dive la botlane encore dans ce BO. Du coup, ils ont toujours fait la course derrière les Bilibili dans cette game. Ils ont tout de même réussi à faire des clutch factors qui étaient assez insane. Les T1 qui, contre une âme infernale, contre un Baron Nashor, ont réussi à prendre un Elder Drake, ont réussi à prendre des fights qui étaient positifs avec notamment de très très belles inspirations, que ce soit de Honor ou de Faker. Mais ça n'a pas été suffisant contre des Bilibili qui juste étaient la meilleure équipe hier et d'assez loin. Ouais, effectivement, et du coup on se retrouve avec une grande finale Bilibili contre JDG, les Bilibili qui nous remontent le lower bracket avec maestria et aisance, j'ai envie de dire. Et donc voilà, il ne reste plus qu'un best of 5 à se mettre sous la dent, mesdames et messieurs, dans ce MSI 2023, le remake de la grande finale de la LPL. Et Bean nous a promis que cette fois-ci ce serait différent. Tabé aussi également hier en interview nous a dit que voilà, cette fois-ci, JDG devrait les craindre, Striker. Ouais, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très possible. En Europe, on a bien vu Mad Lions qui avait buté complètement contre G2 Winter, qui a réussi à s'en défaire au Spring jusqu'à remporter le titre. Donc
C'est, le niveau sur LoL n'est pas figé, il dépend de la forme du jour, il dépend du read sur la méta, il dépend parfois d'outplay individuel, donc on sait pas, on peut pas prédire de mon point de vue qui va gagner ce soir. Pas forcément évident, c'est vrai, mais on peut regarder un peu l'historique entre les deux équipes parce qu'il y en a un sacré du coup. Et oui, ces deux équipes qui se connaissent bien, et donc retour un peu sur cette année entre Bilibili et JDG. Et au total, en comptant également les matchs qui sont déjà passés au MSI, et puis les deux équipes sont jouées deux fois également en play-off de la LPL, on a 11-4 en faveur de JDG, mais Bilibili est censé être une autre équipe aujourd'hui. Ah, c'est ça, c'est l'équipe qui a commencé le tournoi, c'est pas la même que l'équipe qui le finit très clairement. Leur niveau a fortement augmenté, c'est même pas des analyses que l'on peut faire, c'est même les joueurs eux-mêmes qui le disent, qui disent qu'ils ont progressé comme jamais pendant ce MSI. Ils ont un niveau qui est tout autre, ils ont un rythme de la méta aussi qui est tout autre et qui leur correspond très très bien. Et c'est pour moi là-dessus que JDG va devoir les attaquer, parce que j'ai déjà quand même l'avantage. Ils n'ont pas le momentum, mais ils ont l'avantage de les avoir vus jouer beaucoup de games, d'avoir vu leur plan de jeu, d'avoir pu l'étudier. Et du coup, ils ont peut-être aussi trouvé quelques contres pour empêcher Bilibili de développer ce jeu qui était imbloquable pour Gen.G et pour T1. On est d'accord, on n'a pas trouvé la solution du côté des autres adversaires de Bilibili, mais peut-être que les JDGE, qui n'ont pas encore perdu de BO de l'année face au Bilibili, vont l'avoir aujourd'hui encore dans l'historique, bien sûr. Les BO précédents, donc on revient, hein, parce que là, c'était le détail des games. On a eu donc 3-0 en faveur de JDG au MSI, 3 en finale de la LPL, 3-2 pendant les playoffs de la LPL sur un des tours précédents, et 2-1 en faveur de JDG en saison régulière. Donc voilà, bon, le bilan, il est clair, il est net. Il est en faveur de JDG. Il y a eu quelques BO qui étaient serrés, notamment le 3-2, etc. Ouais. Déjà avant. Donc, il faut voir ce que ça va donner aujourd'hui. Je pense que quand même, Bilibili, il faut arrêter de les sous-estimer. Je pense que ça a sous-estimé dans les deux dernières séries. Je pense même que leurs adversaires ont sous-estimé. Et JDG ne fera pas la même erreur. Justement, ces deux derniers BO du côté de Bilibili, ils ont réussi à éliminer à eux seuls toute la Corée, hein, c'est dire, voilà, victoire contre Gen.G, victoire contre T1. Bon, bah écoutez. Franchement, impressionnant. Et encore une fois, tout ça au travers de la boule de cristal de Bean, qui lui aussi est en confiance. C'est un autre joueur. Mettre 6-1 à la Corée, mettre 6-1 à Gen.G T1, la performance, elle est énorme, celle de Bilibili. Et la game qu'ils perdent, en laissant qu'à santé, etc., je pense en draft, en se permettant des choses. Ils sont monstrueux dans le playstyle, dans la manière de jouer, dans la manière de jouer la macro surtout. Je crois qu'il y avait un step-up qu'on attendait peut-être pas forcément aussi fort du côté de Bilibili et du côté de la LPL contre de la LCK. Ouais, on est d'accord, et c'est là-dessus clairement où ils ont fait la différence. Notamment, alors je vous parlais de Bean et sa boule de cristal. Bean et son champion de pool aussi. Forcément, c'est un joueur qui est très scruté du côté des Bilibili. Et évolution de son champion de pool, on s'est vraiment beau. On est revenu sur des carries Striker, beaucoup plus de Jax, beaucoup plus de Gwen dans les derniers BO par rapport à son début de MSI où on picorait un peu partout. Et également le Sion en red side qui est toujours une option très intéressante pour eux. Ouais, le Sion en combinaison notamment avec la Jinx, quelque chose qu'ils ont récupéré de T1, qu'ils ont plutôt bien exécuté hier, qui a permis d'avoir un hit sur la bot lane. La Gwen toujours, voilà, pour certains match-up tank, et la Fiora aussi en counter match-up. Le Jax sur lequel il est toujours aussi impérial. Et j'aimerais voir un match-up Jax contre Gragas aujourd'hui, étant donné que Stree69 est quand même un sacré client sur Gragas. Oui. Pour voir s'il peut s'en sortir avec son Jax contre un tel joueur. C'est vrai qu'on l'a eu ce match-up pendant les deux derniers BO de Bean, avec un succès variable finalement. Donc il faut voir aujourd'hui contre 369 si c'est un match-up qu'il osera prendre. Doran s'est clairement fait éteindre. Zeus a été even, mais dans un tel match-up, peut-être qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit même un petit peu dominant. Après, ça a quand même été bon. Et il faut voir si du coup 369, comme le disait Striker, peut lui vraiment être devant et vraiment mettre de la pression sur le Jax, parce qu'on l'a jamais vu en pression en face de lane, ce qui est étonnant quand même. Ah, c'est sûr, il est impressionnant, Bean, sur ce champion. Karnash, tu peux me répéter s'il te plaît? Ah, donc oui, excusez-moi. L'historique entre Bean et 369, du coup, parce que oui, forcément, ils se sont beaucoup joués. Okay, oui. Alors, petit retour donc, sur Bean sur des carries versus 369 sur des tanks. Hein, et on a un Bean, alors, malgré tout, qui en termes d'historique gagne pas souvent quand il joue des carries contre 369. 369 qui est un joueur qui sait faire déjouer son adversaire et qui sait faire en sorte, notamment Striker, de tout simplement de fermer le jeu. Oui, bien sûr, il est très bon pour pas
tomber derrière. Il a des picks qui lui permettent ensuite d'avoir une grosse présence en teamfight, même sur son cas santé. Nous, c'était un joueur qu'on avait étudié pendant la regular season pour la façon dont il crée de l'espace dans la river, la façon dont il permet à son équipe de start les teamfights en ayant justement de l'espace entre lui et sa backline pour que les contests ne soient pas évidents. Il sait très bien trade ses HP pour la position et je pense que s'il arrive à avoir les mêmes setups aujourd'hui, ça peut être compliqué pour Bilibili qui a quand même pour moi pas mal rely sur ce MSI, sur le fait d'être premier dans la river et de justement ne pas laisser entrer son adversaire. C'est vrai que ça a été un de leurs très très gros points forts. Donc voilà un match-up vraiment un classique de la LPL entre Bin et 369 qui nous attend. Et on va voir si Bin, aujourd'hui, tout comme il l'a fait pendant les derniers BO de ce MSI, saura faire la différence, mesdames et messieurs. On va désormais parler de la jungle avec un Shun. Alors, qui est arrivé dans ce MSI, pas forcément comme le jungler qu'on observait le plus. Hein, bien sûr, il y avait Honor, il y avait Kanavi. MP9, en fait, toute la clique des junglers coréens, tout simplement. Shun, seul jungler chinois, mais lui a sacrément progressé également. Il a son style, il a sa façon d'impacter les matchs. On va jeter un petit coup d'œil, bien sûr, à son champion de pool, à Shun, puisqu'il est très friand de Vi en général. Plutôt la méta. On a vu son Kha'Zix hier également, Striker, sur lequel il a été très bon. Ouais, effectivement, c'est un joueur qui est plutôt polyvalent. Il a aussi un excellent Wukong de mon point de vue. Il a une Kindred aussi, qu'il a plutôt bien joué avec, pour moi, un setup en draft qui était bon, alors que c'est pas évident pour moi de sortir ce champion actuellement, mais c'était bien fait de sa part. Donc, très polyvalent, on peut aussi jouer le Maokai. Ouais. Et c'est des champions qui ont beaucoup été... Parce qu'il a été full ban quasiment hier, Triton, et malgré tout, il a réussi à être efficace. En fait, comme il a réussi à faire marcher la Kindred, le plongeau T1 a un petit peu déjoué, dans le sens où il voulait, je pense, le mettre sur Kindred exprès pour justement avoir des bonnes drafts potentiellement, ou penser que le champion était un petit peu faible. Mais comme il a fait des bonnes performances dessus, T1 a gâché des bans, c'est un peu fort. Mais autant attaquer Shun, au final, ça n'a pas marché. Peut-être que JDG va du coup changer de stratégie et attaquer un autre champion de pool d'un autre joueur. Parce que clairement, Shun a été solide, même sur des champions tier 2. Même sur Viego, il n'est pas mauvais. Mais on est d'accord. Hein. C'est vrai qu'il a toujours trouvé des ouvertures, honnêtement. Et comme c'est arrivé pas mal de fois, finalement, qu'on ait des junglers chinois qui step up très, très fort contre des équipes coréennes. On peut penser à Tietie chez les EDG lors de leur titre. Bon, Tian, je ne vais pas dire la même chose parce que lui était très, très hypé, bien sûr. Le champion de pool de Shun, justement, une véritable évolution. On passe des gros champions de la méta, enfin, en tout cas, des gros champions setup avec Vi, Wukong notamment, l'Anida qui était très appréciée en début de tournoi, à des Kha'Zix, de la Kindred, du Viego, tu en parlais, Triton. Ah, tout simplement parce qu'il se les a fait ban. Et du coup, de montrer qu'il est capable de tout jouer, c'était vraiment une force de fou et que j'attendais pas forcément ce joueur. On est d'accord là-dessus. Moi, je pensais pas qu'il serait aussi fort, aussi dominant. Je voyais Honor plutôt être plus fort dans le combat. Je voyais Honor peut-être aussi sortir du Lee Sin, c'est ce qu'il a pas fait hier. Vrai. Et juste, Shun a été excellentissime. Après, il est bien aidé aussi par un Yagao qui joue vraiment à son service. Oui, c'est vrai que Yagao en termes de setup, c'est un excellent joueur, ça clique bien entre les deux et c'est vrai que ça met particulièrement en valeur Shun. Bon, alors messieurs, au niveau du style des deux équipes, on a pu voir notamment tous ces plans de jeu à répétition qui se dirigeaient vers le bot side et c'est là où Shun est peut-être attendu de nouveau, mais est-ce que c'est pas un peu trop visible désormais pour les JDG? La différence entre les jungle procs entre les deux équipes, et on va constater peut-être quelques petits écarts. Alors, Striker, est-ce qu'il faut continuer à aller bot du côté des Bilibili, finalement? Parce qu'on voit un Kha'Zix également qui est très présent pour sa botlane, même un peu plus, finalement. Qu'est-ce que tu ferais à la place des Bilibili, toi? Parce que ça a bien marché sur le bot, mais en même temps, tu as Bin sur le top side qui est capable de faire de belles choses. Kha'Zix est très attentif à sa botlane. Comment on fait? De mon point de vue, ça va être important pour les deux équipes de toute façon de mettre sa botlane devant. Je pense que c'est la thématique récurrente de ce MSI et de ce patch en général. Le fait d'avoir un carry qui peut prendre un lead, peut-être avoir un mythique aussi avant pour récupérer un objectif qui n'est pas contestable. Donc dès l'early, pour moi, il faudra jouer au niveau du bot sur la top lane. On peut avoir de l'attention des junglers, mais l'impact ne sera jamais le même, étant donné qu'il y a une TP pour revenir très souvent. Ouais. On deny beaucoup moins de farm, mais on est aussi souvent sur des champions qui ont moins besoin d'être funnel arrivé au mid-game en termes de gold et d'XP, notamment si ça joue du Sion ou autre. Donc pour moi, il faut jouer autour du bot. Shun devrait être prédictable cette fois, en tout cas je l'espère. On pensait aussi hier et c'était pas forcément le cas. C'est toujours difficile de jouer contre une équipe qui est aussi proactive. Donc de mon point de vue, JDG sera armé. Ils ont certainement analysé ce qui s'est passé hier, mais on ne peut pas forcément s'attendre à ce qu'ils répondent parfaitement.
prendre des lanes aussi qui sont plus fortes, ne pas être en situation de se faire dive du côté de JDG avec Waller qui est quand même très très bon en face de lane, peut-être bannir aussi la Lulu, ouais. Ça peut être une solution, mais c'est là où il y a évidemment une grosse partie du jungler qui joue dans les dives, mais aussi le fait qu'à chaque fois quand on se fait dive du côté T1, on est mid lane, on a un push avec 2-3 waves qui arrivent, on est mid life pardon, on a un push avec 2-3 waves qui arrivent. Ah, c'est forcément dur dans ces conditions-là, même avec le jungler, même quand Honor a essayé de cover, avoir un match-up botlane fort dans les premiers niveaux, avoir une Jinx par exemple, je pense que ça va être très contesté. Ouais, la Jinx devrait être contestée dans ce BO. Je pense aussi que Kanavi peut avoir de l'impact assez tôt, même avant le first kill. Il l'avait fait notamment contre T1 en game 4, avec son gang sur le map split au niveau du mid pour récupérer first blood sur Faker. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de tenter selon les match-ups contre une équipe comme Bilibili, qui a trouvé sa voie depuis hier. C'est une équipe aussi qui peut jouer par le top side, mais de mon point de vue, quand tu as un tel succès, généralement tu vas te reposer sur ce qui a fonctionné. Et aujourd'hui, je ne les vois pas complètement changer d'identité. Ouais, c'est vrai que ça pourrait paraître surprenant. On va voir bien sûr. Surtout qu'ils ne partent pas avec le choix du side, les Bilibili. Donc, c'est pas forcément toujours évident non plus dans ce genre de conditions. Mais encore une fois, le momentum est en leur faveur. Alors, bien sûr, cette grande finale du MSI, c'est une première en termes de finale internationale, puisque c'est la première fois qu'on a deux équipes LPL qui se jouent. Mais ce n'est pas la première fois que les deux midlaners du jour s'affrontent, hein, puisqu'ils sont assez habitués à se jouer en grande finale. Striker, deux joueurs qui ont à peu près commencé au même moment, deux profils assez différents. Knight un peu plus jeune en termes d'âge. Malgré tout, ils se sont suivis. Ils se sont beaucoup joués en finale. Et pour l'instant, c'est égalité de partout en grande finale. À chaque fois des finales de LPL, bien entendu. Ouais, effectivement. Bah, je pense que cette année, Yagao a aussi trouvé l'équipe qui correspond à son playstyle. Lui qui est un midlaner qui aide beaucoup, qui set-up et qui set-up très très bien. À côté, on a Knight qui, pour moi, est un peu plus polyvalent, peut prendre un peu plus le rôle de carry et cette responsabilité-là. Mais c'est deux millénaires qui se connaissent, comme tu l'as dit, très bien et qui, pour moi, pourront se faire des jouets pendant le BO. Ça va être intéressant de voir notamment les choix en draft. La belle, traitons entre guillemets, ils ont quasiment joué un BO5 en fait, ces deux joueurs. Ouais, c'est en effet la dernière game de ce BO5. Je suis d'accord que Knight est beaucoup plus mécanique. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi une histoire où ils sont très très liés parce qu'ils ont grandi au même endroit, etc. Ils sont dans les mêmes cyber. Oui. Enfin, l'histoire, elle est un petit peu comparable à celle de Deft et Faker qui eux aussi sont venus du même endroit. C'est assez incroyable en vérité de les retrouver ici en finale. Je trouve que les deux dernières finales qu'on a eues en termes d'histoire à ce niveau-là de joueurs est vraiment incroyable. Enfin, en Chine, quand tu penses à la population, c'est-à-dire que les deux joueurs viennent du même endroit. Ce que j'ai compris, on est dans le même hôpital et tout. Enfin, c'est quand même une petite dinguerie. Donc, à voir qui va prendre le meilleur. Je pense que Knight, sur ce tournoi, a été plus fort dans le jeu. Yagao, peut-être qu'en tant que teammate, a été un peu meilleur. C'est là-dessus qu'il va devoir, je pense, essayer de jouer contre Knight. C'est sur l'aspect aider ses coéquipiers et bloquer au maximum le chevalier en face qui, si lui passe devant, ça va être très, très difficile à gérer. Ouais, c'est vrai que là, on le sait, en termes de potentiel de carry, Knight peut être impressionnant. Il a été très bon sur sa Annie, notamment contre T1. Mais Yagao, voilà, c'est un joueur qui a de la ressource, qui, malgré le fait qu'en termes de skill pur, il ne match pas Knight, on le sait tous. Il réussit à gagner des rencontres contre lui, il réussit à se rendre utile et honnêtement, c'est aussi impressionnant. On va parler du champion de poule de ces deux joueurs justement parce que finalement, alors, il y a des différences bien sûr, mais aussi beaucoup de choses en commun Striker. Hein. Yagao, on parle de joueurs setup, etc. Mais il a joué Jayce, il a joué Syndra aussi, donc il ne s'est pas non plus réfugié seulement dans le Annie, Nautilus, Galio, Lissandra. Non, bien sûr, il est capable aussi de jouer ses champions avec un résultat qui va être pour moi aussi dépendant de ses teammates. Je pense que ça va être moins un joueur qui va individuellement faire la différence sur ce genre de pick que Knight. Et on voit aussi voilà, sur les différents champions qu'il y a un aspect un peu plus setup slash roaming avec notamment Natalia Galio d'un côté et plus selfish du côté de Knight. Et l'un des problèmes aussi du côté de BLG, c'est que hier ils ont quand même ban le Cassanté en blue side dans la dernière game contre T1. Je pense pas que ce soit un champion que Bin ait particulièrement envie d'avoir. Je pense qu'il a plutôt envie d'avoir des vrais carry entre guillemets. Il n'a pas encore montré Yagao dans ce tournoi. Là où en face, tu as deux sololiners sur Cassanté qui sont vraiment très très propres. Si on a un ban en permanence des deux sides pour BLG, ça peut être vraiment une très très mauvaise entrée dans le BO. J'espère qu'ils ont préparé ce Cassanté. Et j'avais été fan moi, de la Cassiopeia de Knight. Même s'il avait perdu la game, je l'avais trouvé très très bon. Avec Cassiopeia, un pick que tu apprécies particulièrement, Striker. Toi individuellement, mais également dans ton équipe, hein, puisque Nuke, est-ce que ça a été son meilleur champion pendant la saison? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Il me semble qu'au niveau des stats, c'est le cas, et même au niveau du winrate, c'est le cas. Mais champion pour moi un peu sous-utilisé. Je suis très content que Knight puisse le jouer. Avec, en fait, de mon point de vue, c'est un champion qui permet à la fois d'avoir cet aspect front-to-back qui est très facile, mais aussi un side-aning qui est fort pour aller chercher speed push et peut-être déloger
peut-être déloger Bean qui est bon sur ce compartiment-là selon ses pics aussi. Et c'est un des rares champions qui permet d'avoir ces deux choses aussi poussées en fait. Et un champion également qui est très fort en termes de réception, parce que si on parle justement des match-ups de botlane, du fait que la range soit souvent assez importante, si tu as un déficit de range, tu vas sans doute devoir avancer vers l'adversaire. Cassiopeia qui est un champion qui punit parfaitement dans ce genre de situation. Ouais, complètement. C'est important pour moi de, dans cette méta, éviter de la pique contre Jinx si possible. C'est un last pick pour toi? Plutôt en R5, ouais, parce que la range est quand même très importante, c'est que tu as envie de voir plus de choses. Maintenant, nous, c'est quelque chose qu'on a aussi blind, mais c'était pas le même niveau pour moi qui était attendu, et il n'y avait pas la même intensité dans les teamfights. C'est ça aussi qu'il faut compter. Mais je pense qu'à partir du moment où tu connais l'ADC en face et que tu as la thématique, en sachant que ça va jouer plus ou moins front-to-back des deux côtés et qu'il n'y a pas trop de flanc possible, tu peux la sortir si tu es confiant dans ton match-up. Syndra également, Treton, c'est un joueur avec lequel, c'est un champion avec lequel Knight est très très bon. On a vu notamment ces fameux teamfights, le fameux teamfight de JDG en 4 contre 5 où chacun des stuns de Knight était absolument clutchissime. Ce qui m'impressionne chez JDG, et ça vaut pour les deux soliners, c'est le côté clutch justement des fights et l'utilisation des CD sur les bons timings. Et très souvent, même pas pour leur égoïsme ou pour faire vraiment le play, mais surtout pour défendre Ruler. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'avance vers Ruler, il y a forcément un des deux soliners ou le jungler qui va se mettre devant, qui va utiliser son CD pour le peel. Et ça permet à Ruler d'avoir énormément d'espace et c'est beaucoup dû. Je pense à Knight qui à ce niveau là je le trouve très 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 bon, peut-être encore meilleur que Yagao. Je pense que pour jouer pour l'ADC, je vois GDG encore à un autre niveau que BLG. Alors qu'ils sont pas mauvais déjà à Bilibili. Anti-fight en tout cas. Ouais, anti-fight, ouais. Ouais, bien sûr. Alors justement, c'est la Décarie. Ce sont les princesses, les stars de ce MSI, mesdames et messieurs. On a pu voir des KDA d'Adécarie absolument délirants. Petit comparatif entre les stats des deux joueurs. Elk qui est vraiment monté en puissance. Bon, le champion de pool, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Néanmoins, on sait que JDG, a priori, pratique pas trop le Lucian Striker, ce qui peut être peut-être un ban obligatoire de leur côté, ce qui a été un ban permanent de JDG, par exemple, contre T1. Oui, effectivement, ça va être aussi un pic à attendre. Il pourrait essayer de jouer la Lulu Zeri dedans. C'est quelque chose qui avait été fait plutôt cette saison. Après, du côté des mids, on voit notamment un god différence à 15 qui est plus élevé du côté de Ake. Mais de mon point de vue, il faut faire attention à ça, dans le sens où il y a eu un BO où il a eu quand même beaucoup de ressources. Et pour moi, des dives qui auraient pu être anticipés hier. Et c'est pas forcément égalitaire vis-à-vis de la botlane de GDG qui n'a pas forcément eu la même opportunité. C'est vrai qu'on n'a pas forcément autant insisté sur les plongeons botlane du côté des GDG. Mais bon, elle qui est sacrément montée en puissance. On savait que c'était un excellent joueur, Treton. Ouais. Mais là, il arrive en grande finale contre Ruler. Et l'air de rien, il peut le regarder dans les yeux. Il n'y a, pas que lui qui est monté en puissance, son support aussi. C'est vraiment le tandem qui est vraiment devenu bien meilleur. Après, pour perturber Ruler, et dans le tournoi c'était tenté. Gouma aussi il a un tout petit peu fait, mais c'est vraiment vraiment très très difficile, je pense, d'aller chercher en phase de N. Il va toujours, je pense pas qu'il va se faire dive bêtement entre guillemets, je pense pas qu'il va prendre les trades qui vont faire qu'il est mid life ou qu'il a perdu un summoner qui donne un dive facile. Et du coup Ruler, je le vois pas être vraiment mis trop derrière dans les games en règle générale, à part giga plan bot lane vraiment avec le mid laner qui bouge. Et si Ruler est toujours au contact en team fight, l'opposition va être très très belle. Je pense micro avantage pour Ruler, même si elle qui est très bon, elle qui pourrait rattraper le teamfight de Ruler en ayant une Lulu. Oui, s'il y a une Lulu, je pense que du coup c'est even. S'il n'y a pas de Lulu, je donnerais l'avantage plutôt à HDG sur ce plan de jeu. Le pick Lulu qui est crucial aujourd'hui, Striker, c'est un champion qui va être clé, notamment pour la priorité en lane. On ne doit pas le laisser au Bilibili du côté des JDG, ou alors est-ce qu'on a un plan? Il faut voir, peut-être que sur la première game on a un plan et effectivement on le laisse passer pour voir à quel point c'est nécessaire de ban surtout le BO. Peut-être qu'on prend la conclusion que Bilibili est trop à l'aise sur ce champion, que ce soit pour avoir le push en early et donc setup les dives, ou pour permettre à Elk de jouer de la façon dont il aime en teamfight, et on le ban dès la game 1. C'est un choix à faire, c'est un choix tactique. Je pense que ça dépendra aussi de la vision qu'ils ont les uns des autres au niveau de ces deux équipes, et qui provient d'avant ce MSI, parce qu'ils se connaissent quand même bien mieux qu'une équipe LCK ne les connaît, avec les scrims notamment et juste les games qu'ils ont fait cette année en OFI. C'est évident. Treton, on fait quoi contre Lulu? Bah écoute, contre Lulu,
soit tu vraiment tu prends pas de trade et tu tombes à Rakan et tu es très très défensif mais tu risques de te faire dive quand même, soit pourquoi pas comme G2 le côté prendre un chanteur aussi. Bon, c'était Janna en l'occurrence, moi je suis pas trop fan, mais après tu peux prendre Soraka, tu peux prendre des tu peux même prendre Karma si tu veux le push, tu veux vraiment le contester. Après c'est des champions, est-ce que tu as envie de jouer ça du côté de JDG, est-ce que tu as envie de libérer quand même un peu Knight sur la mid lane qu'il n'est pas lui un champion setup. C'est là où il faut juste que ta composition soit équilibrée, mais si tu veux jouer contre lui et tenir ta phase de lane, tu prends un enchanteur aussi et normalement t'es plus ou moins even, ou sinon juste bah tu la retires et t'acceptes. Ah, je pense que c'est le plus simple. Le ban reste le plus simple. Surtout que contre BLG, tu les sors de la zone de confort qui leur a permis de venir en finale. Et l'air de 1 sortir, et c'est pour moi, ça que T1 ne l'ait pas fait hier, pour moi c'est un énorme misplay du coaching staff. Juste, au-delà de est-ce qu'on peut répondre ou pas, c'est juste tu sors le mec de sa zone de confort et l'air de 1 ça perturbe véritablement parce que toutes les interactions, s'il n'a pas Lulu, s'il a un melee support, tout est différent de la phase de lane à la prise de fight, à la prise de vision, tu joues pas du tout de la même manière. On, c'est quand même 11 Lulu dans le tournoi pour l'instant, donc et c'est très loin devant son deuxième champion, je crois qu'il est à 4, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est évident qu'il y a un truc qui est en train de se passer autour de cette Lulu. Alors petite heatmap du côté des équipes pour justement eh bien, montrer que ça devrait beaucoup se jouer au niveau de la botlane, mais pas que, on voit les bilibili, justement tous ces dives au niveau du bot, on en voit énormément, mais également les affrontements au dragon où on aime bien se regrouper. Striker, c'est une équipe qui n'aime pas laisser passer un objectif comme ça. Pareil du côté du héros de la faille, on se bat souvent. Bref, bon après, Bilibili a bien sûr joué plus de games que JDG, donc forcément, il y a plus de kills. Mais en général, c'est une équipe plus agressive que JDG en early game. Ah, bien sûr, et je pense que ce sera aussi une des clés pour eux de récupérer un lead en early game. Au niveau des fight dragons, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'ils sont surtout dans l'optique d'utiliser dragon pour créer un team fight et pas forcément d'aller le récupérer. On voit souvent jeune qui va aller chercher l'engage et turn et qui va pas forcément se focaliser sur un smite. Et je pense que c'est notamment ce qui avait fait une grosse différence dans le BO avec Genji arrivant en mid game. Pour moi, JDG est une équipe qui a des meilleurs team fights à ce niveau-là, d'un point de vue river, donc ça devrait pas être aussi facile que ce soit vis-à-vis de T1 ou de Genji. Pour moi, il y avait quelques lacunes de ce point de vue-là. Il y avait quelques lacunes de ce point de vue-là, ouais. Quelques trucs qui ont manqué très clairement pour reprendre les BLG de voler. Et donc justement, ce snowball, cet early game, alors ça peut être un point important, ça peut être la clé peut-être du côté des Bilibili pour avoir le petit plus qui leur donnera l'avantage. Striker en parler, avoir un item complété d'avance pour faire la différence au niveau justement d'un dragon, d'un herald ou ce genre de choses. L'early game, la Goldif à 10, la Goldif à 20, on le voit hein, du côté des Bilibili, on est extrêmement agressif en early. Par contre, c'est vrai qu'à partir de 20 minutes, l'arrivée du mid-game, ah oui, bah oui. JDG, c'est un sacré client, traitons. Et c'est là que tu vois la puissance de Knight et Ruler, et c'est pour moi la meilleure paire de carrés du tournoi, tout simplement. Dans leur snowball, dans leur manière de jouer, ils sont vraiment capables de faire une énorme différence. Et JDG aussi, intelligemment, met tous les œufs dans ce panier-là. Ils essaient vraiment de les faire passer tous les deux devant en permanence. Là où BLG, c'est plutôt dans le panier de Elk et de Bean. C'est des manières différentes de jouer à League of Legends. Va falloir voir aussi sur le match-up top lane. En tout cas, BLG doit venir avec sa méta et essayer de l'imposer. Parce que quand ils ont essayé de jouer la méta du tournoi, bah, ils ont pris 3-0 par JDG, tout simplement. C'est vrai. Donc voilà. Mais on nous a promis encore une fois du côté de Tabé, du côté de Bean, que ce serait différent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on n'est pas loin du début du best of 5 du jour, de cette grande finale du MSI 100% LPL. Petit disclaimer, la cérémonie d'ouverture arrive donc. Et bon, pour les personnes sensibles aux effets lumineux, voilà, faites attention tout de même, ça va péter. Carnage, il y a de la pyrotechnie ou pas? Non, je crois pas. On me dit pas forcément, mais en tout cas, il y a beaucoup de lumière. Alors, il y a beaucoup de lumière, donc faites attention. Moi, j'ai croisé des danseurs, etc. En mangeant. C'est grave stylé. Enfin, ils ont l'air d'être grave stylés. Ouais. Et donc, dans la régie, il y a producteur et ingé son qui sont en mode ouais, c'est trop bien, la cérémonie est trop bien. Et Carnage en mode c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de pyrotechnie. Donc c'est eux qui l'ont vu, qui ont vu les rehearsals. On verra si leurs avis sont bons ou mauvais. Bah écoute, on va voir effectivement. Mais dans tous les cas, voilà, si vous êtes particulièrement photosensible, faites attention du coup par rapport à ce qui arrive. Et sinon, eh bien, profitez tout simplement du spectacle. Ça devrait être très 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 sympa. Messieurs, un petit prono pour la finale du jour. Striker. J'ai quand même envie de dire 3-1 JDG, je leur fais confiance sur leur read.
aussi peut-être avoir certains passings un peu plus conservateurs pour permettre à la botlane de respirer sur le premier niveau, notamment s'il a vu. Bon, là, je les vois au-dessus arriver à la 20e minute. 3-2 JDG. 3-2 JDG, 3-2 BLG de mon côté. Je suis la boule de cristal de Bean. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'ouverture by Mastercard commence en direct de Londres à la Copper Box Arena. C'est parti! Wanna lead him and guide him astray, then tip him off axis. I was in the belly of the beast, me barred. It was cutting man deep like sickle or mantis. I've been winning off practice, not clout or digital captions. World's in madness, how am I gonna manifest greatness if I don't make actions? I don't need reasons, I just need money and power and stat lift. I don't wanna do it like that. That method's too underhanded. Big man said it ain't landed. Never gonna profit off flatness. Never got a dollar of sadness, but I've been sunk, so I don't do sanctions. With a serious killer instinct, man, I never did courses. Look at all the times in the past they rejected him. Now they wanna imitate patterns and forces. Caught him, stone eye vision like Gorgon Smorgon. Terrified look in his eye when he finally realized all of the weapons that he brought in the war ain't forming. I've been giving this heart and body and soul and mind and organs. Not that my fingers play. Now it's all skeleton keys and dorkies. Treading with means and caution, man, I had bellies to feed for morning. So if they start selling me dreams, I'm walking. Yeah. I wasn't comfortable, man, I was scared. Looking for solace and they wasn't there. Now I'm a problem and they wouldn't dare. Yeah, yeah. Doubling down for this game is a bet. Reloaded the dice, I came in prepared. Beating this soul out of body, I feel like I'm floating on air. How do you cope when they never gave you hope? Really left you in the cold, and it's weighing heavy on your soul. To be honest, I don't know. Either way, I had to grow. Get it together, whatever the weather, and carry that tribulation to the... Oh, MSI 2023! Are you kidding me? This man refuses to lose! Can't keep getting up.
both starts and ends the fight in one move. Oh, he's dead! Oh! Oh my God! Kanabi knows this is just free money, free food. Kill that dude, Kanabi. Oh, look at that damage! He'll be taken down.其实从很小的时候就认识，然后那时候我们两个还没有成为职业选手，那时候只是在网吧相遇。我和瑶瑶也是，就比赛上也会经常交流这种中单的细节吧，也是和他 solo 过很多次，就在游戏上也会互相帮助的，就都会进步。但是我那个时候我就感觉到，我跟他以后一定会在顶峰相见的。想说。老弟已经让你赢了我三个 BO5 了，这次决赛哥哥就把冠军拿走了。2017년에롤드컵을중국에서하면서많은팬분들이응원해주셨던게기억에많이남습니다그이후로는좀되게나는뭔가제가좀어쨌든이렇다할막성적을많이못내가지고저한테는이번 MSI 를우승하게된다면룰루라는선수가좀한단계더성장하는그런계기가될수있다고생각하고但是我们知道，我们最后一天会击败他们。我觉得那一天就是今天。左手将引领未来。My right hand will knock you out。我已经连续三次输给。我们连续输给三次京东 BO5 了嘛，然后但是我觉得事不过三，这次我们一定赢。I will become the king. Are you ready for Giga Bean? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans la grande finale du MSI 2023. Un incroyable best of 5 nous attend entre Bilibili et les JDG. Après une très belle cérémonie d'ouverture où on nous a rappelé bien sûr l'histoire qui lie ces deux équipes, le destin de certains joueurs rouleurs pour ne citer que lui et à quel point Yone bien sûr était broken, on s'en est rappelé par la même occasion. C'est l'émotion bien sûr, c'est une finale 100% LPL, mais entre deux équipes qui sont intimement liées et qui vont sans aucun doute nous livrer un affrontement historique. Et bien entendu, la draft devrait bientôt commencer et on a le plaisir de partager ce moment particulier avec un cerveau qui nous surpasse, Coach Striker, qui va nous accompagner durant cette phase de draft qui commence déjà mine de rien, et c'est Lucian dont vous avez parlé en pré-show. Qui est directement balayé. Ouais, ban du côté de JDG, on sait que ce ne sera pas forcément leur priorité. On va voir si après cette vaille, la Lue sera le troisième ban ou s'ils se dirigent vers autre chose. Avec
Lucas Santé qu'on ne verra plus hein, côté, du côté de ce MSI. On l'a vu une fois hier dans les mains de Faker, terminé. La Annie aussi, la Annie de Knight, on connaît hein, Annie, Wukong, Striker, ça a fait la réussite de JDG. Ouais, bien sûr, c'est un combo qui marche très bien. Harry, Wukong en était un autre et Annie, ça a été quelque chose qui a forcément bien marché pour les demi laners. La Gwen de Gigabin qui veut mettre KO les JDG avec sa main droite. Bien, il faudra qu'ils trouvent une autre recette dans cette game. En tout cas, dernier ban à venir pour les Bilibili Gaming. Et ce sera... Et si on sent open. Là, Harry, effectivement, Jinx, Sion et Jinx immédiatement. Coach, on s'y attendait. Je pense qu'ils ne veulent pas laisser à Bilibili Gaming l'occasion d'avoir les deux, étant donné qu'ils ont aussi montré de la proficience sur la strat niveau 1. Jinx est aussi un confort pour BLG. Et là, c'est compliqué d'aller jouer une Zeri dans ce match-up de mon point de vue. Donc c'est un bon first pick. Ouais, du coup, c'est un Maokai directement après. Je m'attendais presque au Aphelios Lulu. La Lulu est déjà là. Ouais, il récupère le jungler qui pense être le plus fort, étant donné que l'AD peut toujours être pick en 3. Et du côté de JDG, on devrait aller chercher peut-être un midlaner, étant donné que ça va être difficile de répondre. Je vois pas BLG récupérer autre chose que Aphelios ici. Donc si on pique un mid, on peut derrière ban pour, étant donné qu'en 3, ce sera Aphelios du côté de Red Side. Rakan qui est over pour Missing. Et déjà, mon cher coach, avec Maokai, avec Lulu, on a vu qu'il fallait déjà moins d'éléments que ça pour activer ces dive bots hein, pour les Bilibili Gaming. On va voir si du côté Red Side, ils vont être aussi à l'aise tout de même pour plonger sur Ruler et Missing. Et un Jace qu'il était peut-être important de supprimer ici pour l'association Maokai qu'on connaît si bien. Ouais, c'est très intéressant déjà cette association dont tu parles Twix. Et puis aussi le fait qu'on est sur un jungle support pairing qui n'a pas beaucoup d'engage. Donc Jace avec sa range pourra avoir le temps de poke avant les teamfights. C'est très intéressant et encore une fois, ils doivent aller chercher soit Aphelios. Donc pas de réponse directe au Jace. Et maintenant, on va pouvoir ban pour JDG les match-ups qui peuvent voir comme problématiques. Alors moi je pose la question, Striker, on sait que Maokai Jace c'est quelque chose, il y avait aussi le Maokai Tristana. Maokai Tristana, la Tristana en réintroduction si c'est pas ban, est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou dans Jace c'est pas vraiment la bonne idée? C'est possible, c'est toujours possible avec un setup midlaner comme Maokai. Maintenant je suis pas certain que BLG parle là-dessus sur la première game, surtout du côté d'Yagao et du fait qu'il y ait une Jinx pour outrange en early mid game. Il est intéressant ce ban Sylas ici. On nous prévoit peut-être un Jace qui irait pas là où on l'attend en premier lieu. Une affaire à suivre, une enquête à mener hein, vraiment. Ce Sylas qui a été sorti par essentiellement Yagao quand même dans cette compétition. Et Gigabin qui se fait marteler sa Champion Pool favorite. Le focus JDG il est clair en tout cas. Ouais, il reste le Jax encore, hein. Reste le Jax de Bean, on a vu que c'était quand même un de ses pics de cœur. Et après bon, moi ce Jace, je vois pas 3-6-9 c'est le flanqueur absolu, c'est l'homme qui va jouer des Gragas, donc ce Jace je le vois quand même au mid. Effectivement, ouais, je vois plutôt 3-6-9 sur une frontline aussi. On va voir, le Sion est toujours open des deux côtés, ça pourrait complémenter les deux équipes très bien étant donné que du côté d'Aphelios Lulu on aime avoir aussi une grosse frontline. Est-ce que ça va être pic en réintro du côté de BLG? Le son red side, hein. Est-ce qu'il se joue plus red side que blue side a priori pour les cheese de niveau 1? Enfin, tu en sais quelque chose a priori? Après nous en practice on l'avait fait des deux côtés, ça fonctionne plus ou moins des deux côtés et ça dépend aussi je pense des choix de match-up et du confort des équipes là-dessus. Fan de ces Juani ici qui vient directement taquiner un peu Canavi et ce fameux handshake c'est Juani Maokai. Mais du coup pour les Bilibili on peut envisager une recette un petit peu plus... Oh Syndra. Alors attendez, on va sortir de la jungle parce que cette Syndra, moi je l'attendais du côté JDG. Alors c'est sûr que... Knight est plus connu pour sa Syndra que Yagao Nolé, mais ça reste une très bonne Syndra. Après contre une équipe comme JDG qui a un très bon Gragas player, c'est peut-être ambitieux. En tout cas, il faut respecter ce choix parce que c'est pas facile pour moi de jouer dans Gragas Rakan en tant que Syndra. Faut pouvoir être réactif sur les flashs et sur les E. Il y a une dispersion d'effets, mais il n'y en a qu'une. Hein. Et c'est un petit peu un problème ici avec un Rakan, un Gragué, et peut-être même un Nautilus qui va venir compléter ce commando de plongeon. Du coup, ça veut dire qu'on aurait J-Stop, Gragas Jungle, Nautilus Mid. Ça flex là. Visiblement, ils l'ont bien senti ce ban Sylas. Ouais. Et le fameux Sion peut-être pour Bean. Du coup, il a son match-up. Il... Quoique, ça fait beaucoup d'AP tout de même, la Skenen. Ouais, quand même, surtout avec Gragas et Nautilus qui sont ponts pour disrupt. Pour moi, le Kennen, c'est ambitieux. Peut-être que Jax ouais, est un meilleur pick, à mon avis. Et Gigabin qui, a priori, ne devrait pas face quand même un Gragas sur la top lane. On a vu qu'il était déjà à l'aise sur le match-up. Mais là, ce Graggy Boy, évidemment, il a qu'une seule destination, c'est la jungle. On va être contre Jace. On a des conditions qui peuvent sourire
autoplaner des Billy Billy. Alors un avis général sur les faut illustrer une gueule, MJ. Ouais, je suis en train de regarder, j'ai pas l'impression qu'ils... Est-ce qu'on a une date? On est en finale. J'ai pas l'impression qu'ils aient envie de swap, c'est bizarre, ça fait quelques secondes que ça reste comme ça. Je pense que les deux drafts sont très bien équilibrés, on a de la frontline des deux côtés, beaucoup de scaling, le classique okay. Match-up, Jinx Aphelios, bon finalement... Ils ont pas swap, hein. Ils ont pas swap. Nautilus Jungle, ce serait le premier de la compète, alors je connais pas trop, alors... Je me dis que Nautilus Jungle, ça peut clear un petit peu avec les resets d'auto, avec les réplis sismiques et le shield, mais est-ce que c'est si bien que ça? Il me semble que le premier clear est pas horrible, maintenant que je suis pas du tout expert du pick, ce serait... Je veux pas vous alarmer, mais ils sont toujours pas swap. J'ai bien l'impression que c'est un Nautilus Jungle. Normalement, c'était 20 secondes les swaps, hein. Ah ouais, c'est... Ce sera comme ça, ils peuvent plus swap effectivement. Donc c'est bien un Nautilus Jungle et un Jace sur la mid lane. Et bien on va découvrir ça. Ok. Bah mon cher Sagar, tu vas rester avec nous un petit peu parce qu'on a besoin de ton aide pour ce Nautilus tout de même. On a besoin d'un petit peu plus d'inside. J'aime bien ce fan. Alors sur moi un bras. La passion en tout cas. Écoutez mesdames et messieurs, une game 1 est déjà d'énormes surprises. Les conditions de draft sont assez opaques, en tout cas au moins pour les JDG. On va déguster ça ensemble. On est à la pointe de la méta de ce 13.8. On est à la pointe de tout ce qui a pu être cuisiné dans cette compétition. C'est parti, c'est la grande finale. Et on rentre dans la faille de l'invocateur. Et c'est un peu, on en discutait hier, est-ce que JDG, vu que la méta était énormément poussée, a encore de la place pour innover? Ouais. Finalement, on a trouvé un peu de place pour innover. Et c'est beau de voir ce genre d'équipe qui arrive à toujours trouver des angles en draft un peu différents, avec des picks qui n'ont pas été sortis jusque-là. Ça nous montre à quel point ce jeu est riche, avec JDG qui va récupérer de la vision du côté du bot side, contre Nunu, c'est important. Alors du coup, je te pose la question au niveau des deux junglers, au niveau des passings, on sait que Billy Billy, bon, on connaît Shun 3 minutes vers la bot lane, mais Nautilus contre Maoga, comment ça va se passer pour aller protéger ce bot side? Je pense que les junglers ont dans tous les cas beaucoup d'options. De mon point de vue, il n'y aura pas de dive sur cette game-là, étant donné qu'on est contre une Jinx, qui pour moi peut affiner la wave beaucoup trop pour qu'on ait un stacking de wave qui permette un dive aussi tôt du côté de BLG. Déjà aussi s'intéresser un petit peu à sa vitesse de clear. A priori, Nautilus a quand même des arguments assez solides. Mais bon, il n'a jamais vraiment été utilisé au même niveau de performance que ses homologues. Enfin, que ses homologues, c'est même pas ses homologues. En réalité, Nautilus Jungle, ça remonte à très 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 loin. Très intéressé de voir un petit peu sa vitesse ici. Au final, c'est pas un pick qui est un petit peu dépendant d'une action early game pour pouvoir valider sa position en fait. Bah ouais, on va voir. Alors là, il va être wardé, il est en train de passer vers le bot side. Après, je pense qu'un Nautilus Jungle, en termes de capacité de gank entre le grab, l'auto-attaque, les répliques sismiques, il y a un tout petit peu de setup avec Arakan. Il y a du setup partout dans cette équipe, justement. C'est ça la magie, hormis peut-être mid lane, mais Nautilus se suffit à lui-même, Striker. Ouais, effectivement, il a laissé ce qu'il faut. Il peut utiliser son flash et le trade. Ce serait intéressant peut-être d'aller chercher le flash de la Lulu ou du Aphelios pour ensuite revenir plus tard, notamment avec Knight, une fois qu'il aura récupéré un peu plus de puissance de frappe et après un premier base. Eh ben on va voir justement de quel bois va se chauffer Canavi. Et pour une fois, eh bien, ce sera peut-être le premier des deux junglers à arriver vers cette bot lane. Il est bot side, timing wave canon, ça c'est le fameux gank Nico, hein. Celui où elle se transforme en mignon. On va voir si ça va connecter. Mais a priori, il devrait être généreux avec son flash. Et c'est parti, justement, premier engage flasher de la part de ON. On a récupéré ce qu'on convoitait, mais le trade back de Elk risque de forcer Missing à effectuer un petit reset. Est-ce que ça pourrait pas être dangereux? Parce que là, il va être obligé de reset Canavi. Je sais pas s'il peut aider au crash. On va voir Missing qui va partir. Et on a cette vague de JDG qui va arriver sur un timing où lui, Shun, eh bien, débarque sur le bot side avec un rouleur qui est absolument tout seul. Elle est rouleur, dure. Le heal, un flash obligatoire. Et il va se faire botter. Oh, le rouleur dans le bon sens. Ça se joue à des détails. La cleanse instantanée. Être du bon côté du smash arcanique de Maokai. Ça se joue à ça, tout simplement. Après, la wave de rouleur, elle est quand même difficile à gérer, là. Ah, il va bleed un petit peu là-dessus, là. Perdre un peu de CS. Maintenant, Missing est de retour. Et on va pouvoir reprendre, en tout cas, voilà, pas d'avantage pris. Deuxième round de Billy Billy. Est-ce qu'effectivement, il y a un deuxième round? On a plus de summoner sur rouleur. On sait qu'il aime bien faire ça, hein. Voilà, Shun, prendre son carapateur éventuellement et revenir directement à la charge. Mais il y a une petite ward qui a été positionnée. Et normalement...
on devrait pouvoir défendre ça. Mais voilà, la wave leur fait peur. Oh. On a le flashing de la part de LK, il qui est mis sur Missing. Les chompers sont bons avec un zap. On arrive à trade back. Attention tout de même, le Gravitoom. Les dégâts sont bons et on va se faire freeze là-dessus. On va se faire freeze. Et bien, comme dans les autres BO, Striker, on donne un avantage finalement à cette duo lane. Effectivement, ouais, ils se mettent plutôt bien sur ce move. Après, les carences TS n'est pas encore creusé, faut voir. Je pense que pour vraiment break le match-up d'un côté comme de l'autre, maintenant le mid-jungle va être important. Et de ce point de vue-là, on pourrait donner pour moi l'avantage quand même à Jace Nautilus. Donc après ce premier base, je m'attends à du hovering de Knight du côté de la bot lane pour justement capitaliser sur tous ces summoners utilisés. Et pour ça, il va falloir peut-être que Knight arrive de prendre la prio sur la Syndra. Jace contre Syndra, normalement. On doit avoir normalement une Syndra qui peut ne serait-ce que match le push ou même le mettre sous tour. Mais ce qui est difficile en tant que Syndra sur ce match-up, c'est le fait que tu as un Nautilus dans la jungle. Ok, on va voir effectivement si du côté de Cannavi on va passer. En tout cas, merci beaucoup Coach Striker, voilà, qui nous a aidé pour cette early game et pour cette phase de draft. Avec son expertise, j'aime bien parce qu'il a tout pointé. Hein. Bah, il nous a donné 5 minutes d'anti-sèche. là, si on ruine, c'est vraiment de notre faute. C'est le cheat code. C'est vraiment de notre faute. En tout cas, les premières agressions qui nous mettent un peu dans des conditions qu'on connaît, hein, la recette du succès des Bilibili Gaming. Et encore une fois, l'agressivité de Elk. Je veux dire, va-t-il se calmer un jour? Flash in transi gravitum. Enfin, il y a vraiment rien qui les effraie. Hein. Faut oser, hein. Ouais, faut vraiment oser, mais bah, ils sont dans la confiance. Hein. Ils ont remonté toutes les bracket. On disait qu'ils avaient avec le momentum, avec un Bin qui fait des prévisions. Alors pardon, Bin commence à se faire un peu tabasser par ce Gragas, mais c'est du bait. C'est complètement du bait. Le flash obligatoire pour 3-6-9. Shun ne l'avait plus, il l'avait utilisé sur le gank. Et heureusement, c'est ça qui lui permet de s'en sortir. J'ai envie de dire qu'on a réussi à finalement avoir un early game qui n'est pas trop explosif malgré ce cheese peak jungle. Mais le setup de dive ici, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien pendant qu'on a l'engage directement de Missing. On arrive à trouver les champions. Oh, attention, rouleur, encore un coup de tour rouleur. Oh, il va sortir. On arrive tout de même à trade back. L'assist sera récupéré sur Elk, le kill sur On. Attention à Cannavi qui se fait chasser. On veut essayer de 2v1 avec sa Lulu. Il va devoir s'arrêter là. Peut-être Lulu Cannibal, regardez-le. C'est un malade mental, Onyx à Lulu. Il pose jusqu'au minion. Le dive a été exécuté. On a réussi à deny des ressources. Ouh. Il va deny. Oh non, il n'a pas eu. Ça se... Pix, c'est trop lent. Ouais, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Oh. Le tank, un coup de marteau, on se repositionne. Knight. Les mouvements de Knight sont excellents. Il était mort, Knight, s'il faisait pas le play. Et il repositionne son adversaire avec son coup de batte. Le rejoint, l'utilise comme un dash out avec son Q-form marteau, proc son aftershock et ciao. L'intensité de ce début de partie me fait extrêmement plaisir. On est parti pour une très très belle grande finale. Missing qui prend l'information, il va être obligé de partir. Trop de joueurs BLG là-dessus. Ce cosplay Ward Humain est extrêmement risqué. Et les Bilibili ont-ils la main véritablement sur bot side? Ça se discute, hein, véritablement. Ça va dépendre surtout ce qu'on va faire de cet avantage de flash de rouleur. Mais en tout cas, pour l'instant, on respecte un petit peu la recette qui a fait leur succès. D'autant plus qu'ils sont très friands des Drake. Oui, ok, oui. Et qu'ils utilisent extrêmement bien cet avantage de pression plus tard dans la partie pour pouvoir se positionner dans la river. Hein. C'est vraiment ça. Le cœur de cette équipe, Billy. La quatrième game hier contre T1, l'âme infernale, a joué tout de même, je pense, une part importante dans la victoire parce que c'était serré vraiment jusqu'au bout. Et on voit que même avec cet avantage, mais avec une grosse vague, on arrive déjà à bien wave clear. On perd quasiment pas de farm et on trade back aussi. Et il n'y a pas d'avantage qui est vraiment pris par rouleur. Rouleur prend pas le kill. C'est Aéry, hein. Non plus. C'est Aéry qui récupère le kill. Effectivement, rouleur prend pas l'élimination et je pense qu'on... On déplore un petit peu ce résultat. Mais bon, grand respect à On, hein, qui bien sûr lâche le polymorphe au bon moment. Hein. On qui, bien sûr, est un peu le spécialiste de Lulu de la compétition, offensivement, défensivement. Sachant que Dive avec une Lulu... Lui et Sven. C'est... Dive avec une Lulu, c'est pas forcément si évident que ça. Mais il l'utilise extrêmement bien, notamment son statut de champion reine. Et j'ai aimé ton rire très sincère. Tu m'as pris de court, je ne pouvais pas simuler. La surprise.
Et en tout cas, on va aller gratter une première plaque du côté de Rouleur. On va pouvoir crash. On est toujours très accompagné par les junglers. Un Canavi qui essaie de récupérer de la vision sur le bot side. Mmh. Essayer de trouver un peu la position de Shun. On voit que quasiment tous les camps des junglers sont au top. Quelque chose va se passer ici. Canavi qui n'est pas à niveau 6. Yago va-t-il trouver la porte de sortie? Il utilise la tourelle bien sûr à son avantage. Mais l'auto-attaque est passée à travers. Son flash est excellent. Mais va-t-il pour autant survivre la gestion de l'aggro de la tourelle? C'est très bien fait et il peut pas tellement mieux la jouer. Même l'idée que l'auto-attaque soit passée à travers ce flash est un peu injuste pour Yageo. Mais voilà, Nautilus est un champion de zinzin. C'est une encre. On a tous vu cette vidéo de pré-saison de Nautilus. Trop badass. Franchement, en termes de lore, c'est accurate. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord que cet encre de 1 km de haut. Mais ça dégoûte, ça dégoûte, bien sûr. Mais le grave sera pas passé, mais bon, il peut pas faire tellement plus. Et là, on était avant le niveau 6 de Canavi, c'est-à-dire qu'on peut revenir faire la même. On presse juste R, on met la grenade à SM et on link tout dessus. Ce Nautilus jungle est une idée assez vicieuse. 3-6-9 qui force le flash de Bin pour qu'il puisse setup son stun et sa counter-strike. 3-6-9 sur le portant center et non. Et non, ce timing de flash. On était à quelques secondes. C'est parfaitement timé, on est exactement à la seconde près sur le timing de flash et 3-6-9 se fait gant pendant qu'on Knight a Knight. C'est Winite qui vient venger son top laner pendant qu'on a un engage au niveau du héros de la faille. Attention, le clair de lune, ça a connecté avec un heal et les chakram snipers qui viendront prendre la vie du support. Missing est tombé. La position est pour Bilibili, mais les JDG ont reset déjà une fois ce héros de la faille et donc on gagnait du temps, suffisamment de temps pour permettre à 3-6-9 de revenir et de participer à ce 4 contre 4. Bin a une TP également qu'il va utiliser juste ici, cette bataille du héros de la faille. On a l'impression que personne va lâcher l'affaire. Mais non, je regarde un petit peu les ultis, on a quand même beaucoup de cooldowns qui sont up pour JDG. Attention à l'absence de flash sur Yagao, ça en fait une cible de choix pour un Nautilus qui n'a juste qu'à press R pour un engage aussi du côté de Missing. Mais il y a un détail important, on a le niveau 6 de Lulu, pas celui de Rakan. Exactement, absolument un détail capital et c'est justement pour ça que les Bilibili vont immédiatement engage. On n'arrive pas forcément à trouver l'assassinat sur l'initiation, mais Canavi qui a un bon setup sur Bin Elk qui est en difficulté face à 3-6-9. Et les JDG qui prennent totalement l'avantage là-dessus. Double kill pour Knight. Position récupérée, héros de la faille validé. Ah, c'est très important, c'est peut-être le team fight de la game, hein. Celui-là avec 4 kills en plus pour un Jace, 4 kills, il va être accéléré, il va avoir un pesant de dégâts absolument monstrueux. Et on l'a vu, hein, 369 qui a isolé Elk, on n'a pas pu build pour Elk. Exactement, et on va le revoir au niveau du replay. Mais ce qu'a fait 369, c'est certainement ce qui a été le plus important. Alors après, bien sûr, le catch de Canavi et le kit de Nautilus ont un petit peu carré le premier assassinat. Et ce qui est très impressionnant, comme tu le disais, c'est qu'on n'avait pas de kit de Rakan, alors que l'ulti-lulu, bien sûr, a été consommé ici, ça n'a pas été suffisant. On n'avait pas l'ulti de Elk, si je me souviens bien, il vient de revenir aussi, et c'est peut-être ça qui a manqué un petit peu pour le début de dégâts de ce, la de ce patate, fight. Ouais. On était un peu paqué côté JDG, et on n'a pas pu punir pour Bilibili. On va revoir les interactions ici. Ah, le poke de Knight, hein, qui touche, mine de rien. Elk il est là, il est sur le côté, il se retrouve dans l'autre sens juste derrière. Allez, Knight le go in. La cleanse de Rouleur. On va en parler juste après, mais elle est importante. Ouais. Hein. Elk qui se fait complètement isolé. Et là, tout le reste des Bilibili, il n'y avait pas assez de dégâts. On n'a pas réussi à trouver un shutdown. Et du coup, ce sera un fight JDG. Il y avait un 4v4 d'un côté où les Bilibili n'avaient pas leur AD carry. Et de l'autre côté, un 1v1 entre top laner et ADC. Et forcément, pas très facile à gérer pour un Aphelios. On ne se laisse pas abattre malgré ces 3500 gold de retard, ouais. Et un dragon, deuxième dragon récupéré avec une âme, malheureusement âme des nuages, pas forcément la plus prolifique. Et la cleanse de Rouleur ici, en réalité Shun avait quasiment parfaitement synchronisé son all-in avec ses ronces qui étaient en train de le suivre. Mais la cleanse bien sûr a donné cette résistance au CC qui a permis à Rouleur de ne pas tanker un effet de contrôle, mais de tanker les deux. Il est sorti de l'emprise de la nature très rapidement, trop rapidement. Ah, le zap, le flash, le flash abordage, flash out de On. Il pouvait pas se le prendre celui-là, sinon il était mort quand bien même il avait l'ulti. Ah, il se fait chasser On. Ah bah focus à Lulu, hein. C'est une fois qu'on a tué la Lulu, c'est beaucoup plus facile de venir chercher cet Aphelios, héros de la faille sur le bot side. On ne perd pas de temps, on accélère pour JDG.
et rouleur qui va passer au-delà des 1000 golds d'avance si jamais tout se passe bien, mais la contre-attaque des Billy Billy pourra offrir quelques ressources à Elk, mais Kanavi est résistant. Yagao toutefois va sceller son destin. Attention à l'arrivée de Knight. Knight, il a 4 kills, on le rappelle. Knight, il fait très très mal. Il peut mettre un énorme Q chargé. Allez, la boulette. Heureusement, Yagao se met devant. J'ai eu peur pour Billy Billy. Je me suis dit qu'ils n'auraient pas le DPS avec Kanavi qui avait son ulti pour tempo. Ça reste un Nautilus qui a fait un bon early game, qui est un petit peu tanky, qui a un aftershock en plus. Mais Yagao avait le premier move. Ça lui coûte en ressources à Yagao. Oui, ouais, ouais. On a vu le Jace crash, et d'ailleurs s'il avait pas crashé cette wave, je pense sur la mid lane, ce Jace, il aurait pu arriver juste à temps. Absolument. Un sacrifice volontaire, hein, bien sûr, pour Kanavi qui veut donner de l'espace à son ADC. Le kill est récupéré par Elk et c'est là la bonne nouvelle. L'écart bien sûr est toujours présent entre les deux AD carry du match. Yagao, ce frère qui se jette sur la balle, hein. Il n'a pas hésité une seule seconde. On a une terre en mid par contre qui est très mal en point du côté des Billy Billy, avec toujours un Jace qui peut avancer très vite pour essayer de la récupérer. Là ça va être très facile, on va pouvoir accélérer pour ça. Wow. Attention même à un dive sur Yagao sur le timing de prise de cette tourelle. Ouais, Knight qui est vraiment en plein décollage. Et un Jace over méga fed comme le sien dans la partie. Ça va être un énorme problème, hein, parce qu'en termes de tanking de boulettes, très franchement, on n'est pas bien armé, hein, pour les Billy Billy. Que chaque phase de poke va être terrible à tanker. On a à la fois le poke, bien sûr, pour attendrir les cibles, mais on a définitivement la line-up qui engage le plus violemment. Oui. Donc, on a les deux côtés de la pièce, hein, vraiment, pour les JDG. Alors que pour Elk, eh bien, il va devoir face une Jinx tout en ayant plus de menaces face à lui que face à Rouleur. C'est-à-dire c'est une game d'Aphelios qui est ô combien difficile à jouer. Et il a pas de glance, Elk. Pour moi, c'est en teamfight, ça peut coûter énormément. Ah, il a une Lulu, mais bon... Et le creuset, il n'est pas là tout de suite, hein, le creuset de Mickaël. Il va falloir attendre encore que On se dépatouille pour trouver de la ressource. Là où on a tout de même Missing, Kanavi et 369 qui ont qu'une seule mission, c'est d'aller foncer sur Elk. Et tant que Bean n'est pas une force pour les BLG, je pense qu'en termes d'interaction 5v5, on est en désavantage, peu importe la situation. En tout cas, sur ce timing-là, c'est absolument indiscutable. Et les T1 commencent à tomber, à s'enchaîner en faveur des JDG. Ça va trop vite, et généralement, même quand Billy Billy se fait un peu prendre de vitesse, il y a toujours un élément qui ne change pas, c'est que le AD carry est très très bien dans la game. Oui. Là, quand on fait la comparaison des AD carry, moins 40 CS, il est derrière au gold. Tu l'avais dit, Rouleur avait déjà, il y a 5 minutes, 1000, 1500 gold d'avance. Et c'est rarissime que Billy Billy soit dans cette situation-là. En tout cas, ils n'ont pas connu cette situation dans les deux dernières séries qu'ils ont disputées. Il n'y a pas très souvent. Et comment voulez-vous défendre la dernière tourelle qu'il reste, hein, bien sûr. La dernière T1. Par contre, les petits pas de On. Ah, cette Lulu est très très bien pilotée. Le clair de lune, le mur de ronge juste derrière, Kanavi, les tanky Kanavi, regardez les dégâts de Knight juste derrière. Rouleur n'a pas encore pris position dans le teamfight. Et ce n'est qu'un 4 contre 5 puisque 3-6-9, lui, il push au bot. Absolument, Bean n'a pas vraiment participé, mais il était là en menace. Mais malgré tout ça, malgré tout ce bon setup, on n'a pas la patate nécessaire actuellement. Et est-ce qu'on l'aura dans le match? C'est pas garanti. Non, j'ai peur que JDG, pour cette game d'ouverture, ne laisse pas une respiration à Billy Billy. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on va pas se faire snowball sur les dragons, en tout cas pas actuellement. Donc du temps, en théorie, on en a. Si jamais, évidemment, on n'a pas les setups. Rouleur, il est inévitable, mais regardez Rouleur! La méga desquette qui trouve en face à Zib, on va tout de même prendre la T1. On a un héros de la faille qui vient de repop avec un dragon. On va d'abord couper le snowball au dragon de Billy Billy. Et alors, est-ce qu'on peut jouer les deux objectifs? On va concéder le héros de la faille. Limite, j'aurais préféré que les JDG fassent une stratégie un peu all-in de gold pour accélérer dans la game. Je suis d'accord, mais leur laisser un dragon, bien sûr, c'est peut-être une porte ouverte. Alors oui, c'est un dragon des nuages, mais cette décision, elle est compréhensible malgré tout. Oui, oui, oui. C'est un choix stratégique, celui de la sécurité, celui de on est devant, on n'a pas besoin de se presser, on n'a pas besoin de prendre ce risque-là. On veut peut-être même ne pas voir un ancestral qui pourrait éventuellement flip une game. On est vraiment
on a vraiment beaucoup de raisons d'être calme pour les JDG actuellement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et on commence à se servir dans la jungle de Bilibili. La vision est très avancée, on a une belle ligne de ward. Exactement. Les deux équipes se partagent bien sûr les deux côtés de la carte séparés par la mid lane. Mais on voit mal comment les Bilibili vont pouvoir empêcher la prise de vision de leur adversaire. Bombine, il faut que ce match-up change. Mais il a moins de ressources. Il a moins de ressources malheureusement Bin. Il a juste son Divine Thunderer. En face on commence déjà à stacker un peu de tankiness. On a du contrôle, j'ai l'impression qu'il y a ce Banshee en plus qui arrive. Pour histoire en plus on pourra même plus prendre la Counter-Strike là-dessus. C'est vrai. Ça va dépendre de quel spell est utilisé quand. Ça va surtout être un argument supplémentaire contre Maokai Syndra. Ouais. Mais... on aura directement un élu pour tanker les racines. Donc Bin, généralement, il construit son avantage dans ce match-up dès le début de la lane. Là, il n'a pas cet avantage de stuff. Non, clairement, et je suis assez intrigué par le phage qu'il vient de compléter. On peut faire beaucoup d'objets avec un phage, et on peut également faire des objets assez extrêmes. On va voir hein, ce qu'il en fait, bien entendu. Une grenade ASM qui est lâchée sur On, follow-up, il ne peut pas connecter. Bon, sur quelqu'un d'autre plus que Ruler, il aurait pas hésité à flash abordage Canavi, ouais. Mais là il n'y avait pas le DPS qui pouvait suivre. Certainement. Alors, est-ce qu'on se risque un early Baron Nashor pour les JDG? Est-ce que c'est vraiment un risque dans la situation actuelle? Ils ont tellement d'engage qu'ils peuvent au moins le provoquer pour forcer un fight. Absolument. Et voir ce qui se passe. Après, s'ils veulent counter engage, il va falloir assumer... un certain contrôle de la corniche. Et c'est pas encore le cas niveau vision. Exactement, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, hein, clairement. Est-ce qu'il peut aller au bout ici avec Shun peut-être 3-6-9. Même pas besoin, ne serait-ce que d'envisager le flash. La marge de manœuvre est colossale. C'est maîtrisé du côté de 3-6-9. Hein. Petit ulti qui a été gratté, c'est toujours ça de prix, même si c'est pas une grande prise de guerre. Et on le voit, hein, la vision qui est totalement maintenue sur le bot side. Ce serait vraiment bien de commencer à prendre contrôle autour du Nashor. Là, le bot side, finalement, est-ce que c'est un objectif pour JDG? Pas véritablement, mais je pense qu'on cherche surtout les spikes en réalité. Hein. Cet avantage en gold, il va être pertinent au moment où on va pouvoir compléter l'IE de Ruler. On n'en est pas loin. Et au moment où on va pouvoir spike sur la Muramana de Knight. Une fois qu'on aura coché ces deux cases, très franchement, à moins que les spells partent dans le vent et que Ruler oublie où est son clic droit, les interactions, elles sont pour eux. Non, je suis d'accord avec ça. Et surtout aussi, à mon avis, on protège Knight. Knight, il a une belle série. Knight, c'est peut-être la personne la plus vulnérable sur la carte à ce moment-là, en speed push au bot. Ouais. On veut qu'il soit safe, le temps effectivement d'arriver à ce palier d'items. Ah, il est pas loin de son Serilda en plus. Hein. J'ai complètement sous-estimé les golds qu'il avait en poche. C'est lui qui est en tête hein, dans le match. De là de Ruler très très loin devant Yagao. C'est un Jace, mesdames et messieurs, qui va démolir. C'est un des premiers Jace d'ailleurs qui va démolir quoi que ce soit dans cette compétition. Hein. À la position de mid lane en plus de ça, ouais. Le héros de la faille. Robin, Bin, c'est une fin de tournage pour le top laner des Bilibili. Est-ce qu'on peut gagner un maximum de temps? Ça va être compliqué en hein. Outplay, bien sûr, une grenade ASM de Nautilus, c'est peut-être un kill pour Ruler. Il fait du trampoline. Mais c'est bien hein. C'est une balle de ping-pong au milieu des JDG, on se fait la passe. Il y a tout de même une charge de héros de la faille, mais le truc c'est que sur la carte, Bilibili, ils peuvent rien faire d'autre. Ils peuvent poser des wards. C'est vrai. Et ralentir la progression de leurs adversaires. Et surtout, au final, c'est un trade T1 bot contre top laner. Donc, c'est pas si mal vraiment dans la position où Bin était. On rappelle qu'il était en situation de 1v3. Et il y a les shutdowns d'objectifs. Donc on peut dire que, économiquement parlant, c'est clairement pas une catastrophe. Je pense que c'est plutôt huge. Hein. 1v3 quand même. Bon, il n'était pas face aux pics les plus violents, hein, bien sûr. Il était face aux 3 contre contrôle de l'équipe. C'est ça. Coincé entre le ventre de Gragas et une encre de 600 tonnes. Bon, cette tourelle qui s'ouvre, des ressources qui tombent, écoutez, je vois mal comment on aurait pu faire mieux. Donc cette vision qui a dû être nettoyée par les JDG, les resets qui s'enchaînent. J'ai envie de voir les dégâts de Knight là. Alors il a bientôt Muramana, j'ai envie de voir ce que ça donne sur On. Ça va exploser, ça va être merveilleux. D'ailleurs je pense que le choix de Elk d'aller chercher une BT est assez bon.
parce qu'il va devoir encaisser quelques tirs dans la Absolument. Tête avant les prises d'objectifs. Absolument, et la différence entre Aphelios et Jinx va être d'autant plus nette hein, maintenant que Rouleur a son IE et que Elk, comme tu l'as dit, est obligé de faire ce passage, ce décalage. Ça va pas être facile hein, c'est parce que les moyens d'engage sont chez JDG, la range est chez JDG et il va y avoir probablement des grosses phases de jeu où on n'arrivera pas à avancer et on va juste se faire poke. Alors c'est un flash bien sûr pour Knight, alors un flash qui tombe, c'est malgré tout une bonne nouvelle. C'est exactement ce genre de truc qu'il leur faut, des catch pour briser la dynamique, ralentir le match et permettre justement... La rotation, c'est la téléportation juste derrière, les chompeurs. Et oui, on rotate, on a toute la vision dans le bot side. Et du coup, on prend de vitesse on, prend cette T2. Et les JDG pourraient même aller chercher une T3. On n'est pas du tout en position de défense. Regardez cette ligne de tank qui avance. Et attention, on a beaucoup de ressources. Hein. Si on se fait catch pour les Bilibili, c'est une fin de game qui peut les attendre. Il faut pas faire d'erreur ici. Ouais, mais là, le break est plus que fait. Et on va commencer maintenant à très sérieusement envisager ce Baron Nashor. Petit reset bien clean, non, il a déjà été fait du côté de Knight qui bien sûr a rejoint ses coéquipiers avec la téléportation. Vous voyez son spike, vous pouvez imaginer à quel point il va inspirer le respect. Oh là là, la téléportation, c'est all-in. Il y a une, c'est malin. Il y a une belle série à prendre, la coupe d'un strike. Face rush. Et on va mettre les contrôles, mais il est tanky encore l'arrivée de Rassistam. Oh, il a Mega Death Rocket. Il est vivant. C'est un monstre. Et là on va pouvoir avancer vers un Baron Nashor. C'est l'hécatombe du côté de Bilibili qui a tenté son all-in. C'est même peut-être une fin de game. C'est juste un Nashor ou pas? C'était non, ça pingomine, c'est terminé. C'était le Baron d'honneur. Il y a une wave au mid avec un super mignon. C'était l'ultime tentative des Bilibili. Et comment leur en vouloir? Le joueur le plus faible et le plus vulnérable était disponible, semblait avoir commis une erreur. Mais il est parvenu à outplay. Je comprends l'engage, perdu, il faut le tenter. Ils étaient trop derrière. Mais waouh, JDG qui fait un statement, première game. Oui, il y a une hype Bilibili, oui, ils ont remonté Winner Bracket. Oui, ils ont sorti tous leurs adversaires. Mais le boss de fin, il est là. C'est JDG, le champion en titre de l'IPL. Celui qui attendait en haut de l'arbre, en haut du Winner Bracket. Et ça fait deux best of five que les Bilibili avaient remporté le premier match, le match d'introduction. Et à partir de là, ils ont snowball en réalité. C'est une équipe qui se déverse vraiment sur la série. Que vont-ils faire avec ce départ? Ce sont eux qui perdent déjà la game et qui la perdent en 25 minutes. Oui. Et vraiment, ce triple flex avec Nautilus, avec Jace, avec Gragas. Le Nautilus dans la jungle de Canavi, mais quel joueur ce Canavi. Il était partout, absolument partout, et la duo lane a tenu malgré les agressions de Shun. Nautilus support jungle. Meilleur champion du jeu, je le dis depuis... On va voir ce qu'en ont pensé les autres, mais a priori, bien sûr, sa vitesse de clear, elle était même pas pertinente en réalité dans le match. Et juste qu'il soit là au bon moment pour accompagner les waves de ses coéquipiers, c'est ce qu'il a fait. Franchement, moi j'ai pas senti la différence entre ce Nautilus et un Maokai. On est dans un registre similaire. Peut-être s'il avait été face à autre chose, il aurait pu mettre en difficulté ses coéquipiers, mais ce n'était pas le cas ici. Très très smart, grand respect. Non, vraiment très très belle draft, très très belle game. On va les débriefer de tout ça avec, je crois, Striker, Chips et un autre individu qui se nommera lui-même. On se retrouve dans une minute. De retour, mesdames et messieurs, après cette première manche remportée par les JDG 1-0 en faveur des champions en titre de LPL et qui attendaient leurs adversaires du jour en grande finale. Donc, et ils n'ont pas chômé, semblerait-il, en les attendant. Messieurs, on va parler de la draft, bien sûr, mais forcément, le petit truc qui change par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là, c'est ce Nautilus jungle fraîche. Toi, jungler de profession, on a un champion qui... Bah écoute, il y a un petit problème dans l'affichage de la draft, j'ai l'impression, les amis. Mais du coup, toi, jungler de profession, tu vois un champion comme ça avec énormément de CC, qui a un wave clear correct, ça passe
En réalité, ouais, c'est ça. Ça reste un jungler très correct parce que son kit fait qu'il a beaucoup de CC, donc beaucoup de pression de gank sur ses lanes. Le hic du perso, c'est clairement le clear de la jungle, et c'est pour ça que d'autres champions sont priorisés. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on pique un Nautilus tôt dans la draft et on a l'habitude de le voir flex entre le mid et le support. Et en créant une surprise comme ça, et bah, c'est là que ça change pas mal de choses dans la draft. Ce pic, c'est vrai, belle surprise quand même, beaucoup d'initiation. Ça donne, c'est vrai que ça change un peu la donne. C'est un nouveau champion setup dans la jungle finalement. Exactement, ouais, ça permet de faire ce que font d'autres champions de jungle avec du point and click CC. Et ça match très bien avec un Jace notamment et avec une botlane qui veut les jouer agressives. Je pense que contre BLG, même d'un point de vue stylistique, c'est très intéressant parce que, certes, comme Fresh le disait, on n'a pas beaucoup de clear sur le champion et c'est pas un champion qui va scale individuellement très bien. Mais contre une équipe qui a montré que ses forces c'était leur league game, bah, c'est parfait pour match ça quoi. Absolument d'accord, et là on arrive sur un fight ultra important où juste avant 3-6-9 se prend un gank et décide de ne pas flash out. Il revient très rapidement avec son TP, il avait encore son flash et là il nous fait un flank incroyable. Et en fait je pense que ce fight autour du Herald, c'est un petit peu ce qui a déterminé la game. Jusque là c'était relativement close, on avait eu si ce n'est un dive de Snotilus sur la Syndra, mais là à partir de là c'est très difficile par exemple pour Bean de pouvoir faire son travail en side lane parce qu'il y a trop de pression sur lui. Derrière on a un Jace qui peut side également et on a du mal à contrecarrer cette stratégie de 1-3-1 de la part des JDG. Ouais, effectivement, on a eu un Knight très bien en place dans la game avec son pick Jace, le Gragas de 3-6-9 pas débordé par le Jax de Bean qui insiste Striker sur ce pick Jax finalement dans Gragas. Ouais, il n'avait pas spécialement pu déborder Zeus hier. Aujourd'hui, pareil, on n'a pas l'impression non plus que ça ait fait des miracles contre 3-6-7. Et est-ce que c'est une bonne idée à la fin? Parce qu'on l'a eu en interview, il est confiant, certes, mais... C'est un pic qui revient à la confiance, je pense, à la maîtrise individuelle du champion. Mais quand on regarde un peu comment aussi les teamfights se déroulent, notamment le premier autour du premier Herald, je pense que Gragas apporte énormément. Et que si on veut jouer Jax, il faut trouver un angle pour justement enlever ce Gragas, ou en tout cas s'assurer de ne pas, le match et d'avoir un match-up différent. Parce que sinon, c'est trop compliqué contre 369 qui est... Ça a l'air. Ouais, son Gragas, vraiment très très bon. Il arrive toujours à trouver les flancs en teamfight. Il fait clairement le taf. Après, si on n'a pas le même fight autour du Herald qui leur donne tellement un avantage, je pense que la game peut aussi se jouer différemment. Il a montré qu'il était capable de jouer Jax contre Gragas. Maintenant, il y a deux questions. On s'était posé la question pour le Nautilus. Est-ce qu'ils l'ont practice tant que ça, ou est-ce que c'est un peu de l'improvisation? Bonne question, effectivement. Peut-être dans les interviews. Et l'autre question, c'est est-ce qu'ils ont un autre pick qui peuvent sortir, qu'ils n'ont pas encore dévoilé, puisqu'apparemment, ils sont capables de nous surprendre. Ça, on verra. Mais il semblerait que le temps de préparation a été mis à contribution. Et bien, du côté des JDG, avec ce premier pick spicy dans le best of five, on verra si ça continue dans ce sens. Bilibili qui passe en blue side. Vous pouvez s'y attendre pour la game 2, mesdames et messieurs. Petit break et on se retrouve pour la deuxième manche de cette grande finale. A tout de suite sur OTP. Suite de cette grande finale du MSI 2023 entre JDG et Bilibili Gaming. 1-0 pour les JDG. Ça a commencé fort, Tréton, un blue side bien maîtrisé de leur côté.
un pic spicy Nautilus dans la jungle. Ils sont venus préparer les JDG. Ils sont venus avec des nouvelles armes, ils ont clairement pas chômé ces derniers jours. Ils sont arrivés, ils ont démoli les bilibilis, ce qui leur est pas trop arrivé en vérité dans les BO précédents. Donc on va voir aussi la réaction du côté de BLG. Parce qu'une claque aussi violente, ils en ont pas pris tant que ça par les équipes LCK. Ouais, c'est sûr que les Bilibili ont quand même largement dominé les deux BO précédents. Striker, JDG en place, les individualités ont pas tremblé. On a réussi à ne pas se faire surprendre par les playbots de Bilibili. Ça commence bien pour JDG. C'est même eux qui trouvent au final à la fin de la, début de la lane phase un dive. Et c'est très encourageant pour eux, le fait de pouvoir jouer sur la lane justement, qui a été la lane forte de Bilibili. Alors on est parti pour cette phase de draft entre les deux équipes. Bilibili, comme je le disais avant de rendre l'antenne, avant la pause précédente, ils sont passés en blue side pour cette game 2 et donc on va sans doute ajuster des choses. La quid de cette Jinx notamment qui avait été first pick par JDG. Voilà la Jinx, la Lulu qui peuvent être très très important. La Jinx qui on l'a vu même contre Lulu résister à la pression dans les premiers niveaux. On va voir si JDG veut la ban. Et là on imagine potentiellement un first pick de Jinx pour PLG tout simplement. Sans doute, hein, on va voir, ça va arriver, il y a quand même des discussions ici. Ah, il y a Maokai qui reste aussi, qui on le sait pas bon champion, mais qui a pas très bien fonctionné dans la game précédente. Effectivement. Et on a eu un Shun très bon hier face au T1 avec des champions un peu plus carry. Et la Jinx Striker. Ce qui est récupéré, ouais, effectivement, le piqué est très très bon. JDG qui pouvait aller récupérer une Annie. Peut-être que la paire avec Wukong est ce qu'ils veulent, étant donné que. L'une des petites faiblesses de Jinx, c'est son manque de mobilité. Donc une Annie, un Wukong pour aller chercher ça, c'est pas mal. Ouais, c'est le combo de teamfight qui avait fait très mal au T1 pendant deux games, cette année. Ouais, clairement. Faudra juste, avec la Annie, réussir à aller toucher cette Jinx. Bien jouer sur les timings de flash-in du côté de Knight, mais c'est clairement, en plus, côté JDG, le meilleur Annie Wukong qu'on ait vu de la compétition. C'est eux qui l'ont sorti en premier et ceux qui le font le mieux fonctionner. Tout à fait. Mais du coup, ils ont accès à la Lulu, les Bilibili. Ils ont ce Jinx Lulu. Oh. Ah, et on change un petit Rakan, peu. Ouais. Alors pourquoi partir plutôt sur Rakan que sur Illustrator? Pour moi c'est du deny, on peut peut-être pas donner le combo à Annie, Rakan et Wukong qui serait peut-être trop facile à mettre en place aux abords des teamfights. Ils sont pour moi plus intéressés par la Lulu au global, mais au vu de l'opening de draft de JDG, c'est pour moi un deny. Ouais. Et peut-être qu'on se dit que la Jinx va suffire à elle toute seule à prendre de poche en vérité, que même sans un support trop dominant, on est capable de prendre la pression en early game. Et pour ce troisième champion côté PLG, sur quoi est-ce qu'on peut partir? Une Gwen pour Bin peut-être? Ouais, c'est Locke du côté de Bin. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à ban en deuxième rota? Déjà on va voir le troisième pick de JDG. On pique un AD. Est-ce qu'on match directement l'AD ou est-ce qu'on match la Gwen? Quelqu'un doit drop. Apparemment, ce sera E69. La Zeri, mais ils n'auront pas de Lulu pour aller avec les JDG. Ouais. C'est étonnant en vrai comme choix et du coup on préférera partir sur la Lulu parce que ça te permet d'avoir peut-être la Felos, peut-être la Zeri. Oui. Est-ce qu'il y a un troisième pick? C'est ça la question. Et c'est ça. Si Bilibili banne les deux, qu'est-ce qui se passe Riker? C'est intéressant à voir, je sais pas exactement ce qu'il pourrait pick. Peut-être qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait un ban qui soit pas porté sur l'un de ces deux picks et qu'ils se disent que dans tous les cas ils auront la possibilité d'aller en chercher un autre. Mais ils ont forcément un troisième ban, je pense pas que tu puisses te permettre d'aller choper Lulu ici et te dire que avec ces deux bans tu serais sans AD pour la suite de la draft. Bon, a priori, tu veux pas jouer Xayah avec Lulu, traitons? Ah non, avec Lulu en soi, bah, il reste vraiment ces deux-là qui sont vraiment très très forts. Il y a Sivir, mais c'est pas terrible. Quel vilain Kogmo, mais bon, ça c'est pour un autre patch. Ouais, c'est pour le prochain patch, effectivement. C'est pour un autre patch. Hey, un Felios Zeri qui devrait arriver en tant que ban, hein. C'est plus simple. Ils nous ont surpris avec un Nautilus jungle, peut-être qu'ils ont préparé quelque chose en AD aussi. Ils ont eu le temps pour ça. Et quoi? Quel hyper carry! Oh, j'en vois pas, hein! Pas 10 000 choix, de toute façon! Ah, j'avoue que Sivir. En vrai, Sivir avec Wukong Annie pour Goin et tout, je pense que ce champion peut être vite fait intéressant. Ouais. Et Sivir contre Akan, c'est correct, mais c'est pas non plus monstrueux. Ça pourrait être une option. Les pairings classiques avec Lulu sont pour moi difficiles à aller jouer dans Jinx Rakan en lane, notamment le Twitch, je sais pas ce que tu en penses Tréton, mais ouais. Pour moi c'est très difficile, t'as envie de jouer avec Lulu mais le match-up est pas forcément à ton avantage ici. C'est vrai que Twitch pourrait être un hard carry, Vayne ce serait extrêmement étonnant. J'y crois moyen honnêtement à cette bête. La range contre Jinx c'est compliqué en lane je pense. Ce sera Zaya. Ouais. Un peu suboptimal comme combo. Un peu suboptimal, ça reste un hard carry sur le papier, booster Zaya fera toujours beaucoup de dégâts.
Mais c'est clair que le pairing de la Lulu n'est pas super utile à Inzaya et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop le pairing. Après, ils ont bait du coup deux bans, si on peut appeler ça un bait, au niveau de l'AD. Ils ont été entre guillemets forcés de retirer Aphelios et Zeri et c'est peut-être la raison pour laquelle JDG est allé chercher cette Lulu en 3 pour récupérer un top laner avec plus de possibilités. Et le Viego de Sean, il a été bon hier avec. Il a été très très bon, il a excellent team sur le champion. Et d'ailleurs, en parlant de... Ah, on sera plutôt à Maokai. C'est vrai que Maokai est resté très très longtemps ouvert dans la draft. Attention côté PLG, du coup, il faudrait finir avec un midliner AD. On pense à Tristana, on pense à Jayce. C'est le Jayce sur lequel on semblerait se diriger pour Yagao. En mode nuke. Nuke direct, c'est pas jouable, je pense, dans cette draft. J'imagine la Kiana. Ouais, je pense aussi, ouais. Ok. Jayce. Et du coup on l'explique du côté de JDG, il n'y a pas le Gragas. Un Sion c'est bien mais t'es face à une Gwen donc c'est pas optimal, ça reste ok dans le sens où il y a une Jinx et faut pas lui donner de reset, donc quelque chose de durable c'est bien. Et c'est Sion Red Style les amis, donc il devrait se passer quelque chose niveau un striker. Oui mais après c'est quelque chose qui est pour moi un peu plus difficile quand t'as pas le push au niveau du bot et sur ce match-up étant donné que tu joues contre Jinx, je sais pas si c'est aussi facilement faisable. On va voir, je suis pas sûr honnêtement. On va voir si Lulu est capable de jouer assez agressif avec ce match-up support. Peut-être qu'ils peuvent, ça reste Xeria qui a aussi un petit peu de push, c'est pas comme Aphelios au niveau 1. Ouais. Comment tu vois les affrontements en termes de team fight, en termes de mid-late game striker entre ces deux compositions? Alors, je pense que Bilibili veut vraiment avoir la position étant donné qu'il joue avec le Maokai. Je pense qu'ils vont chercher à récupérer peut-être des dragons en early, même si c'est plus difficile du côté du blue side. Et ensuite voilà, pouvoir s'échapper avec l'ulti Maokai en couverture. Et un bon scaling avec notamment la Gwen dans ce Sion. Du côté de JDG, il va falloir être très décisif. On joue avec Annie, on joue avec Wukong et on est sur deux carries au mid ou en AD qui souffrent d'un manque de mobilité. Tu devais donner une draft gagnante, peut-être un peu plus simple à jouer d'un des deux côtés. Est-ce que tu en vois une un peu au-dessus? Je pense que sur la première game, JDG était largement au-dessus. Celle-ci, pour moi, elle est un peu plus équilibrée, mais je préfère légèrement celle de Bilibili. On va voir si les enseignements sont les bons. C'est vrai que la draft semble extrêmement intéressante. Le Sion va forcément être très très attentif à tout ce qui se passe au niveau 1 parce que ça peut tout simplement dicter le cours de la game. Ouais, clairement, hein, puis bon, ce Jinx Rakan qui est sorti, la Jinx qui a l'air d'être vraiment le champion crucial pour push en bot lane. On est parti, messieurs, Bilibili Gaming contre JDG. Alors, on se dirige apparemment pas vers une invade. On va jouer de façon classique du côté de JDG, il me semble. Ce qui serait quand même quasiment une première avec Sion dans ce MSI. Parce que j'ai pas trop le souvenir de Sion qui ont rien fait au level 1. C'est quasiment jamais arrivé. Après, juste la présence de Sion, en général, j'imagine Striker peut bait aussi des wards, des positionnements de BLG. Ah, les niveaux 1 sont obligés de couvrir en permanence. Oui, oui, ça leur permet, entre autres, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'invade de l'autre côté, parce que tu es plutôt dans le mindset de vouloir répondre à ce qui peut être fait du côté de Sion. Mais encore une fois, avec une Jinx de l'autre côté, c'est pour ça que je pense qu'on verra pas forcément beaucoup sur ce BO les deux champions être donnés à l'une équipe ou à l'autre. Et on voit quand même ce Sion qui se dirige vers le bot side. Donc on a une unité dans la tête du côté des JDG. Ah. Ils vont y aller au final. Et BLG, la fameuse défense avec peut-être le Maokai qui va démarrer au wall pour avoir son niveau 2 et essayer de résister à cette invade. Sion Yagao qui va prendre le stun, On qui se repositionne. On a vu l'entrée dans la jungle des JDG. Alors comment on défonce un Striker? Pour moi, de ce qu'on avait vu en scrim, il faut être 5. Et je vois pas 5 members blue side, donc ils vont devoir peut-être le conceive et simplement défendre au niveau du dive avec une TP préemptive pour éviter que le burst soit appliqué avant les 5 secondes de Chanel. On a vu des petites variantes aussi avec le pool par exemple du red buff pour faire perdre suffisamment de temps. Ouais. Les Krugs également qui pouvaient être faits par la bot lane. Mais là pour l'instant du côté des BLG, on est vraiment en train de contester. Oh. Attention, l'arrivée de Sean, l'arrivée de Yagao également. Knight est présent. Knight contre Yagao, ça va se jouer au smite peut-être sur ce red buff. Oh, Sean se jette dedans, attention. Le VAT est engagé ici. Le first blood est en faveur de Kanami. 3 fils va tomber. Mais ce Wukong qui récupère un first blood, ouais. On sait à quel point ça peut être important, notamment entre les mains de Kanami. Et très très solide sur le smite Kanami ici qui a vraiment pas tremblé. Coco Neverman, c'est elle qui... Ah non, c'est elle qui a tué... Excusez-moi. Mais écoute, les BLG qui ont plutôt bien défendu. Bin qui prend un petit peu d'avance sur la top lane. Évidemment, Trostov qui TP. Et Trostov qui a pas perdu grand-chose avec son Sion. Ouais, clairement. Mais je pense qu'au final, BLG s'en sort très bien. Avec aucun dive de fée. Un kill, mine de rien, qui est récupéré par la Jinx. C'est une bonne défense de leur part. Et le pick de Jinx qui a été bien utilisé pour voilà un petit peu aller chatouiller les HP de JDG avant que la fight commence réellement. Ouais, elle, pour l'instant, avec son red buff qui devrait
Bon, alors certes, il a perdu pas mal de HP, mais le Red Buff a cette faculté de te remettre dedans, traitons, donc il y a peut-être moyen. Attention à l'arrivée de Shun, là, ça pourrait être très 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 intéressant. Il est bien positionné. Il a son flash, Shun. On va chercher Missing. On va chercher Missing. Missing est foutu. Missing est terminé. On a fait flash out. Missing, parfois, il essaie de gagner un maximum de temps pour l'arrivée sur Jungler, mais c'est bien trop tard pour même rouleur. Qui trouve un bon route. Est-ce qu'on peut engager du côté GDG avec Kanavi qui va arriver. L'arrivée de Kanavi, attention, Shun qui doit nager au milieu d'un océan de plumes. Kanavi qui se jette sur On. Et on va en rester là, mais deuxième kill pour Elk dans cette histoire. Et très très belle défense, Striker. Du coup, au final, un bon flash de Missing au final qui gagne du temps, qui permet à son jungler de venir et de trade un pour un. C'est bien joué de sa part. Du coup, on limite un petit peu la casse sur ce gang qui était pourtant pas mauvais du côté de Shun. Forcément, un jungler avec ce start qui joue beaucoup vers le bot side. On va avoir énormément d'attention autour de ces deux bot lane. Et ça permet à Bean de mettre lui beaucoup de rip dans son match-up. Et on le sait, si la Gwen est devant, Striker, c'est une véritable win condition. Bien sûr, ouais, elle va naturellement être devant sur ce match-up. D'autant plus si tu utilises ton Sion pour faire ce genre de move niveau 1. Une des portes peut-être de sortie sur cet early game pour JDG, ce serait éventuellement un swap pour pouvoir mismatch les bot lane maintenant que Jinx a récupéré 2 kills. Étant donné que tu as un Sion qui lui n'est pas très friand gold. Et peut-être avoir un setup avantageux au niveau du premier Herald. Là on voit l'arrivée de Kanavi sur un Shun qui du coup, n'avait plus aucun moyen de s'en tirer. Belle temporisation de Missing, mais 2-0 pour elle qui est effectivement Bean qui va se balader. Hein. 3-6-9 qui va devoir jouer avec pas grand chose. Mais vraiment les Belges qui ont réussi à bien activer leurs deux win conditions, que ce soit la top lane avec Bean, que ce soit la DC avec Elk. Merci beaucoup à Striker pour ses enseignements en draft en début de partie aussi. Ouais. On va continuer sans lui, mais c'est un plaisir de l'avoir évidemment avec nous à Londres pour nous donner tous ces petits détails. Tout à fait, hein. Il a répondu positivement à notre proposition et voilà, ça nous fait plaisir de vous proposer ce petit plus bien sûr. En plus pour caster un début de game de Sion, il n'y a pas plus expert. Il a pas plus expert. Spécialiste, effectivement. Des BLG déjà qui vont avoir une game qui est beaucoup plus jouable que la game précédente en termes d'early game, qui sont déjà bien plus solides, qui ont réussi à mettre tout en une condition plus ou moins devant. Va falloir voir aussi si sur la mid lane Yagao va tenir, notamment le passage niveau 6 de Knight et de Kanavi, où on imagine qu'ils vont vouloir jouer de concert et essayer d'aller punir un maximum le Jace qui est quand même assez faiblard par rapport à un Flashing Dani et un Wukong qui se présente. Ouais, ça peut aller vite, hein. C'est vrai qu'avec les ultis des deux champions, honnêtement, le Jace peut exploser. Le pire, c'est que ça se trouve, tu n'auras même pas le temps de proc ton Eclipse si jamais tu l'as, tellement ça peut aller vite. C'est un peu la force d'Annie, hein. C'est annihiler toute capacité de réaction avec cet instant engage, en fait, tout simplement. Le flash air, il n'y a pas grand-chose de plus instantané. Clairement, et en termes de décisif sur Annie, personnellement, c'est Nike qui m'a le plus impressionné, notamment contre T1. Vraiment, dès qu'il y a une fenêtre, il va y aller et il n'hésitera absolument pas. Les GDG qui veulent aller jouer autour de ce dragon qui devrait pouvoir le récupérer pendant que Knight évidemment met son trade autour du Drake avec le T-Burst pour mettre un bon poke et pour empêcher Yagao évidemment de bouger. C'est rigolo quand même parce que quel que soit le champion qui soit en face de Annie, c'est toujours la même chose. Annie pose ton T-Burst dessus, tu prends ton midlife et t'es obligé de respecter et de reculer. Parce qu'après tu joues même plus en 4 contre 4 le fight, tu joues en 5 contre 4 parce qu'il y a un T-Burst et à ce timing de jeu, T-Burst c'est aussi fort qu'un champion. Et d'ailleurs Knight met énormément de pression sur Yagao. Ouais, ce T-Burst hein, vraiment qui. Il est extrêmement oppressant en early. Ouais, ça leur permet vraiment d'avoir une grosse priorité. Yago qui doit un minimum reculer. Maintenant, on va se rediriger vers le top. Ça va être du côté de Kanavi. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller un petit peu calmer Bean? Parce que si on le laisse comme ça sur un îlot en permanence, le CS gap va s'augmenter. Peut-être qu'il va prendre des plaques aussi. Et vraiment, une Gwen qui est devant, c'est terrible. Hein. C'est pas mauvais, Gwen, dans l'idée contre une Xayah. Parce que le rappel de plus, mais t'es quand même très. T'es très loin d'être assuré de pouvoir le rentrer sur la zone de Gwen. Et Gwen est très très loin aussi contre Wukong pour vraiment le one tap dès qu'il rentre dans la mêlée. Et Knight pareil, pour aller tabasser la Gwen, c'est très très difficile pour lui. Non, vraiment Bean, il a un angle de carry et on sait que quand Bean a un angle de carry, très souvent, en tout cas dans les derniers matchs, dans les dernières performances, il le fait sans problème. Bah, surtout que son équipe a suffisamment de front to back avec la présence du Maokai et la range de la Jinx. Donc il peut vraiment se permettre de trouver des angles de flank et de se cacher dans des buissons et d'attendre son moment. Et je pense que dans ces conditions, il est vraiment redoutable ce joueur. Oh, attention à ce trade ici, qui se retourne un petit peu, mais le trade est perdant pour les Bilibili. La rouleur est niveau 6 forcément. Ouais, elle qui vient de passer niveau 6. Et Yagao
qui va essayer d'aller se montrer un petit peu sur topside, de prendre au moins un minimum de vision à ce niveau-là. On voit que la vision du côté de BLG est très très bonne. Dans à peine 5 petites secondes, il va avoir le respawn du héros de la faille. Avec la puissance de Bin actuellement sur la top lane, avec Sean qui a un petit Maokai qui devrait bientôt passer niveau 6. Je pense que le héros de la faille est pour Billy Billy. Semblera, mais les GDG ont investi dans le dragon. Et franchement, niveau dragon, il y a quand même les souls qui arrivent. Tu peux avoir Infernal, Mountain, Hextech. Il y a des très grosses souls potentiellement dans cette game. Et Missing qui a cancel l'ultimate duel, qui a solo plaque en légende. Avec sa Lulu, attention, on a ici qui se fait agresser un peu par Yaga, ok, ça il peut répondre, Yaga, ok, très avancé, il y a Kanami maintenant, Yaga qui sera peut-être forcé au flash ici, mais il tient bon, il ne panique pas, pas de cyclone du Wukong, pas de flash de Jace. Ouais, dans son ultimate du Maokai ici, Sean qui va pouvoir récupérer ce héros de la faille, c'est bien joué, Kanavi, a-t-il tenté l'accélération? La réponse est non, on avait le flash, mais bon, sans T-Burst du côté de la Annie, ça paraissait délicat en termes de follow-up pour les JDG. Et BLG qui répond pas mal, ouais. Qui est dans sa game. Ah, c'est cool qu'on ait une game vraiment serrée. J'ai eu peur dans la première game que je déjoue juste trop au-dessus, mais BLG a évidemment du répondant. Est-ce qu'il va utiliser téléportation pour revenir? Et peut-être qu'avec la priorité maintenant, gold. Là il n'y a pas de T-Burst, c'est le moment de fight je pense pour BLG. Hein. Effectivement, On qui tente une engage, mais Cannabis s'est repositionné. Après fight, mais fight pourquoi? Du côté BLG. On a une wave sur laquelle jouer quelque part. Peut-être que nourrir Bin pourrait être sympa, mais aller d'invention, c'est quand même une aventure. Fight pour positionner l'euro de la fight, tout simplement. S'ils arrivent à mettre un knight ou un rouleur un petit peu au live sur un gank, le forcer à créer des summoners, derrière un héros de la fight, on prend des plaques, dans une minute, il y a un dragon. Parce qu'ils ont un petit timing fort, rouleur qui, de manière très confiante, est passé au-dessus des pyromasheurs. Ouais, le petit temps de proc des pyromasheurs est géré. Par l'empereur. Sean s'intéresse fort à cette botlane. Missing. Ah, il veut prendre la vision, comme l'a dit Coach Striker. Les Billy Billy ont tout intérêt à prendre la priorité dans la jungle, la priorité surtout dans la river, pour pouvoir utiliser au maximum le pick de Maokai et le pick de Jace. Et Kanavi qui s'est glissé dans ce buisson. Alors il y a tous les. Il n'y a pas le heal sur On, mais il y a le summoner d'escape pour la botlane des Billy Billy. Et il y a cette ward qui donne l'information sur Kanavi. Sean qui va peut-être se diriger à topside. Bin qui a sa TP qui va pouvoir également se relancer top. Kanavi et botside, est-ce qu'il n'y a pas un angle pour essayer d'aller positionner un Aural sur le topside, Tréton? Pourquoi pas? Après, ce qu'il peut aussi juste faire, c'est clear ses camps. Il y a quoi? Il y a deux plates qui ont été prises déjà par Bin top. J'avoue que la tourelle, elle pourrait tomber. Hein. Soit ils sont assez forts et ils veulent aller fight directement le Drake, soit ils disent qu'ils peuvent cross-map, et c'est vrai que le cross-map, bah, ça donnerait quasiment la tourelle. Donc, Ah, je suis d'accord. Et JDG, ils ont déjà eu un dragon. On a peut-être envie de... Mais en même temps, il a open top Kanavi, donc on n'est pas tout de suite en place pour un dragon. Mm-hmm. Elle qui a perdu pas mal de HP là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, et du coup, contester la botlane, ça devient difficile avec cette situation de Jinx. Ah, qui se fait juste pas respecter par Rouleur. Il met une pression absolument monumentale et je crois que Bin est parti pour proxy sur la top lane. Oui, ça a l'air. Il m'a l'air d'avoir embarqué quelques Krugs au passage, mais et ça ping massivement Bin. J'ai l'impression que ça va aller sur lui. Attention, JDG. Tous ensemble, deux concerts du côté des JDG. Et BLG a peut-être un très bon play en cross-map. Sean, il faut la réaction là. Il faut la bonne réaction hein, pour le jungler. Que c'est fini pour Bin. Il va essayer de gagner du temps. Il faut la bonne réaction de BLG botside. Totalement, il faut positionner le round affaire. Attention, rapide, pop. On pensait que c'était terminé, mais que le créateur de faille, il a failli créer un gap monumental. Okay. Si le cannabis, c'était incroyable. Avec le dragon pris dans la foulée, franchement, ça aurait été un play très positif pour les BLG. Et en jouant, on sera juste le dragon du côté de Sean. Pas de héros de la faille positionné, c'est un petit peu décevant. Sur un timing où même la Lulu a été investie top lane. Ouais, je suis assez d'accord. Et le fameux combo de Annie qui part sur Yaga. C'est vraiment. Enfin, le jeu, c'est ridicule en vrai. En fait, un T-Burst, c'est. Ouais. En fait, le fait que le CD parte quand tu l'invoques et pas quand tu meurs est vraiment. Je suis assez d'accord. Tu nerfes ça, c'est bon, Annie est ok quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et le fameux héros de la fight qui va être cautionné par Sean. Il faudrait un peu plus de plates là. Il hein. Faudrait que ça rapporte 3 plates cette phase de jeu quand même pour les BLG. Ça en rapportera une, 2,5. Ouais, pas terrible, terrible. Mais on continue d'essayer de donner des ressources à Elk. Il a un poids d'un rouleur malgré son 2-0, mais
On sait que même un L qui est à niveau, qui au moins peut faire des gants en teamfight, c'est vraiment les win questions de Bilibili sur, sur ce qu'il nous faut récemment. Et Bin qui lui aussi continue de mettre de la pression et qui va prendre encore une plaque. Il en a pris 3 en solo, en vrai c'est beaucoup. Oui. Ah, Bin qui est sur son nuage. Et du coup, Soul Infernal. On s'attendait à ce qu'il y ait une grosse Soul là, très tôt. On en avait 3 disponibles. Totalement. Très bonne Soul. Ouais, deux équipes, un dragon partout, pour le moment c'est pas forcément le focus. Et écoute, des phases de lane qui restent très très longtemps sans vraiment bouger, y'a pas de pipeline qui va au mid, y'a pas eu de swap, y'a pas eu vraiment de dinguerie, on a une pipe dive. Non, on a une game qui est très stable. Y'a beaucoup de respect entre les deux teams, mais c'est aussi parce que les deux teams bougent très très bien sur la carte et se neutralisent évidemment. C'est ça, après un niveau comme ça avec Sion et tout, avec des flashs qui ont été craqués, ouais. On se dit que la game aurait pu partir plutôt un peu dans le chaos, mais loin de là. Rakan. Oh, le spell de Rakan qui, depuis qu'il a été up, vous permet de trade quasiment even contre Nulus, c'est assez OP. Ça il a un peu. Ce qui est important aussi, c'est le divide sur Kanavi. Et on le sait, quand il est. Alors pour le coup, quand il est devant avec son groupe, lui, c'est quelqu'un. Oui, tout à fait. 2-0. Il arrive tout le temps à avoir des kills, Kanavi, sur le coup. C'est vraiment extraordinaire. Ah. Oh, attention, Knight. Knight, il voit rien. Et toute son équipe est à la base. De l'autre côté de la carte, il va se faire surprendre Knight. Ok. Alors, est-ce qu'il a de quoi gagner du temps? Il tente son flash out. Knight, il donne tout ce qu'il a, mais il y a une limite. Hein. Ce qu'il peut faire, bien sûr, Yagao qui récupère le kill. On a un T-Burst également en plus. Donc là, beaucoup de gold pour Yagao. Et là, la question, c'est ce que utiliser tous ces CD était important sur la carte pour gagner les quelques secondes. J'ai pas forcément l'impression que oui, je pense qu'il y a Herald, ceci dit. Oui, l'Herald va respawn, mais je pense qu'il va juste laisser mourir ici. Il n'y avait pas forcément de juste à prendre. Après, ça permet quand même à Ruler et à Missing de récupérer un petit peu de dégâts sur la tour à demi. JDG qui est devant sur l'euro de la faille. Il peut avoir la première tour là-dessus, les BLG au bot. Tout à fait. Avec Yagao qui est laissé seul. Ah, Yagao, honnêtement, son Jace va être quand même particulièrement énervé dans cette game. Ah, peut-être que Jace deviendrait le pick de cette finale, hein, puisqu'il a été très très bon entre les mains de Knight juste avant. C'est vrai. Yagao, hein. Parce que là, quand même, faut réaliser, il a eu un kill Yagao. Il a eu les 50 gold du T-Burst en plus, donc. C'est vrai. C'est un first blood, hein. C'est vrai que les 50 gold du T-Burst en plus, faut pas les négliger. Bah ouais. Et là, première tour, du coup. Après, franchement, là, que... je serais curieux de savoir combien ils ont en gold individuel là, mais je pense que Yagao vient de faire un saut en avant. Après, il y a toujours le first strike. Sur Annie, il fausse un petit peu les choses, mais je suis d'accord avec toi, Yagao est bien devant. Attention, attention à Shen, qui met son magic, qui veut tout mettre sur Blissling, mais c'est très très bien temporisé. Shen qui pourrait se faire découper maintenant, qui est beaucoup trop loin, et qui va tout simplement se faire one shot par l'Empereur. La méga Death Rocket qui n'est pas passée, bien dommage pour les Bilibili que elle n'ait pas réussi à trouver le bon angle. Et peut-être qu'on surjoue un peu côté Bilibili, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire ça? Bah, surtout qu'il n'y a pas de Chirakan, il n'y a pas de Chibaokai. Ce flash in missing, il a cet summoner, il avait son ultimate, il avait le polymorph. Ouais. Ah, Sean a même pas eu le temps, je crois, de Q-span, il s'est fait polymorph instance. Et derrière, Ruler était à côté et il le découpe avec un bon rappel de plume, il a sa gale force. Il faut le respecter. Hein. C'est assez d'accord. Ça fait deux games de Maokai pour Sean. Pas son meilleur champ là pour le moment. Et baf. Je trouve qu'il se lance un peu à des moments. Il se lance à des moments un peu random, je trouve. Mais j'avais le même sentiment game 1 en regardant ses plays. La finalité, c'est qu'il était vraiment très très bon sur le champion un peu off meta en vérité sur le dernier BO. Parce qu'il se faisait ban respect Maokai. Ouais. Parce que du coup, il a un peu moins joué, il s'est moins habitué à. Ce champion est quand même très particulier en vrai. Bon, attention, Yagao sur Kanavi qui va trouver un Olin ici. Kanavi qui prend beaucoup de dégâts, qui a pas de cyclone. Mais on n'a pas du tout le létal pour le Jace. Ouais, il fait mal quand même, Yagao. Hein, parce qu'il est bien en sa game, Kanavi quand même. Il faut le réaliser. Ah, le shield. Du passif de Rakan qui lui permet de prendre un bon bas, qui lui permet de garder sa tempo pendant que Bin, le travail de sap, fait son œuvre. Il continue et on notera également l'apparition du Rapid Fire Cannon sur Elk. Il n'y a plus de zone sur Bin. Est-ce qu'il peut avoir Bin? Il n'a pas de ghost, hein, Bin. Donc là, il est quand même un peu limité en termes de mobilité. Attention, Bin qui se repositionne. On a des stacks d'ultimate, il fait extrêmement mal. Bin, mais Ruler et 3-6-9 gère le top laner des Bilibili. Ouais, c'est vraiment bien joué de la part de JDG. Ruler qui farm full top side, qui prend la jungle de. De Kanavi, qui après. Ah, il voulait pas le fight ce dragon, ça se voit. Il se pense probablement pas assez fort sur ce timing. Ils avaient pas la vision non plus, ils avaient pas le contrôle. Peut-être la tour mid. Dans Maokai et dans Jace, la tour mid, pourquoi pas après tout. Mais la Ruler, il doit pas être en avoir lieu. Hein. Les Navori, pardon. Les Navori, ouais. Attention, peut-être l'engage du côté de Hon qui se retourne sur Missing. Le
Chi Zeap ou Chi Drakan. Difficile de savoir si c'est vraiment rentable. En tout cas, sur la top lane, déjà deux items pour Bin, c'est monstrueux. Et il faut courir pour GDG, c'est pas le fight qu'ils veulent évidemment, ils vont temporiser. Et on continue de se neutraliser sur la carte. Ouais. Effectivement, Bilibili qui à chaque fois répond bien. En fait, Bin attire quand même, ça fait deux fois qu'il attire du monde sur lui et qui permet à son équipe de faire des play cross map. Et malgré ça, il conserve son avance sur le Sion assez largement. Ok, il y a Gao sur Knight. Attention, oh. Knight qui pourrait se faire surprendre ici. Il y a le Jace évidemment, on a SPC de mettre le burst pour Yagao, mais Knight temporise très bien. Il y a Gao qui a beaucoup plus. Oh là 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 là, le burst ici qui sort de la Mega Death Rocket de Elk. Et on a un Knight en difficulté. C'est peut-être la première fois du tournoi que Stagné est autant en difficulté. C'est bien réel, on va voir s'il arrive à revenir ou non. En tout cas, il y a Gao qui trouve la très belle opportunité. Elk, malgré un stuff qui sur ce timing et pas sans avoir beaucoup de dégâts. Bah, son ultimate en réalité est toujours très très efficace. Et Sean, sur le blue buff, on peut récupérer pas mal de vision du côté de BLG. Ah. Cancel ici, ça peut compter peut-être pour la thème. Oh, le héros de la faille un peu lâché. C'est sans doute pas ce qu'on espérait côté JDG. Après, s'il peut charger, il prend la thermite. On est un petit peu low life, hein, en vérité. Là, c'est elle qui doit tenir bon. On, il a plus de mana non plus. Ils ont pas de smite. Sean arrive. Oh là 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 là. Ça, c'est beau quand même, hein, pour les Bilibili. Et petite déconvenue pour JDG tout de même. En même temps, leurs survivors sont juste pas présents. La Annie qui est top lane, le Sion qui est bot. On pouvait pas vraiment forcer sur ce timing. Il n'y avait pas d'estimation de wave en side qui le permettait. Et attention, Roller prend beaucoup de dégâts. Travail de Elk, on leur obligé de s'envoler. Ulti Xayah plus gros cooldown que Ulti Jinx, non? Oui, de très très loin. Il est aussi beaucoup plus utile, heureusement qu'il a des mouvements, parce que si les deux skillshots touchent, il est mort. Et on voit toute la range de BLG qui se met en place. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le canon ultra rapide aussi vite. Oui. Dans la Jinx, c'est pour jouer sur ce genre de timing. Effectivement. Ah, ça va être un problème pour les JDG qui ont quand même de langage, bien sûr. Mais qui sont un peu dépendants du flash de Knight aussi. Oh, Knight. Mais un Knight n'est pas très bien dans sa game. Il vient de flasher Knight. Il vient de doubler. Oui. Il vient de flasher de ne pas avoir la range. Oui. Et c'est pas sa game. C'est clairement pas sa game. C'est fou de voir les Chauvin Knight et tout faire des erreurs en phase finale, comme quoi même les meilleurs joueurs mécaniques du monde peuvent avoir les doigts qui tremblent un petit peu. Ah, la frustration d'une game qui se passe mal, hein, ça peut jouer. Après, s'ils veulent tellement jouer limite, ils veulent tellement avoir ce Tibor max range. On a bien reculé, on a bien space pour BLG et du coup, sans la menace du flash de la Annie, on peut s'avancer pour Bilibili et on peut prendre la terre mid lane. Bilibili qui progresse fort là, qui ont réussi à déjouer le play Herald, qui conservent leur terre mid, qui prennent celle des JDG. Ils voient le flash de Knight passer, ils l'ont bien noté celui-là, donc ils savent qu'ils ont 4 minutes devant eux sans flash T-Burst. Et ça change quand même la donne en termes de prise de position, de prise de vision. C'est vrai que ne pas avoir de flash sur la Annie, c'est quand même beaucoup plus rassurant pour les BLG. Ça va être un canami, je pense, du coup, de faire le boulot. Regarde, il a deux items. Avec son Wukong, il est colossal, il est niveau 12. Oh. Ce Rouleur qui prend les choses en main sur la mid lane. Ouais, il répond bien. Dragon, dans 1 minute 18, on imagine qu'il y aura un fight pour celui-ci. Il n'aura pas encore lieu sur la Jinx, qui en a quand même désespérément besoin, parce que vraiment, ces deux items ensemble, ça fait pas beaucoup de dégâts pour le moment. C'est sûr. C'est sûr, mais... Il y a un V1 qu'on n'a pas vu, qu'on a loupé. Ouais, parce que ça a joué mid. Ah, d'accord. Ah. Ok. Mais il n'y a pas eu de kill. Non, il n'y a pas eu de kill. Je me disais, est-ce qu'on a loupé un kill? Je crois que c'est stuff qui est très très vite. Il n'a pas envie de prendre les dégâts de la Gwen. Il a direct flash l'ulti. Intelligemment, même s'il perd des ressources. C'était nécessaire. 40 secondes avant le dragon, BLG a la pression. Et on n'a pas ce flash Annie. Oh, bien ulti. Hey, il est pas mal ce shield, bah, ça permet à Kanavi d'avoir deux pings. Est-ce que les deux pings vont vraiment changer la donne, je sais pas. Et On qui joue vraiment très très avancé. Hein. Très très agressif, On. Ils sont bons dans ces phases de jeu, Bilibili. Ils ont été très bons contre Gen.G et T1 sur la prise de vision à chaque fois, la vision très très haute. Et en général, ils attaquent l'équipe adverse dès qu'ils tentent d'avancer sur la vision. Ils attendent même pas qu'ils rentrent dans la river. On va pas ici, hein, il y a Gao. Yagao et Sean ont une très très belle position, mais Roller avec Judo Lut peut avancer. Après, JDG est très bon sur les combats mid lane, on l'a vu notamment dans le BO contre T1, mais ils ont les avantages de la range dans ce match. Clairement. Après, de toute façon, ils veulent que JDG vienne sur eux.
ils arrivent à les bait, ce qui est pas facile. Et on voit les combos de Yagao qui vont être de plus en plus embêtants. Ouais, il est fed ce Jace, il est bien fed. Il fait mal, les JDG là, ils ne peuvent pas rentrer dans cette river. Les BLG contrôlent trop l'espace. Surtout que la personne qui doit essayer d'apprécier que c'est le Sion et il est bloqué par la Gwen. Et donc attention, la composition BLG a du mal à jouer forcément. Ils jouent bien les BLG, hein. Ils jouent bien le spacing honnêtement. Ouais, c'est très très belle phase de jeu de leur part. Le fait que cette Gwen bloque le Sion, ça bloque le plan de jeu de suite à un chinois. C'est vrai qu'entre BLG et JDG, je me trompais plus d'une fois je pense. Oui. Ah, ils sont BLG, JDG, EDG, les acronymes RNG, c'est pénible hein. Mais oui, pas, c'est la même chose. Ouais. Enfin, quasiment la même chose. Oui. Ah, ouais. Je suis d'accord. Et on va les appeler Bilibili, ce sera facile. Et ils mènent vraiment, ils mènent très très mal leur game. C'est un peu ce qu'on a vu contre les équipes coréennes, c'est que Bilibili quand ils sont soit even, quand ils sont soit un tout petit peu devant, en termes de macro, mouvement de map. Personne fait d'erreur, la vision elle est bien posée, etc. Ils sont vraiment c'est très dur solides. D'avancer dans une zone contrôlée par Bilibili. Ouais. En général, ils ont toujours le petit détail en termes de skill shot. Ils arrivent toujours. Là, ils ont réussi à arracher Missing notamment. Ils trouvent cette Lulu. Ouais. Et du coup, t'es là, t'es mid life. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis tu disais quel champion fait échec. Est-ce que t'envoies ton Wukong? Mais en même temps, si ton Wukong prend cher, il pourra certainement pas contester le fight après et mettre un Cyclone ou aller se projeter pour mettre un Smite. Donc en fait, t'es un peu check et mat. Je pense que pour JDG, si on veut sortir de cette situation-là qui est en effet check et mat, il faut libérer les stuff. En fait, il faut libérer 3 stuff. Donc soit tu laisses Bin en side et tu perds des ressources, mais ça, c'est pas la meilleure solution. Et dans ce cas, tu dois être décisif. Soit t'envoies Knight ou t'envoies Kanavi avant le fight, qui le bouge ou qui push la wave, ou qui le tabasse, qui le mette midlife ou quoi, juste qu'il le faut reculer. Et du coup, ça libère 369 là. En tout cas, on a un timing où 369, il n'y a pas de wave qui est dangereuse. Donc il peut être avec son équipe. Et c'est le moment où JDG se doit et a besoin, comme tu l'as dit, d'être décisif et de trouver une engage. Ah, ils sont sous pression. Les JDG, tout à fait. Bin, attention Knight, avec son flash cette fois-ci. Mais qui est repéré. Ils se connaissent, Yagao et Knight. Et du coup, faut retourner botlane. Et là, c'est vraiment une phase de jeu qui va être pour Bilibili. Ouais, voilà, la fenêtre s'est refermée pour les JDG. Vraiment bien. Alors attention, il peut être 2v1. Et Bin. Ah, mais il y a le Nashor, hein. Et il peut 2v1, je pense. Hein. Il est niveau 15. Hein. Attention. Attention. Les BLG, ils savent que cette phase de jeu pourrait leur sourire. Bin qui prend énormément de dégâts par Kanavi. Bin qui se repositionne. Bin qui met très très lourd, mais c'est un shutdown en faveur de Kanavi. Ok, clairement, tu ne pouvais pas 2v1 pendant qu'on essaie de temporiser un maximum de temps. Mais l'ultimate du côté 3 c'est ça pour faire ce beau maximum edge. Mais on focus bel et bien. Le baron Nashor, on va pouvoir le récupérer pour Bilibili. Après, est-ce que Bilibili peut sortir? Maintenant, c'est la bonne question. Pour qui tente de s'avancer et de créer du jeu pour son équipe. Le flasher de Shun, excellent repositionnement du côté de Han. Ils ont 7-1 pour se repositionner. Les JDG vont-ils oser dive? Les JDG vont-ils oser dive dans cette situation? Rouleur qui prend les Rouleur qui va chercher Sean. Peuvent-ils dive ici? Le flash de Yagao directement. Les JDG vont tout donner pour supprimer ces bombes. On a Sean Rouleur dans la mêlée. Rouleur qui tombe sur les coups de tour. Et Han qui doit conserver le bombe baron. Cours, mon petit cours avec ton Rakan. Il faut absolument que tu t'en sors. C'est chose faite. On a réussi à conserver un Nashor, mais c'est un pas beaucoup. La phase de jeu, elle est quand même correcte pour JDG qui ont vraiment très très bien fight, qui sont allés jusqu'au bout, qui n'ont pas hésité une seule seconde à dive 7v1. Bah là, le problème pour Belch, si on avait conservé deux buffs barons, alors ça aurait été quand même. Ils auraient pu jouer peut-être une phase de baron Nashor intéressante, mais là, ils peuvent jouer que sur une lane. Ce qui est pas facile, mais cette lane-là, ça leur donnera la priorité pour le dragon dans 1 minute 50. Et après, ils ont la range, les skill shots. On a vu ce qu'ils arrivent à toucher des petits champions sensibles du côté JDG. Et en termes de spike, on a des soliners qui sont monstrueux. 3 items Bin, 3 items Yagao qui vont être très très problématiques. Bien évidemment, on a enfin lieu qui est arrivé pour Elk qui pourront prendre un meilleur fight potentiellement. Le gros problème pour BLG, c'est qu'ils n'ont plus aucun flash. Ce qui n'est pas le cas du tout des JDG qui en ont conservé beaucoup. Et on revoit temporisation de Bin ici qui, avec un coup de stack d'aiguille de plus, le dernier là. Avec du soulevé, etc. Peut-être qu'il y avait une arnaque à faire, c'était pas si loin. Et là, on voit un Rouleur qui a été très très décisif avec 3 systems aussi. Qui sait qu'il doit juste créer un fight. Il est pas là pour Sylvain Nashor. Il est là juste pour être sur les côtes de Elk, l'empêcher de jouer. Rouleur ultimate magnifique sur le combo de Han. Et là, le chase limite. JDG aurait pu jouer plus slow. Je pense 3 systems notamment. Ils peuvent laisser Rouleur prendre le kill et attendre un peu pour dive. Là, ils y vont vite quand même. C'est vrai. Après, Yagao leur laisse pas tant le choix que ça avec son flashing sur Knight.
Ah mais juste 3-9, il a juste à attendre et tant pour un peu. Attention, Bin encore une fois, situation de 1v2, il se fait bumper, il est en difficulté. Bin qui essaie de se retourner, rouleur qui met un superbe ultimate et Bin qui s'en sortira juste mid-life. Ça c'est pas mal, attention peut-être à l'engage du côté de Hone avec le Blasting Cone ici. On a une engage, Knight qui va peut-être devoir flash la porte, la porte. Knight qui faut flash, c'est trop tard du côté de Knight qui va être réceptionné par les pyromacheurs, il est condamné, Canavé qui doit s'enfuir sous sa tête de mid. Mais les Belges, j'ai pas de poussé avec ce baron nageur disponible sur le Rakan de Hone. Ah, on doit pas se faire catch comme ça pour le chevalier qui se fait attraper. Et les Bilibili peuvent pousser. Et surtout, les Bilibili peuvent rotate sur le dragon. Il a 14 secondes et c'est la soul infernale évidemment pour Bilibili avec le public qui pousse. 30 secondes du côté de Knight. La téléportation est disponible pour le millénaire prodige des JDG. Mais ce sera trop long a priori. À moins que JDG gagne du temps en 4v5. En vrai, ils peuvent le faire, hein. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas ici. 3-9 qui essaie de trouver une engage sur Hone qui est un petit peu avancé. On va plager une tour Canavi. Est-ce que c'est vraiment le bon choix pour JDG de fight en 4v5? Attention à Bin, attention à Bin. Bin qui va retrouver son ultimate. Canavi qui tente de se projeter. Bin qui gagne vraiment le drame 2. Mon dieu, le stack ici et la foule qui est bien en faveur des Bin. Mais des dégâts absolument délirants. Ces aiguilles pour fondre les JDG. Knight, il va essayer de faire un play sur LKL. Le flash est du côté de Knight, il essaie de calmer au maximum la Jinx. Est-ce qu'on peut prendre qu'il l'a réponse? Et maintenant il faut s'enfuir pour les JDG parce que ça pourrait être la game tout simplement pour Bilibili. Et on enchaîne, Knight va tomber, il n'y a plus de flash, il n'y a plus rien. Certes on a fait tomber elle, mais à quel prix pour Knight et pour les JDG? Est-ce qu'ils ont une wave? Il y a une wave qui arrive. Est-ce qu'ils peuvent terminer? Je pense pas. Rouleur 20 secondes. Il n'y a pas elle pour tabasser les tourelles. Canavi qui se fait chase pendant très longtemps. Ils vont prendre au moins l'inhibiteur. Peut-être une T4, ils peuvent essayer de la grid. Est-ce que c'est bien utile? Non, je pense pas qu'ils vont y aller. Ils sont déjà en très très bonne situation pour gagner. Ils ont réussi à trouver le dernier dragon qui leur manquait pour avoir maintenant l'âme infernale. Et on le voit sous âme infernale et même sans d'ailleurs. Bin découpe absolument tout le monde. C'est que son premier stack d'aiguilles, c'est un délire parce que c'est pas le plus fort hein, des trois. Mais ce qu'il lui a fait, c'est n'importe quoi. La Canavi qui essaye d'ailleurs de turn sur Bin, qui veut se projeter sur la Gwen. Peut-être qu'on aurait dû follow plus du côté du DG. Mais Bin temporise tellement bien. Oh, le deuxième stack. Là, celui-là, là. Oh là, le troisième. Oh, allez, trois coups au but du côté de Bin. Sacré couturier. Et Nate tout de même qui arrive à répondre. Mais bon, il utilise son flash. Donc le flash sera plus disponible pour le prochain fight. Ouais. Après, ça sauve la game, je pense. Parce que si Jinx ne meurt pas, il y a peut-être un monde où ils finissent avec le push de Jinx. C'est vrai. Ah, t'avais forcément très très heureux. Ah, l'un des coachs les plus émotifs de l'histoire de League of Legends, j'ose le dire. Et il met très très bien. Oh, les dégâts! Oh, bordel! Oui, 6400 pour cette Gwen. Ah, bah là, sur un match-up carry, il fait la diff, il a back, il a one shot insonniant. AT2. Jinx gets excited. Ouais, derrière, on le zap rouleur. On le zap rouleur. On rouleur qui réceptionne par Hone et Shun qui s'envole et qui va chercher l'empereur. Les JDG sur ce fight de fin. Double kill du côté de Shun et Bilibili qui s'impose et qui égalise dans cette grande finale. La chute même de Yaga, on se permet d'aller très très loin sur cette T3. C'est une victoire presque facile pour Bilibili. Très très belle réponse après la game 1, une bonne draft. Un Bin vraiment excellentissime qui, en termes de pression, a un peu mis à genoux les JDG. Bah, en même temps, cette fameuse stratégie du show, elle a été punie ici. Elle a été bien gérée finalement, effectivement, ce level 1 avec cette Jinx. L'avantage de portée, le chunk à la roquette qui a eu son effet véritablement. Et après, pas mal de plis. Canavi pourtant avait encore une fois réussi à être giga fait sur son contre. Il était devant mais il a tout simplement pas pu jouer. Là où ça a le plus craqué dans cette game, côté JDG, c'est du côté Knight qui a fait des erreurs qui sur les timings où on aurait peut-être pu jouer un petit peu côté JDG, on perd le bot quand il se fait catch. Ouais, puis le flash, enfin, il y a beaucoup de flashs qui ont pas le bot et son flash loupé, je pense que c'est deux plays qui font mal. Après ça fait pas toute la game, je pense juste Bilibili était mieux. Le Jace aussi prend de l'importance dans le BO d'un coup. Le Maokai Notion, certes il a fait quelques petites erreurs, mais tout de même avec le Jace dans la river a été utile. Il s'est remis dans le truc, Sean. Et puis encore une fois, tu l'as dit, mon champion offre énormément de contrôle et de stabilité au Bilibili. Et Bilibili qui nous montre encore une fois que mentalement, ils sont très très chauds. Parce qu'après qu'ils ont pris en game 1, revenir comme ça, jouer confiant, jouer leur draft, jouer leur champion, ça force tout de même le respect. A priori, de toute façon, quand on écoute Bin,
Il savait que ce serait un BO long. Ah oui, oui. Donc effectivement, si les Billy Billy sont rentrés dans la journée de compétition avec, en sachant ça, on a le mental normalement pour essayer de rebondir. Et c'est ce qu'ils ont fait dans cette Game 2. Mesdames et messieurs, on ne va pas prendre plus de temps. Petit break et on revient bien sûr avec Striker, avec Twixou, avec Noah, Fresh, bref, toute l'équipe pour analyser cette Game 2. À tout de suite. Égalisation des Bilibili Gaming dans cette grande finale du MSI 2023. On a eu peur, bien sûr, après la superbe performance sur la game d'introduction de la part des JDG. Mais cette fois-ci, on a trouvé la recette en Blue Side. Une Jinx, bien sûr, mais la Gwen, je pense que c'est ça que tout le monde a vu. Cette Gwen signature de Bean à l'impact colossal. On a vu au final des JDG qui ont ressenti les mêmes problèmes que les précédents adversaires de Bilibili. Il y a trop de problèmes aux deux extrémités de la carte. Absolument, et on a enfin Bilibili Gaming face à JDG sur une draft comfort zone. On a tous les outils en main. Ça commence très rapidement avec ce match-up Gwen contre Sion. On pique Sion en R5 contre une Gwen. Move risqué. Ouais, move risqué. Je pense que le niveau 1 et ce qu'ils ont tenté y est pour beaucoup, parce que de mon point de vue, d'un point de vue purement compositionnel, t'es avec une Xayah, donc je pense pas que le pairing soit aussi efficace qu'avec une Jinx ou avec une Aphelios qui sont des hyper carry, et tu affrontes une Gwen. Donc sur la draft, je pense pas que ça ait beaucoup de sens. Et voilà, le niveau 1 qui est bien défendu, facilité par la Jinx. Et derrière, on voit Jeune qui a bien appuyé au niveau de la bot lane, même si ça finissait ici sur un trade kill. Elle qui se retrouve rapidement avec deux kills dans cette game. Rapidement avec deux kills, ce red buff hein, bien sûr qui nous fait penser que cette Invest strat niveau 1 n'a pas été forcément couronnée de succès. Et bien sûr, donc, le sacrifice, parce que c'est ça un petit peu cette thématique de Sion top lane, c'est un sacrifice à l'hôtel de Bean. Est-ce vraiment un pari raisonnable dans la série, lorsque, bien sûr, la Gwen, la solution ultime, est disponible? Bah clairement, et elle a été très très difficile à gérer parce qu'à chaque fois qu'il y avait un spawn d'objectif neutre, elle était sur le side opposé en train de push, en train de mettre la pression, et les JDG n'arrivent pas à la tuer à temps, ils n'arrivent pas à la tuer assez tôt. À chaque fois ils arrivent en retard sur l'objectif, ils ont été obligés de le concéder. Et bah du coup les Bilibili Gaming, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont stacké les Drake, ils étaient dans leur comfort zone, on a le push mid, on a de la vision deep dans la jungle, on a un Jace qui peut poke en plus, c'est une nouvelle composante dans leur composition qui permet justement d'enfoncer encore plus ce playstyle, et tout simplement ils ont très très bien joué leur jeu, c'est-à-dire jouer autour des objectifs neutres. Les picks les plus problématiques, les picks clés de la série du MSI, c'est toujours Jinx. Striker, est-ce qu'on n'a pas justement une porte qui peut s'ouvrir? On a eu un Nautilus en game 1 de la part des JDG. Existe-t-il des solutions, des choses inattendues qui pourraient être opérées sur le bot side? Il y a effectivement des choses. De mon point de vue, c'était un pari un peu risqué quand même d'aller chercher la Lulu en 3, étant donné que tu donnes l'opportunité de ban à la fois Zeri et à la fois Aphelios en face. Et tu te retrouves avec une Xayah qui, encore une fois, pour moi, ne fit pas forcément ton thème de compo. Une Xayah avec une Lulu, c'est quand même sous-optimal. Une Xayah qui est un champion qui est bon en réception, avec Annie Wukong qui, eux, veulent aller chercher cette Jinx qui a beaucoup de range, ce Jace qui a beaucoup de range. C'est aussi sous-optimal de mon point de vue. Donc, des ajustements en draft. Et je pense qu'effectivement, cette Jinx doit être répondu dans la draft en première rota ou ne pas être laissé open. Est-ce qu'on envisage justement le retrait de cette Jinx qu'on voit omniprésente hein, quand même dans toutes les séries qui ont été récemment disputées? Ça doit forcément intéresser les équipes de la retirer de la chop and pull. Pourquoi est-ce qu'il n'ajuste pas de cette manière, d'à ton avis? Parce que généralement, le Aphelios, justement, il est capable de matcher cette Jinx, surtout accompagné d'une Lulu, comme il dit. Mais là, le problème de la draft, comme dit Striker, c'est vraiment le fait d'avoir pick cette Lulu en R3 et derrière s'être exposé à un double ban ADC scaling qui match bien avec Lulu. Et derrière, on s'est retrouvé avec une composition qui n'était pas cohérente au niveau de ce qu'ils avaient envie de faire. Soit c'était plus un Horn en top lane plutôt qu'un Sion pour pouvoir engager d'un petit peu plus loin. Mais là, on a des frontlines qui go complètement all-in et une Xayah qui veut jouer en retrait et c'était pas cohérent. Messieurs, c'est une grande finale, bien sûr. Les matchs s'enchaînent vite. Pour notre plus grand bonheur, les JDG ont choisi le Blue Side. On va voir à tes côtés, bien sûr, Striker, ce qui va se passer dans cette troisième draft. Ce n'est pas la dernière. Il y a un partout actuellement dans cette finale. 100% LPL dans ce MSI 2023. Petite pause et c'est parti pour la troisième partie. It's all in the timing, and I got a license to make it rewind it. You living too lawless, I'm bringing back order. It is my hands on the clock on the wall and I'm gripping it strongly. Cause I am a prophet, guided by conscience.
Retour après l'égalisation de Billy, on a un best of 5, on a une réponse. Et comme le disait Striker à l'instant, il va falloir gagner des red sides dans ce best of 5. Ouais, ça va être important, effectivement. Les deux équipes qui ont gagné étaient en blue side jusque-là. On va voir l'adaptation du côté de BLG maintenant qu'ils ont choisi à nouveau ce blue side de leur côté. Lucian Van qui bouge pas. Wukong et Kassanté du côté de BLG. Et est-ce que Jinx va être laissée open? Non, elle sera ban pour la première fois dans ce BO. Pas de first pick Jinx. Et le Maokai. Les JDG qui se redirige vers Maokai, ok. Maokai qui était un first pick intéressant pendant ces MSI. Ce sera Jayce au final. Jayce first pick comme ça sans le Maokai alors. Il peut être flex même si on a quand même une très très forte habitude de le voir sur la mid lane. Et on a l'habitude de le voir accompagné du petit Gragas. On a eu ça de manière thématique assez longtemps. Ouais, après. Bah pour créer ce double flex Gragas plus Jayce. Après on a plus l'habitude de voir Gragas au top et Jayce en mid lane, donc c'est plus si flex que ça au final. C'est sûr, mais quand tu joues contre une équipe aussi quoi, comme BLG qui a prouvé sa compétence sur Lulu et sa préférence j'ai envie de dire sur le pick, un champion comme ça qui n'a pas d'engage, bah Jayce avec sa range c'est une bonne réponse je pense. Absolument, hein, On qui a montré énormément de préférence pour Lulu. Après il se débrouille bien aussi sur Rakan, mais est-ce qu'on veut pick Lulu tout de suite sachant que il pourrait récupérer le Aphelios de l'autre Aphelios côté. Ou Zeri, ouais. La Zeri de la Zeri Lulu de LK Hunt qui marche aussi. Elle qui aura le choix. Ce qu'on disait, c'était que Zeri sans Lulu, ça fonctionne moyen. Là où Aphelios est un petit peu meilleur sans Lulu. Du coup, il se laisse le choix des deux. C'est difficile de pick Zeri ici. Ah oui. Rouleur ira certainement sur l'Aphelios. Et Zeri serait le choix par défaut pour Elk. Ah, il enlève la Zeri. Ce serait intéressant de voir avec quoi il le perd en support, justement, du coup. Alors qu'est-ce qu'il tient avec une Zeri contre Aphelios Lulu pour pas perdre la lane? Je pense que tu peux matcher avec des enchanteurs en soi. Tu peux matcher avec des enchanteurs. Au global. Sur Raka peut-être? Peut-être sur Raka, peut-être une Garma pour avoir les mêmes effets de boost sur la Zeri. Un Rakan, c'est aussi jouable. C'est aussi jouable, mais pour moi, si tu lock Aphelios en 3 du côté de Elk, de ce que je sais du match-up, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. On part avec un petit désavantage en bot lane, surtout au niveau de la lane. Parce que Zeri, c'est pas incroyable sur les premiers niveaux. Et Rakan, ça a une tenue de lane correcte. Mais face à Lulu plus un champion type Aphelios, on risquerait de se faire pressure. Et on sait que les Bilibili Gaming, ils adorent les dives niveau 3-4. Donc attention, si on ne peut pas contrôler la wave en bot lane, et on peut s'exposer à un dive assez vite dans la partie. Ouais, je pense que c'est Aphelios 3 avec un ban certainement sur le Nautilus qui est encore open et qui a été montré en jungle précédemment par JDG. Le top laner avec un drop AD. Alors là, okay. Il n'y a pas Jinx, il n'y a pas le Lucian Nami, il n'y a pas la Zeri et il n'y aura probablement pas le Aphelios. Certainement. Du coup, il reste quoi à l'ami Elk? Il a rien montré dans la compète. Avec Zaya, mais Zaya on n'aime pas. Peut-être un Twitch, Twitch. Avec une Lulu. Le call de Coach Striker avec le Twitch. Ah, ce serait vraiment banger. Sachant que. Ah, ça peut être dangereux contre un Rakan. Twitch, je pense que ça peut s'exposer à vraiment des gros engages. Mais. Et pourquoi c'est pas? C'est pas facile à sortir, c'est sûr. Et Bin avec un Kennen, pareil, hein. On bouscule un peu les habitudes dans ce début de phase de draft. Il y a aussi beaucoup d'AP qui est déjà pré-lock par Bilibili. Donc je suis très 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 curieux de la fin de la draft en red side. Vrai, autre chose qu'une Xayah avec cette Lulu. Pour avoir aussi un nouveau pick en AD. On serait gâté en termes de pick sur cette finale. Oh, ce serait très surprenant, mais le Aphelios sera écarté de la draft pour les BLG. Comme on pouvait s'y attendre. Et maintenant, je pense que. On veut probablement récupérer un AD rapide. Oh,
on va se garder le last pick à ouais, non mais ils veulent vraiment nous faire une surprise. Ils sont en train de cook quelque chose. Ah ouais 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 ouais. Tu verses un KD, c'est pas pour rien. Ça va sortir un gros Kogmo. Enfin Kogmo contre Rakan, faut s'accrocher quand même. Ouais non c'est sûr, c'est sûr. Non mais ils vont nous sortir un truc. Ouais bon Sion, ça tient un Kennen. Ouais, c'est bon, hein. Tu dois tenir un Kennen qui est bon aussi sur l'aspect burst étant donné que tu joues contre une Annie. Tu joues contre un Kha'Zix. Akouen est ban. Sachant que Kassanté est open et les deux équipes. Oh, il est ban, Kassanté. Est... Oh, ouais, il est oh, complètement ban. Alors, bon, côté JDG, parce que JDG aussi doit se poser la question là, à mon avis. Et une. Ah, Nautilus. Si le Nautilus n'a pas été ban, Nautilus Jay, ça avait très bien marché. Ken Heavy nous a fait une très belle game 1. Bon, ça suffit le suspense, on a envie de savoir. Ah ouais, on a envie alors, de savoir. Ouais. Qu'est-ce que tu nous caches R5 là. Est-ce que Vayne s'est impliqué dans cette draft? Bon, mais il a répondu avant qu'il puisse me donner la réponse, mais apparemment Vayne, effectivement, c'est un pick, c'est vrai que contre Jinx, tout à l'heure, Wooler a pas osé, on peut comprendre sur la phase de Vayne, mais contre une Zeri. Contre une Zeri, ça passe beaucoup mieux, tout à coup, c'est beaucoup plus simple, et on a aussi deux frontlines. Deux tanks. Donc c'est un très bon angle, c'est un très bon angle de leur côté. C'est Juani, Sion qui vont fondre à partir du mid-game face à cette Vayne. On va voir comment la ending phase va se passer, mais pour moi, face à une Zeri, un Rakan avec une Lulu, on devrait s'en sortir si c'est Juani ne crée pas trop de mouvement autour du bot. Bah, on a de quoi shred les tanks avec cette Vayne, mais combien d'espace cette Annie et Kha'Zix vont pouvoir donner à cette Vayne en teamfight? Parce que certes, on a les dégâts, mais est-ce qu'on a la frontline pour donner de l'espace? Ouais, et puis le second thème qui est important aussi, je pense, c'est la range. Parce que Vayne, c'est quand même un des ADC avec une problématique de range. Tu joues contre Jayce, est-ce que tu vas réussir vraiment à trouver beaucoup de DPS en teamfight avant de te faire poke? Et est-ce que tu as ce qu'il faut aussi pour entre guillemets encaisser ce burst provenant de Jayce avec ta compo? Et engage, parce que en termes d'engage, il y a un flash qui burst de Annie. Puis après le flash qui burst de Annie, je me pose beaucoup de questions. Ouais, un flank de Kennen, c'est la seule chose, mais Kennen peut être match. Il peut être match notamment par le Sion, donc ça va être compliqué. Et pour le coup, 3-6-9, en termes de counter flank, en termes de vision de teamfight, pour empêcher un Kennen de rentrer, je lui fais quand même assez confiance. Donc, j'aime bien ce qu'ils sont en train de nous cuisiner maintenant. Est-ce que c'est pas trop salé? Beaucoup d'interrogations, mais ils nous ont montré qu'ils sont capables de créer des drafts originales et les faire fonctionner. Les Bilibili Gaming. Bon, eh bien, beaucoup de questions. Alors, il y a aussi voilà, le niveau 1, tu nous avais dit. Alors, comment ça joue le Sion niveau 1 en blue side? Le Sion niveau 1 en blue side, tu vas faire à peu près la même chose. Tu vas cycler tes camps et tu vas vouloir dive. La topologie de la map fait que c'est un peu plus compliqué, que tu dois peut-être un peu plus commit, que tu as moins d'entrée. Mais au final, c'est fait de la même façon. Allez, les spams World Elite de Missing. Tiens, mange ton Airy pour la peine. Alors on a aussi vu le match-up Kennen Sion avec Zeus qui s'était d'ailleurs gentiment donné sous un Q-spell, sous une tour avec pourtant un énorme avantage de lane. Donc je me demande comment va se passer un petit peu ce niveau 1, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas ce cheese finalement. Non effectivement ouais. Encore une fois tu joues contre la Lulu, ça va être difficile d'avoir le crash sous tour avec un stacking de wave, donc la portée on va dire de ce move est vite limitée et c'est bien je pense de la part de pas y aller. On commence déjà à s'échanger les amabilités sur cette mid lane. Le Kha'Zix du côté de Shun. Et on va bon, tranquillement. On va pull. Ah oui, quand. Alors, on va absolument pas chercher la pression de lane sur cette early game. Du coup, alors on aura peut-être pas d'agression hein, avec vers ce bot side de la part de ce Kha'Zix. On peut comprendre qu'il a probablement envie de farm. Ouais, généralement avec Kha'Zix en early game, on aime bien faire du full clear. On peut aussi trouver des timings d'agression au niveau 3 avec des invades, notamment si on a une pression mid avec par exemple Annie. Mais pour ce plan de jeu, il va start sur le bot side, quelque chose qu'il fait pas souvent et qui va plutôt se diriger vers le top. Et s'il veut intervenir bot, ce sera au timing de respawn du groupe, donc autour de 4 minutes 15. Avec d'autant plus, comme tu l'as dit, la bot lane qui a aidé un petit peu au leech, donc on va pas trop avoir la pression bot. Ça va un petit peu chill sur le bot side sur les premières minutes. Du coup, Cold Striker, quels sont les gros angles d'attaque pour chacune de ces équipes sur le very early game? Je pense qu'il y a une option, étant donné que tu as quand même une Vayne, une Lu et un Kha'Zix pour accompagner d'une Annie pour aller chercher un Drake vraiment early. Je pense sur dès le premier base de Shun. Ouais, l'agression Shun, est-ce qu'il va oser flash out? Non, enfin flash in. C'est passé pas mal, un bon chunk. Ouais, il le fait en plus en transition vers le top side, juste après avoir sorti ses trois camps bot side. On prend pas de flash, ça aurait été bien d'avoir le flash de Jayce, mais
Mais ça reste un bon check. Et en tout cas, la game va se lancer tranquillement avec ce Kennen qui va mettre beaucoup de pression sur le top side. Normalement, attention l'agression sur Mistling, une veine qui stack des carreaux d'argent avec une Lulu pour la speed boost derrière, ça peut être très dangereux. Et surtout, on ne veut pas perdre un trade avec la wave positionnée comme ça parce qu'on peut s'exposer potentiellement à un freeze. Donc avoir le push early, faire attention. Les deux junglers sont sur le top side et devraient se rencontrer autour de Scarapater. Ça va plus ou moins être décidé par qui a la pris au mid, mais on voit que Knight effectue son reset, il va revenir avec son TP, est-ce que ça cancel ? Ouais. Après, je vois une prio top, je vois une prio qui est en train de se créer bot, je vois une prio qui pourrait se créer mid, avec un petit Kha'Zix qui va aller chercher son carapateur et qui est un petit temps mort. Il y a peut-être quelque chose à faire pour Bilibili. Maintenant, est-ce que tu peux dive Rakan Zeri avec une Vayne Lulu Kha'Zix? Oh Sean. C'est un peu compliqué avec les TP qui sont up pour Comer. Peut-être appuyer sur le mid, non. Ce sera évité avec un petit base. Je pense que le premier Drake, c'est vraiment le... La safe card a joué du côté reset ici pour Bilibili, un petit drag qui est récupéré par Kha'Zix, ça permet de lancer la wincon, celle qu'ils aiment en plus avoir. Ouais, bon, ce Drake River. On a vu que les stacking dragons, même sur la game précédente encore une fois, c'était clairement un des gros plans de jeu de Bilibili. Voilà, Tabek nous avait dit, nous avons une seule stratégie, win the bot, win the game. Au moins c'est clair, tout le monde a beau être au courant, personne n'arrive trop à le counter. La botlane hein, qui s'est laissé push les premières waves, qui crée un bounce et qui reset sur ce timing la Vayne qui va revenir en lane avec deux épées longues. Ça va s'assurer une meilleure tenue de lane. Maintenant, on va voir ce qu'ont faire les junglers sur le deuxième reclear. Et Kanavi hein, qui a été vu par cette très bonne ward vers le bot side. Il n'a pas grand chose à faire sur timing à part son repop de Krugs. Sean qui va arriver sur la top lane, n'a rien à faire. Mais la wave est pas très bien positionnée pour 3-6-9. Il se fait bien freeze, bon sens, si on sait pas trop grave après. Rush foudroyant des auto-attaques. Ça va, il maîtrise hein, 3-6-9, je lui fais confiance là-dessus. Moi du coup, il y a plusieurs questions que je me pose. C'est déjà, s'il se passe rien en early game, c'est à l'avantage de qui? Et ensuite, quand même, Knight qui prend un trade agressif sur Yagao, forcé de reculer, il va prendre un stun. Est-ce qu'on va continuer? Il y a Kanavi en backup, il peut trouver le Q-Flash, est-ce qu'il peut le trouver? Yagao va... Non, c'est bon, même pas besoin de flash out du côté de Yagao. On est confiant, l'agression, c'est disengage absolument avec un flash du côté de Elk. Attention au trade back, mais pas de problème. C'est pas mal ça, sur un timing push, on arrive tout tour avec une CJNI dans le coin, même si le Kha'Zix c'est pas trop loin. Maintenant, on n'a pas de wave. Et du coup, ça va être difficile d'aller chercher un dive, peut-être garder contre de la river. Oh, le flash agressif de la part de Bean sur 3-6-9, sur un Q-spell, et on va devoir flash out pour ce Sion. Avec un joli crash de wave, alors je crois qu'il a encore sa téléportation. Je crois qu'il l'a utilisé, mais je suis pas utilisé. Sûr. Oui, t'as raison, il a déjà sa cape. Et pour en revenir un peu à la question de Hamso pour Striker, à qui profite un early game calme? C'est difficile à dire avec ces compos qui sont un peu atypiques, notamment par le fait que t'as très peu de frontline du côté de Bilibili et cette Vayne, mais je dirais quand même que c'est plus à l'avantage de JDG. La compo est mieux équilibrée, la compo est plus facile à piloter autour des objectifs. Le trade encore, l'arrivée de Kha'Zix, 10 engage missing, il y a le retour de Kanavi, on n'a pas de flash sur elle qui l'a encore sa cleanse. Oh, le flash charge, on va essayer de juke au maximum la cleanse qui instante le first blood avec une fatigue qui va pleuvoir sur Sean. Premier sang du côté de JDG, ça y est, le match est lancé. Allez, tous les flashs sont consommés sauf celui de Missing. Très beau coup flash trouvé de la part de Kanavi sur deux personnes et on va trouver un double knock-up qui va donner un petit avantage à la botlane des JDG. J'aime bien ce petit format avec Coach Striker qui nous donne les insights sur ses drafts et sur ses premières minutes de jeu. On le remercie encore une fois, voilà, il est parti se poser, regarder les matchs avec le reste de la team. Ah, c'est toujours intéressant de parler draft avec Striker. Ah, tu sens que ça a bossé aussi hein, cette année. Ça connaît sa méta, ça connaît son League of Legends. Ah, par contre, je l'ai pas assez dit, mais franchement, le pré-shot Vayne, respect. Alors j'ai eu de la chatte. Le timing aussi. Il y a quand même beaucoup de chance qui est passé par là. En tout cas, l'autre question que je voulais poser, c'est aussi quelle équipe sera prête autour de ce Herald spawn autour des 8 minutes. On aime beaucoup reset bot à 7 minutes, 7 minutes 30 après avoir crash une wave et venir autour du Herald pour le jouer, surtout en LPL. Oh, attention, on n'a plus de flash. On va revoir l'action. Ouais. Bah là en fait, très agressif hein, Missing.
mais c'est Rakan. Et avec Rakan, tu peux faire des dingueries. Là, il y a Kanavi qui arrive une fois qu'on s'est un poil trop commit pour Bilibili. Le slow ne marche pas, bien entendu, puisqu'il est le passif de la CGN. Et là, on trouve le Q flash sur deux membres. Ouais, c'est cette bot lane et... toujours aussi clutch. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a vu beaucoup de Kennen passer. Il n'y avait pas toujours la fatigue pour essayer de le contrôler. Là, on a la fatigue sur un Rakan. C'est quand même un point à noter. Donc ça va pas être si facile pour Bean de trouver des flanks efficaces, parce que déjà il joue contre un 3-6-9 qui est le maître du teamfight, et en plus quand bien même il y arrive, on a une Ziri qui est assez mobile pour se repositionner, et on a cette fatigue pour l'attendre. Alors autant c'est le maître du teamfight, autant je trouve que Sion c'est pas spécialement le meilleur des picks pour s'exprimer, là où il est beaucoup plus terrifiant sur un Gragas par exemple. Ah oui, puis ton Sion tu le veux en front. C'est ça, ça va être un mur de viande, et on parle de lui, mais il appuie sur R et il va envoyer un ultime dans la river. Alors, avec ce héros de la faille, est-ce qu'on va essayer de le faire reset? L'ulti de Rouleur qui était claqué encore, super bon gage missing. On devrait absolument y passer. Elk est pour son invisibilité, il se fait pousser sous sa tour. Le flash de Yayao avec un double timer. Rouleur met des dégâts, il fait pleuvoir des éclairs. Ça ne suffira pas pour abattre Elk, mais il se fait zoner par ce timer. Cependant, héros de la faille récupéré sur 3-6-9. Bah voilà, c'est un son qui va plaquer ça. Ah bien. Et c'est très très bon ce que viennent de faire les JDG là-dessus sur ce timing. On trade un pour un au mid. Pendant ce temps-là, on sait qu'on avait la position dans la river topside. On récupère ce Herald avec un trade qui, du coup, est clairement à leur avantage. On va pouvoir récupérer de la plaque. Et avec un rouleur qui est lancé. Ça y est, deux kills. Il est bien au niveau du CSing. Il a pu récupérer une petite plaque sur la mid lane, si je ne me trompe pas. Il va pouvoir jouer avec un héros de la faille et son Sion sur un petit swap lane. La veine va être un peu laissée sur le carreau. Je l'ai. Ouais, elle est belle, hein. Ouais, très belle. Attention, missing. Et c'est Rakan. Faire ça avec Rakan. Et, bah, et puis missing, le pilote plutôt bien. Hein. Ça fait deux double bumps qu'il arrive à trouver sur son outil là avec la mid lane. Par contre, attention au face check. Il est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'il va le payer? L'ulti de la Sejuani qui a été lancé par le Kram et le kill tout de même récupéré. Je pense que ça l'a saoulé. Hein. Ça l'a saoulé. Je me suis dit, vas-y, c'est une dinguerie, Rakan. Je m'en fous, je vais aller te chercher. Je trade un pour un. Pas sûr que ça soit ce qu'il va. Bon, c'est des ressources sur un Kha'Zix, donc pourquoi pas. On est allé chercher l'Umbral Glaive. Et après, il n'utilise pas son flash. Je me dis pourquoi pas, la charge. Voilà, les plaques sont bien données par rouleur. On n'aura pas, si c'est bon, on aura cette deuxième plaque. C'est pas le plus de value que tu peux tirer d'un first herald. C'est les plaques qui rendent la qui sont encore très tank. Enfin, tu peux pas enlever les plaques les plus tanky de la tour. Ouais. Mais voilà, ça reste des ressources, ça reste des gold. Et je pense que le fait que le héros de la faille soit pas sur le bon porteur, on s'en est débarrassé. Oui. Parce qu'après, on veut que le Sion aille matcher le Kennen. D'ailleurs, totalement, et j'attends de voir un petit peu comment va jouer Bilibili lors de ce mid-game, parce que c'est pas spécialement leur lead plus facile à jouer avec Vayne Lulu bot et Kha'Zix en jungle. On a vu qu'ils ont un petit peu subi sur les premiers trades, mais en mid-game, ça devrait être intéressant. Bah, t'as assez peu de marge d'erreur. Hein. C'est comme disait Striker, en termes de range... Et contre tu dois jouer contre un Jace qui... C'est pour ça que le kill donné par Sean... sur un Jace, c'est peut-être une des pires personnes à feed hormis la Ziri, même c'est la pire personne à feed hormis la Ziri, hein. Tout le reste c'est du setup et de langage, et t'as pas envie d'avoir un Jace qui met un très gros poke sur une absence de frontline absolue pour Bilibili. Ouais, c'est clairement, en lui donnant un kill, tu peux accélérer sa spike de facile 30 secondes ou 1 minute sur un timing important. Ça peut être une catastrophe pour les Bilibili sur les phases où ça se regroupe. On va engager ce deuxième Drake pour JDG. Alors, et ça ne sera pas compté. Deuxième dragon, premier dragon, ouais, on a été très lent pour le faire, ça ressemble pas au Bilibili. C'est vrai qu'on a 12 minutes. Ouais, vraiment, Bilibili, il les agresse au spawn. On sait qu'ils en sont très friands, mais avec cette veine, avec cette Lulu, ils ont pas forcément réussi à se libérer à 7 temps. Et moi aussi, j'étais persuadé, j'ai dit ouais, deuxième dragon. Non, mais oui. Non. C'est pas. Au moment où je l'ai dit, en plus, j'ai regardé. C'est pas l'interface qui nous troll. C'est pas l'interface qui nous troll. Sean qui se sert dans la jungle. Ouais, s'il y a bien un endroit où il a pression, c'est en top lane avec Kennen versus Sion sous ce genre de timing. On veut les exploiter, on a la protobelt sur Kennen. Pas encore de mythique sur le Sion. Il y a peut-être quelque chose à faire, on a une TP qui est up. En plus, il est safe, enfin, Sean, il a son glaive d'ombre. Donc il sait qu'il peut se servir
Il n'y a personne pour le voir et l'en empêcher. Là c'est Gianni qui est vers le bot side avec la prise du dragon. Pour l'instant ça s'est un petit peu calmé sur ce timing. Ouais, ce qui va être important de surveiller, c'est est-ce que Bilibili arrive à se regrouper mid, à prendre la prio. Oh, attention ici, Yagao qui se fait catch par un ulti de Sejuani et ce sera un kill facilement récupéré par Knight, un deuxième qui va bien accélérer sa spike. En plus de ça, on va pouvoir récupérer des plaques. Et ça, c'est très très inquiétant pour Bilibili. Et on commence aussi à s'envoler, hein, 2000 gold d'avance en faveur de JDG qui va aller taxer la totalité de la jungle. Une tour qui est alors pas à l'article de la mort, mais on s'est bien fait plaisir. On voit que le POC sur des squishy, on a que des squishy en face, il est déjà important alors qu'on a même pas encore la Muramana. Ouais, une game inquiétante de la part de JDG, de la part de Bilibili, ça saigne un petit peu de partout pour le moment. On est sous pression, on n'a pas encore les outils pour déjouer les plans. Après, ce que j'aime bien avec la Annie Diagao, c'est la particularité, c'est qu'ils le font pas tant que ça finalement, mais la couronne sur ouais. Annie qui en fait vraiment, on oublie le Luandry, on oublie la Proto Belt, on est là pour setup, on est là pour un petit peu tanker, pour créer de l'engage. Ça fait que quand bien même on a un peu moins de ressources, je pense qu'on est sur un pick build encore un peu plus utilitaire. Clairement, et puis on peut se permettre de jouer de manière un poil plus agressive, on est moins exposé à se faire kill. Mais malheureusement là les JDG ont trouvé un excellent timing. Ils sont venus punir Yago et je pense que ce kill va faire très très mal. Ouais, on voit le mid jungle, les deux carries en plus. Hein. Les ressources elles sont très très bien réparties chez JDG. C'est les deux champions field qui ont récupéré les gold. Et bon, Babine qui pour l'instant fait une belle rencontre, qui a été excellent avec sa Gwen, qui a été un peu disrespect par un Last Piction. Là pareil, il a un peu les clés du match pour l'instant entre ses mains et on va essayer d'aller trouver quelque chose. On n'a pas l'ulti pour 3-6-9, il en aura pas besoin, il va flash out. On avait besoin, mais du coup il va flash out. On va flash tranquillement. Et maintenant... il est un petit peu... Ouais, c'est la seule lane qui est un tout petit peu en galère, mais ce sera... Il va faire son taf en teamfight. Il sera devant son équipe, il donnera de l'espace à sa Zeri. Et encore une fois, il applique son matchup en connaissance de cause. Hein. Clairement. Parce qu'on rappelle que le dernier pick pour Bilibili, c'était pas un counter pick de Kennen, mais c'était une Vayne. Vayne qu'on attend de voir dans les fights. Mais pour l'instant, c'est trop tôt dans la partie. On a récupéré ce shield bow, mais c'est pas suffisant. Deuxième héros de la faille en faveur de JDG, ça peut permettre de faire un trou sur la mid lane. Les JDG, on l'a vu sur la game 1, quand ils accélèrent, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Bon, bah même pas besoin pour la mid lane finalement, parce que c'est Rouleur qui prend la tour. Déjà deux tours, ça fait beaucoup de gold. 4000 gold en faveur de JDG. Je sais pas s'ils vont avoir le temps d'arriver au niveau de leur scaling. Est-ce qu'ils vont pas arriver trop derrière en termes de stats dans les teamfights. Après, ça tient pas trop mal non plus. C'est pas comme s'ils avaient perdu une tour super tôt. Ils mettent des wards très défensifs. J'aime bien ce qu'ils font. Ils essayent de contrôler leur bot side pour éviter de se faire snowball entre la mid lane et la bot lane. Sachant qu'on sait que Bin ne risque pas grand chose au top. Et du coup, ça limite un petit peu la vitesse à laquelle JDG peut accélérer sur ses timings. Malheureusement, quand la Muramana va arriver sur Jace, j'ai très très peur. J'ai très très peur pour BLG. Est-ce qu'on pourra encaisser les combos? Attention, on va tout mettre sur Kanavi qui a son passif. On va pouvoir encaisser le burst. On n'est pas inquiété. Et on va tout simplement reset du côté de JDG. Un petit peu de push. On couvre le Jace. Ah, les absences de T1 au mid et au bot vont faire très mal parce que la map est beaucoup plus ouverte. Et on voit hein, qu'ils investissent énormément d'efforts pour contrôler ce bot side jungle de leur côté, essayer d'éviter de se faire 4 man sur la bot lane ou en mid lane. Ils le font bien, mais maintenant que les T1 sont plus là, ça va être très difficile d'à chaque fois pénétrer dans la river et essayer de contrôler ces drakes. Maintenant, les JDG ont juste à enchaîner les drakes. La bonne nouvelle, c'est que ça a commencé assez tard, le premier dragon. Donc l'âme devrait pas arriver tout de suite, missing, les dégâts sont là et on met un ulti pour trouver le bump, le petit contrôle nécessaire et le kill juste derrière. Bin qui se fait agresser par contre sur le top side. Bin, est-ce qu'il a quelque chose? Le flash out de Bin. Mais la TP. Il y a une téléportation, Yagao va partir, il faut s'escape avec le blasting cone. Ouais, mais des grosses ressources qui sont investies sur cette top lane. Yagao il TP et il est forcé de flash out en réception. Beaucoup de cooldowns très importants ont été consommés. Double flash effectivement.
et on a toujours ce héros de la faille à jouer. On a un bon timing là pour JDG. Après, on arrive à récupérer un peu de ressources par-ci par-là, donc. Dans un sens, c'est pas si mal. Dans un sens. On a des arguments, pas à l'abri d'un. Une engage de la part de Kennen. Yagao bien embusqué ici qui va mettre midlife sur Knight. Il a pas les dégâts, hein, clairement, Yagao. On va smite T-Burst, on va accompagner la deuxième charge du héros de la faille. La première charge du héros de la faille. Est-ce qu'on peut fight ça? C'est dur de fight ça pour Billy Billy. On va pouvoir poke hein, avec cette Zeri. On va trouver peut-être une engage de la part de Missy qui active son ultimate. Il n'en aura pas besoin. Le kill sera récupéré par Knight et la T2 par la même occasion. Et maintenant on va rotate en mid lane. Et puis il n'y a pas de danger puisqu'ils savent que le Kennen il a ni TP, ni flash, ni ulti. Donc on peut aller agresser cette tour. On craint pas grand chose. Il n'y a pas de T-Burst non plus. Il n'y a pas de flash sur l'Annie. Donc les capacités d'engage de Billy Billy sur ce timing sont inexistantes. Et JDG, eh bien, ils le savent parfaitement. Ils avancent. Ils accélèrent. Plus de 6000 gold d'avance. Ils le font très bien. Écoute, ils étendent la pression sur les lanes. On vient poser de la voir très deep dans la jungle des Billy Billy pour pouvoir se permettre ce genre de rotation et les empêcher de face check. Ah, leurs options sont multiples. On va même pouvoir jouer très rapidement un Ashor, je pense. Attention, 3 il a un flash. Il a un flash, il a un ult. Est-ce qu'il a on se met juste devant du côté de Shun. En plus, il a son voile de la nuit, donc il peut essayer d'un petit peu résister. Il arrive et donne sur le côté. Les dégâts sont bons. On a Jamin Boulette en plein milieu. Homme qui arrive à complètement cancel le go-in avec son propre ulti. On perd Shun du côté de Billy Billy. JDG continue. Rouleur qui prend on à l'agression. Et tout le monde avance avec le son qui se permet de flasher le fracas meurtrier. Le flash shot de Elk. La Lulu qui tombe. Bin devrait peut-être tomber aussi. Dernière auto-attaque avec un flash de Knight. Ça va vite, ça va trop vite pour Billy Billy. Et oui, et ce Sion qui avait l'air d'être dans la tourmente, et non, on se turn. Trop de tankiness pour le moment avec cette Sejuani. Et on n'a pas encore les outils sur Vayne pour tuer ces tanks. On n'est même pas encore sur le deuxième item. 3000 gold de retard, Elk, par rapport à Rouleur. Alors là, on est juste en train de subir la gold différence. C'est même plus une question de rotation. On est trop derrière pour les Billy Billy. Aïe. Ça peut tourner très très court cette game. En plus, une petite âme des montagnes avec une belle frontline là qui est en préparation du côté de JDG. Ouais, malheureusement, là on n'a pas de dégâts. On n'a pas de dégâts et du coup il peut juste turn. La Vayne est encore un petit peu loin. Là elle arrive, du coup on commence à avoir un bon DPS, mais malheureusement elle n'a pas encore les items. Regarde, là c'est Johnny, ne prend pas de dégâts. Bah, on s'est passé l'aggro. Hein. Elle qui était free tout le long du fight, mais non, il n'y a pas de frontline du côté des BLG et du coup. On peut pas donner l'espace à cette Vayne qui en plus de ça est derrière. Yagao qui arrive après la bataille. C'était un scénario qui était pas trop mal pour BLG. Au début oui, mais bon. Et en fait. Ça manque pas de grand chose. On voit qu'il y a un peu de dégâts encore sur la Vayne, hein, Bin, pas de flash. Oh, l'ulti est très bon. C'est bon, ça kill. Et le kill récupéré par Knight, 6-0. Pour ce Jace, en plus, on l'a dit, il a de la range, il a le poke, il est tellement bien. Et sans frontline, je vois pas comment Billy Billy va réussir à, de façon sereine, à trouver un fight. Surtout maintenant avec ce retard. Ouais, et les JDG vont pouvoir récolter ce Nashor sans aucun effort. On ne le contestera pas du côté Billy Billy. Un Nashor à 21 minutes. Bon. On récupère ce qu'on peut, hein. Map, bah oui, les petites ressources, les shutdowns d'objectifs. Si on peut, parce que j'ai l'impression que 3-6-9 n'est pas du tout de cet avis. Merci le voile de la nuit, heureusement qu'il y a un stun T-Burst, parce que sinon Shun se prenait probablement le fracas meurtrier. Ce Sion. Et pourtant. Il a reculé deux membres des BLG. Un Sion qui joue contre un Kennen qui a zéro ressources, qui est derrière, mais c'est un Sion. Il fait le travail qu'on lui demande. Tu as dit être un mur de viande. C'est la logique de leur draft. Et certes, on a les outils avec cette Vayne pour les tomber en fight, mais on n'a pas spécialement la frontline pour justement temporiser un peu à l'image de ce qu'ils font. Derrière, maintenant, on a Knight sur un gros power spike. Ouh, voilà, c'est phase de jeu, de siège avec Knight, Bin, qui poke. Ils l'ont pas vu, Bin. Il a pas encore son flash, il a dans deux secondes ce flash. On voit la pique, on a vu Bin. On va reculer. C'est pas bien, pas besoin de se commit sur ce genre de fight dangereux pour JDG. Il y a un dragon à jouer, leur troisième dragon. Ils sont si bien dans la game, ne pas le risquer. Ouais, au vu de l'avantage qu'ils ont, ils n'ont plus vraiment besoin de l'amplifier, ils ont juste besoin de sécuriser, prendre les tours petit à petit, prendre leur temps, ne pas s'exposer à un flank de la part de Bin. Ils s'en doutaient, ils l'ont vu. Et ils vont progresser.
Ils envoient Canavi solo ce dragon. Et ils continuent de gratter pendant ce temps-là. Oh la TP. Oh la TP, on est inspiré du côté de Bin. Allez, et on va être scouté. C'est vu, c'est vu. Il va falloir disengage. 3-6-9 qui est le bodyguard de rouleur. On a une on va essayer d'y aller du côté de Bin. Le rush foudroyant, le maelstrom, la cleanse de rouleur, le flash de rouleur, c'est bon, rouleur est hors de danger. 3-6-9 est une murée absolument intombable. Et Knight qui va arriver en flanking avec son Jace. C'est probablement une fin de game. Les JDG vont terminer les Bilibili. C'était sanglant, c'était sauvage. Ils ne leur ont laissé aucune chance. Clairement, et on a tenté hein, du côté de Bilibili, mais malheureusement l'écart est beaucoup trop important. Les JDG qui déroulent. Allez, les deux wins de JDG, moins de 25 minutes. Ah, celle-là, efficace. Celle-là, elle était convaincante. Abattre l'ennemi. Et le Nexus va tomber avec peut-être des derniers kills Fontaine. Elk avec sa Vayne n'aura pas vu le jour. Zéro kill du côté de la Vayne de Elk. On a tenté, mais ça n'a pas marché. Il nous aura fait rêver l'espace d'un instant avec sa Vayne. On s'est imaginé tellement de scénarios. Malheureusement, je pense que on va en reparler forcément avec Striker, hein, mais la Vayne, elle est efficace face à la front, mais la draft dans l'ensemble n'était pas spécialement très bien équilibrée. On a l'impression de revoir un petit peu la game 1, on n'arrive pas à trouver de teamfight. Sans engage, hein. Leur seul engage sans frontline, le seul engage c'est une Lulu. La Annie, elle a eu des pépins au niveau de son flash, donc elle peut pas vraiment se le permettre. Et ce problème de range, le Jace, je trouve, est très bien drafté chez JDG. Et on a vu la prio, il est first pick ce Jace. Non mais c'est clair, hein. Et en plus de ça, il a réussi à trouver des kills, il a réussi à trouver des ressources supplémentaires qui ont fait accélérer sa spike. On l'a vu lorsqu'il a complété sa mana mune, on l'a vu lorsqu'il avait 3 items en mid lane, le poke qu'il mettait. Non c'est bon, ça c'est de la concentration, j'ai cru... J'avais cru qu'on était en train de trembler un côté. Mais non, voyons. Le BO joue. Avec le mental de ces joueurs, j'aurais pas compris. Ils ont fait 25 000 best of 5. Oui, ils ont fait la remontée des enfers. Ils ont sorti les meilleures équipes de ce MSI. Je pense que le BO est loin. C'est loin d'être terminé. On croit toujours dans la prophétie Bin. 3-2. Il reste peut-être encore 2 games à jouer. On va en tout cas les débriefs de cette game qui a été expéditive dans une minute sur Analyse Desk. À tout de suite. De retour, mesdames et messieurs, 2-1 en faveur des JDG. 3 Blue Side qui l'emportent également au passage. C'est toujours important de faire les comptes de Blue Side de nos jours. Et pour l'instant, c'est un 100% de win rate du côté du first pick. On a une situation intéressante, messieurs. Une draft qui ressemble pas vraiment à ce que Bilibili avait l'habitude de jouer. Je pense que même on est totalement sorti des standards de l'équipe. Pas de véritable front-to-back, Striker, des gros besoins de flanking et de créativité. C'était difficile sur le papier. Oui, effectivement, on a cette réponse un peu particulière de Vayne en R5 qu'on peut comprendre au vu de la front-line, mais qui n'apporte pas la range et qui, mélangée en fait, au reste de la compo, qui elle aussi manque de range, crée une situation difficile. C'est difficile de recevoir l'engage parce que t'as personne qui tank et c'est difficile d'aller la chercher parce que t'es très short en range par rapport à l'équipe en face. D'aller chercher la Zeri. D'aller chercher la Zeri ou d'aller chercher le Jace notamment. Ouais, bien sûr. Et là où Striker et moi, on s'était dit pourquoi pas le Twitch qui rajoute ce côté range avec l'ultimate, qui rajoute ce côté engage parce que l'air de rien, un Twitch qui démarre le fight en t'arrosant avec une lutte, obligé de commit vers lui, donc tu crées quelque chose. Et là avec la Vayne, c'est vrai qu'ils sont mis des conditions de victoire quasiment trop difficiles. Et le Twitch aurait aussi permis, je pense, en mid-game de casser la fluidité qu'il y avait dans le jeu de JDG, dans le sens où tu peux aller chercher la mid-lane très haute et t'es menaçant au niveau de la mid-lane, là où ici JDG avait une facilité à aller chercher des kills et des engages. Tout simplement, c'est facile de voir le follow-up d'un Twitch par exemple sur une Annie par rapport au follow-up d'une Vayne qui juste peut pas forcément taper directement, qui a pas le temps de mettre ses dégâts. Et du côté de Bilibili, même du côté de JDG dans la game d'avant, j'avoue, je comprends pas trop cette méta de drop la DC aussi loin, d'attendre typiquement dans la game d'avant pour rouleur de pick la Xer en 4. C'est pas ce qui a fait leur succès. Bah ouais, autant que la lutte soit picto, je comprends. Mais j'avoue que c'est le Kennen par exemple qui pour moi a été pick extrêmement tôt pour Bin, qui était pas forcément compréhensible. Et du coup, comme ils drop la D, ils ont pas le Aphelios. Et bah ils se retrouvent avec des bonnes conditions qui sont super super compliquées. Là au JDG, leur compo, elle est incroyablement forte, hein. Y a pas de soucis. Et incroyablement facile à jouer.
Ouais, elle est très facile à piloter, elle est bonne dans le scaling, elle est bonne en mid-game. Et avec cette, voilà, cette mid-lane qui est facile à contester, on peut rotate sur les slides comme sur le pick-up de Kennen qu'on avait vu. Et encore une fois, en réception, c'est difficile d'aller chercher cette Zeri. Même lorsqu'elle est CC, bah, le reste de l'équipe est loin, il n'a pas de range pour finir le travail. Le 3-2 de Bean aussi, ce qui est important dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de Jace qui sont open et qui ont l'air d'être très très forts, même sans Maokai. Ouais. Ça fait quand même 3 Jace, 3 victoires pour les Jace. Est-ce que c'est un champion qu'on va chercher à ban du côté de JTG? Est-ce que c'est un champion on peut trouver des counters, autour duquel on peut trouver des choses? Parce que c'est quand même étonnant d'avoir un Jace qui a quasiment pas été joué précédemment, qui a été vraiment joué que quand il y avait Maokai, prendre une telle priorité en boostside, un first pick quand même de Jace, alors que Annie open par exemple. Peut-être qu'il faut revoir l'ordre des priorités aussi pour les deux équipes. Ouais, c'est vrai que là-dessus, opening Jace, Striker, c'est le pick du BO. C'est peut-être le pick du BO, après ça dépend aussi je pense de comment tu y réponds. C'est sûr que lorsque tu draftes quelque chose qui a si peu d'engage à la fois et de range, bah, c'est un peu un scénario rêvé pour un Jace. Je pense que BLG va repartir blue, ça aurait beaucoup de sens étant donné là. Je te le confirme. Ça vient d'arriver, on est sur du blue side. Peut-être essayer de faire ce qu'ils avaient fait, si je ne me trompe pas, hier, avec peut-être le ban sur un Jinx, et chercher la Zeri pour peut-être avoir le match-up contre la Xayah. Ça leur avait réussi contre T1. Et ça leur permettrait d'établir plus facilement en draft ce plan de front to back, avec peut-être aussi un Bean qui peut aller chercher un 4-5 pour split push. Ouais, c'est vrai, rapidement Tréton t'en parlait, mais c'est vrai que ce pick Kennen pour Bean, ça n'a pas trop été une condition de victoire ou une condition de draft pour les Bilibili du tournoi, et là il sort un peu de nulle part. Ah, tout simplement, j'ai déjà bien ban, à bien scouter et à bien retirer la Gwen, qui je pense est embêtant pour Bean, qui voulait avoir un appel sur la top lane probablement. Il y avait peut-être que Kennen, je peux forcément dans les coms, mais c'est vrai que ça nous a surpris. Et faudra voir ce pick de Jace. Est-ce que c'est pas le first pick directement tout droit du côté de BLG? Et est-ce que ce Jace est flexible? Est-ce qu'on pourrait pas le mettre du côté de Bean? Parce que c'est ça vrai. Peut être un bon champion pour lui aussi. Effectivement, même si parfois ça peut être risqué aussi de piloter un Jace sur la top lane. 2-1 en faveur des JDG, balle de match pour les champions de LPL. Est-ce que Knight va récupérer son premier titre international à la prochaine game? Bien sûr, mesdames et messieurs, c'est un des gros enjeux du match qui arrive. Mais les Bilibili n'ont pas dit leur dernier mot. Et pour l'instant, le Blue Side est roi. Game 4 qui arrive sur OTP. A tout de suite. Quatrième partie de cette grande finale du MSI 2023. Fresh Striker, c'est peut-être la dernière game, la toute dernière game de la compétition. On ne le souhaite pas, évidemment. J'en suis vraiment pas si sûr parce que de ce qu'on voit, le Blue Side a l'air d'avoir une grosse importance dans ce BO5. Et à mon avis, les Bilibili Gaming seront capables de nous trouver une draft inspirée sur cette quatrième partie. Alors mon cher Striker, tu as été exaucé dans la partie précédente. Effectivement, la Jinx est sortie de l'équation. Vous en avez parlé en débrief. On a eu le droit à une tentative. On va décrire ça comme une tentative, bien entendu. Est-ce qu'on a l'espace pour les Bilibili en blue side de tenter ce genre de sélection de champions un petit peu non conventionnel, on va dire? Je devrais rester, je pense, sur un AD en first pick ou au moins en 2-3 et pas aller chercher à s'éloigner trop de ce qui a fait leur force, surtout maintenant ils ont blue side, donc c'est plus simple. Non, c'est sûr que la Vayne avait du sens, mais ça manquait d'autre chose dans le reste de la composition et ça ne lui donnait pas les outils de s'exprimer dans cette partie. On l'a vu, l'avantage a été récupéré de manière assez rapide. La Zeri supprimée et la Jinx justement, donc ça laisse à Felios. Felios certainement, avec Rakan aussi qui est disponible pour pas donner Xayah Rakan. Et du coup, c'est le pick Rakan. On récupère le Aphelios de l'autre côté, ouais, probablement. Avec une Lulu, on l'imagine, ou ouais, vous attendez un split des supports? Peut-être Aphelios Vi qui est open. Oh, c'est vrai. Jace, un pick capital dans cette série tout de même. Il ne l'a pas été dans les précédentes, notamment avec cette position open pour Annie qui a été maintenue également. On hésite du côté de JDG. Ce sera un Maokai, on va lock un jungler assez rapidement. Sachant que Vi est encore open. Ça c'est assez important, elle est généralement ban. On va aller chercher ce Jace avec, au final le pairing est bon. Et on se tâte, on hésite encore un petit peu. Jace, Aphelios, on ne sait pas encore, les JDG dans le doute, hein, une bonne décision ici, c'est le titre. Ce sera Jace Maokai dans une ouverture des plus conventionnelles, on a beaucoup vu ça cette saison. Mais la place de la vaille, ça serait pas mal de la récupérer maintenant, parce que sinon tu t'exposes à des bans de jungle, t'as le Maokai, il reste quoi? Il y a Sejuani qui peut être bien, mais Vi c'est vraiment un pick prédominant sur ce MSI, elle est généralement ban. Le Wukong aussi, cette fois-ci elle sera pick dans un match-up qui est relativement favorable. C'est fort contre Jace qui n'a pas d'escape. Et ce serait logique de prendre la Xayah pour bien sûr la couper au JDG, bien entendu.
très très bonne première rotation pour les Bilibili Gaming. La réponse Aphelios est plus que probable. Une game d'Aphelios compliquée sur le papier puisqu'on va être certainement privé de la Lulu. On est face à un lock CC de l'autre côté. On est face à un mid jungle, un jungle support, un duo jungle support qu'on connaît extrêmement bien, qui est très difficile à jouer pour un carrière des statiques. Mais bon, il en faut plus que ça pour impressionner Ruler, j'imagine. Il va falloir trouver quelque chose pour Missing qui permet de bien complémenter ce Aphelios. Mais c'est un pick qui peut jouer avec beaucoup de choses en support. Je me fais pas trop de soucis de leur côté. Lulu, Tahm Kench peut-être en priorité de ban pour les Bilibili. Ça peut être intéressant contre Vi et Rakan, effectivement. Ouais, et puis il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a déjà ban une Gwen du côté de JDG. Donc pourquoi pas se réserver le last pick pour le support. Et on a déjà lock le support de l'autre côté, donc... ce serait logique de plutôt last pick la top lane. On a vu que Bean était capable de blind pick une Gwen en deuxième rota. Maintenant que le pick est déjà écarté, ça va peut-être faciliter les choses pour 3-6-9. Sachant que le Gragas... Kennen est out également. Le Gragas est toujours open et on connaît... c'est à quel point 3-6-9 est terrifiant sur le pick. Lulu or not Lulu. Pour les Bilibili Gaming, ce sera Gragas de retirer. Donc là, option Lulu, option Braum peut-être envisagée pour les JDG. C'est possible, après contre un Rakan. J'aime beaucoup la Lulu, ça complémente bien le Aphelios et puis ça donne des teamfights faciles à exécuter. On va voir vers quoi il se dirige, mais la Lulu semble tout indiqué ici. Ouais, le Braum te protège pas vraiment d'un ulti-vibe. Alors qu'une lanterne... Il n'est pas lock. Il n'est pas lock. Une lanterne ou un ulti-Lulu pourrait être très très sympathique. Ce serait beau de jouer avec un duo par définition extrêmement agressif. On n'a pas peur de la punition hooker numéro 1 aka Blitzcrank, bien entendu. Aphelios, Thresh, armé, bien évidemment. On a la range, on a le combo Maok. Enfin, on a finalement un forfait un peu complet pour les JDG actuels. Ouais, écoute, la draft me semble très équilibrée pour l'instant. Ça va tout va se jouer, je pense, sur le R5. Côté de JDG qui ont déjà un petit avantage dans la draft parce qu'ils vont justement avoir ce counter match-up, ce luxe de counter match-up au top. Un Gnar et tout un Jace maintenant. Un Stylast qui permet de récupérer l'ulti de Maokai. Noah a pré-shot une faillite de la game précédente. Alors qu'est-ce qu'on recommande si on veut être le plus tranchant possible? Eh bien on veut pas être tranchant, on veut front to back, on veut utiliser, eh bien encore une fois, Striker, un avantage de range incarné par Jace auquel se rajoute aussi ce Maokai en setup. On rajoute à ça une bot lane avec un gros potentiel offensif, une bot lane carnivore, deux bot lane carnivore même. Ça va être facile de jouer autour du Thresh pour le Maokai. On a du setup, on a un Jace aussi qui peut apporter sur ces phases d'early mid game. Et je trouve le pick de Sion ici très intéressant étant donné qu'on joue contre un Stylas et une Xayah, la Xayah qui n'est pas la DC connue pour tomber les tanks le plus facilement. Et qui n'est pas complété par un champion à haut DPS au mid avec ce Sylas. Donc ça va être très important autour des teamfights pour BLG de trouver une configuration où on peut directement attaquer la backline, attaquer ce Jace, attaquer ce Aphelios. Sinon, ça risque d'être difficile. C'est quoi l'intérêt de ce Sylas concrètement? Bah là, pour le moment, le Sylas, il a déjà les ronces du Maokai, qui est un ulti extrêmement bon. Et quoi d'autre? Il y a aussi la paire avec la Vi qui permet quand même d'attaquer ce Jace. Je pense que Jace n'a pas été beaucoup inquiété dans ce BO jusque-là en early mid game. Et avec Sylas et son setup, on aura peut-être cette chose-là qui va être changée. On va essayer d'attaquer ce Jace qui pour l'instant était quand même en surface dans un match-up Annie, qu'il arrivait, qu'il parvenait à contrôler la plupart du temps. En tout cas, il va falloir jouer sur cette force tout de même puisque c'est une donnée fondamentale qui a évolué dans la série. C'est très important parce que je pense qu'avec leur compo, si tu n'arrives pas à avoir un avantage clair sur ton Sylas, c'est qu'il ne permet pas d'avoir des flancs où il va être très très problématique, ou ne serait-ce que utiliser les ronces de Maokai, ça va être compliqué. Faudra appuyer sur ce Jace. Et on y va, mesdames et messieurs, quatrième game, peut-être la dernière dans cette finale 100% LPL du MSI 2023. Les JDG en commando serré sur le bot side. On a un Sion, on sait qu'on a l'habitude. Ruler qui va à la pêche. On sait toutes les possibilités qui s'ouvrent lorsqu'on a un Sion au niveau 1. Les petites Late Invade sur le Red Buff. Est-ce qu'on va trouver un niveau 1 inspiré, un petit cheese? Prendre un avantage rapidement en tout cas. On n'a pas l'air de reset. Non, ça reset. Puis, moi je voulais parler d'une autre chose aussi. Oui. Du côté de JDG au niveau de la draft, beaucoup de dégâts physiques contre des champions qui
qui itemise très facilement de l'armure. Gnar peut, rapidement aller chercher des tabis, pareil pour Vi, pareil pour Sylas. Donc ça pourrait être intéressant en mid-game, l'efficacité. Canavi qui va bien entendu compenser au maximum hein, cette potentielle lacune. Starter opposé, starter red buff pour les deux junglers, enfin red side plutôt. Et la premier combo de Shen qui ne connecte pas. Et Yagao qui subit un trade, c'est pas celui qu'il était venu chercher. Effectivement, et ça va être compliqué avec Jace qui peut passer sur sa forme orange maintenant. Il va pouvoir régénérer tranquillement avec ses potions et son bouclier, mais c'est pas le meilleur, la meilleure ouverture de lane. Ouais. Pour lui. Il a même fait un petit starter un petit peu greedy, notre cher Knight. Hein, optimisé au maximum, refillable pot. C'est vraiment une nouvelle colossale hein, de son côté. Attention, Flay qui connecte ici, on contre-attaque. Est-ce qu'on veut vraiment aller au bout? Je ne pense pas. La range de rouleur devrait parfaitement équilibrée, dissuader elle qui est on. Sims très agressif ici. Hein. Check. Troisième buisson. Et attention au niveau de. Attention au niveau de. Qui pourrait être incisif. Cette bot lane. Un Maokai qui start topside, donc il devrait intervenir rapidement sur la bot lane. On a étudié le style de jeu des Bilibili. Sur leur lit, on sait à quel point Shun aime intervenir rapidement et créer des dives. Ouais, et c'est le premier sur les lieux. Ouais. On va aller warder du côté de Rouleur. On aura l'information, attend ou pas, on le découvrira ensemble. Superbe sidestep sur l'entrée, Triomphal Missing qui flash out instantanément. On perd pas mal de points de vie, mais on ne tombe pas. Et bien sûr, Rouleur avec le sniper qui vient les picorer. Absolument, le knock-up qui n'a pas connecté, ça aurait pu être un kill peut-être récupéré sur Missing. Et maintenant, on va récupérer l'info sur Shun. Et le problème là, c'est que Shun a commencé bot side, donc il va devoir cross map et retourner top et perdre beaucoup de tempo. Beaucoup de tempo alors que de l'autre côté, on a ce Maokai qui va être actif sur le bot side avec une wave qui a l'air de push. Et le Jace qui se permet aussi d'over sur ce match-up avec le niveau 1 qui s'est bien passé en sa faveur, qui a pu crash. Ah, ça va être compliqué, ils peuvent être 4 là. C'est ça plus que over. C'est fort le dive. Final push, il pourrait se permettre de TP. On prépare bien sûr la réception pour Elk et On, mais on va le subir de plein fouet, une téléportation défensive immédiatement utilisée. Et on désamorce du côté des JDG. On ne veut pas aller plonger aussi loin, on se contentera. Ce petit bonus. Attention en route. Engage qui connecte. Attention quand même à ne pas se faire chunk parce qu'on est toujours en désavantage numérique ici. On n'a pas d'intervention de Shun possible sur ce bot side. On va reculer. Ce sera une TP utilisée. Et ça fait les affaires de JDG. Allez, on va avoir un Yagao un petit peu en retard hein, sur sa mid lane. Il a TP bien sûr après son back pour intervenir défensivement. Et maintenant, il y a un petit peu de retard. Qu'est-ce que Knight pourrait faire un petit peu de cette liberté? Il peut push, il peut aller chercher de la vision dans la jungle adverse, il peut peut-être set up une nouvelle attaque au niveau du bot. Et on le voit. Il peut aussi invade avec son Maokai si le Maokai a besoin d'aide sur ses Raptors. Ouais, on invade sur le timing des Raptors, Canavi très inspiré ici. Il a l'information sur la position de Shun plus ou moins sur la map, mais ce sera peut-être un gank mid qui va passer sur Knight. On a encore le flash de disponible. Et non. On va respecter une situation qui a l'air d'un peu plus sourire hein, au JDG, ça dépend de ce qui connecte. Là, je vois mal comment Knight est touchable. Oui, c'en est. Et Knight peut juste rester à proximité de son jungler. Et Canavi qui menace de couper la map en deux. On n'y voit rien. Ça veut retourner en bot side. Oh. Et là, Shun ne peut plus accéder à son bot side. Donc ce qu'il aurait envie de faire, c'est de clear le top side des JDG. Mais on ne peut pas. Donc on joue autour de cette mid lane. On essaie de récupérer cette prio. Et il va y avoir un jeu de 2v2 ici qui s'engage. Attention, Yagao. Immensément chunk et Shun qui est en escorte, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps ici et se reset tout de même de elle qui est on Striker? Est-ce qu'il n'est pas symptomatique d'un plan de jeu qui se déroule pas comme prévu? Ouais, ils ont pas trop le choix, le Jace qui a pris de l'avantage au mid, Knight qui a bien joué ses trades, qui a over à plusieurs reprises au bot et qui leur permet d'avoir le contrôle de la wave, sinon c'est trop risqué pour Xayah Rakan. Ils doivent prendre un base désavantageux et là c'est Aphelios qui revient avec Quiver alors qu'on a qu'une pickaxe du côté de Xayah. C'est une belle opération en début de game pour JDG. Et on attend avec impatience bien sûr les investissements autour du héros de la faille. On aurait pu avoir à attendre très longtemps. Et la game c'est pour Shun qu'elle est difficile à jouer. Il a été forcé de gank bot après avoir clear ses camps bot side. Ensuite il a dû traverser toute la map pour clear son top. Et Canavi a juste pris ses camps au bot. Maintenant il est en retard complètement dans sa jungle. En plus de ça il a essayé d'aider Yagao pour avoir le push sur Knight.
En vrai, Shaw ne peut pas faire grand chose sur Story Game. Il est un petit peu les points liés. Et ça va mettre l'accent sur la bot lane, mais. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Rouleur et Missing. Extrêmement safe. On s'attend à ce que Rouleur et Missing déclenchent peut-être avec ce setup Gravitum. Mais pas du tout. Ils sont très respectueux, ils attendent d'avoir la proximité de leur jungler, ils attendent que Knight ait repris le contrôle de la mid wave, ça va donner l'opportunité peut-être d'un Drake du côté de Shen, c'est pas très grave, c'est un Shen Tech Drake. Est-ce qu'on va le donner? Parce qu'on a l'arrivée de Kanavi, on va prendre la vision, on va mettre un petit sapling dans le buisson, le Drake est très low HP, ouais. ça va être un flip. Un flip, non, un dash out directement de la part de Shen, est-ce qu'il va reflash in pour essayer de recontester le smite, un hook qui va connecter, mais c'est sur un Rakan. Pas si dangereux que ça. Et Shun qui effectue un leash pour les JDG. Oh, c'est une catastrophe, le bilan n'est pas du tout bon. Attention, une emprise de la nature qui ne sera pas utilisée immédiatement. Mais on va se la garder en réserve. Mais on est loin, ce niveau 6 de Shun. Sa barre d'XP, vous la voyez en bas à gauche de votre écran. On est au tout début de ce niveau 5, ouais. tout début. Oui, alors que Kanavi est niveau 6 et il se dirige vers la bot lane avec les ronces. Ouh. Peut-être qu'ils pourront... Non. La peine capitale ne connecte pas. C'est dommage sur ce Drake de ne pas avoir une rotate de la bot lane BLG. Ils avaient eu un bounce, ils avaient, je pense, quelques secondes pour aller aider leur jungler. On s'est dit qu'on pouvait le laisser solo, mais on... Oh. Voilà l'arrivée de Kanavi. Ça, c'est une interaction qui révèle un petit peu l'état des deux jungles. Hein. Ah ouais, quand un Maokai invade une vaille, c'est que ça sent pas bon. Et attention, et on a la pression bot, c'est possible. Les ronds sont activés, on va attendre que ça connecte, essayer de linker avec un hook magnifiquement cleanse par Elk. Et On qui va s'en sortir in extremis. Mais le résultat est le même, on a un Feio sous tourelle en timing chakram. Absolument, on va pouvoir récupérer de la plaque, on va avoir le push, on va se permettre de reset en tempo par rapport à l'adversaire et toujours infliger plus de pression sur les lanes face au BLG. Encore une fois, Knight était au rendez-vous, Knight était juste derrière, si la fight continuait, il était prêt et ça force le back-off de la botlane BLG. On n'a pas réussi à trouver un système qui permet à Sylas Vi de connecter vraiment, ils n'ont pas encore fait de move ensemble à 8 minutes de jeu et c'est dommage parce que ça aurait permis à leur botlane de souffler. On va voir si sur peut-être ce premier Herald, ils arrivent à combiner cette fois. Après là où ça se passe bien, c'est pour ce Gnar. Il met 30 CS, il a la tenue de lane, il va pouvoir itemiser pas mal d'armure pour ce Aphelios, ce Jace. Et Maokai se rend sur la paix. Absolument, on va voir comment ça évolue. Merci beaucoup mon cher Striker. On te laisse bien sûr aller profiter du match. Merci pour toutes ces clés de compréhension. Vous l'avez compris mesdames et messieurs, les JDG en position favorable. Rien n'est encore joué, l'écart en gold est tout à fait contrôlable. Et on n'a pas si mal tanké côté Bilibili. Toutes ces actions à répétition sur ce bot side. On a pris quelques dégâts mais on a encaissé quand même. On tient très bien. On a évité les catastrophes, on a concédé certes un petit Drake qu'on aurait pu récupérer comme l'a dit Striker, mais ce n'est pas la catastrophe non plus, c'est un Chemtech. Et attention maintenant parce que les JDG montrent de l'agression ici. On juste derrière, Rouleur peut-être un peu ambitieux, a-t-il vraiment l'occasion de récupérer cette lanterne? Il décide de partir par le nord et de flash out par-delà ce rocher où tant de personnes ont perdu des dents. Effectivement, on s'en sort, mais au prix d'un flash, un cooldown très important. Il va falloir TP back en mid lane pour Yagao. Maintenant, c'est Rouleur. Donc, il a bien sûr son petit taxi à disposition sur le tribouche. Et il se défend de très bien. Les Bilibili On qui n'était pas mort sur le dive précédent. Pas de break encore. Attention à Bin, parce que c'est pour le moment la seule lane qui est en train de gagner son match-up. On ne voudrait pas qu'il passe derrière. Et avec un personnage qui est capable de mettre de la pression en side. Oh. Attention, on va prendre le slow. Est-ce que les ronces peuvent connecter? L'ulti qui va passer, le knock-up, le root, tout connecte pour JDG. Et c'est un first blood à 10 minutes de jeu. Et pourtant, on avait le flash, on avait certainement... Le jump, je n'ai pas vu Bin l'utiliser. Effectivement, la rotation CC de l'infini. Et un kill qui tombe entre les mains de Sion. On verra bien sûr les conséquences positives que ça aura. Il doit avoir peut-être aussi un petit proc démolish. Essayer d'échanger un petit peu. Rouleur qui n'avait toujours pas reset hein, depuis tout à l'heure. On respecte ce timing gros de la faille qui va être utilisé ici et maintenant. Mais il n'est pas question de dive.
Ah, c'est très compliqué de dive. On a des outils défensifs avec ce Thresh. S'expose à beaucoup de CC. Et voilà, on va récupérer quelques ressources. Il avait pas de TP, Bin. Peut-être pas de TP. Hein. C'est en CT. Parce qu'il a perdu quand même pas mal de choses. Et on a vu, hein, en termes de ressources, on est passé sur l'écran des golds. 3-6-9 qui est à égalité, si ce n'est légèrement devant. C'est bon, pas ce qu'on veut. On veut un Bin qui est capable de mettre de la pression en side. Parce que... il peut se débrouiller face à un Jace, il peut avoir une menace de dive sur le Jace et surtout il peut mettre, laisser le sillon sous sa tour. Ah si, il avait jump au début, suis-je bête. Et il décide de ne pas flash. Ouais, il devait se dire qu'il se prenait les ronces quand même. Ouais, ce flash ne sortait pas l'ultime à Okai, certainement pas. Hein. Ah, et parfois il faut accepter son destin. Ah, ils ont trouvé un très bon timing sur Bin. C'est très très bien joué par JDG. Il s'enlève à moitié une épine du pied. Bien d'accord. Un hook sans conséquence, mais un dragon qui a déjà spawn. On a la position pour les JDG. On a clairement la position, mais on a Bin qui va pouvoir décaler peut-être. On a une gale force également pour Elk, mais Elk est légèrement en retard. Le smite est sécurisé du côté des JDG. Mais regardez Elk, regardez le positionnement du Karyadé des Bilibili Gaming qui pourrait bien faire la différence sur cette action. C'est cette Parshan, l'envolée de plumes, mais il y a beaucoup trop de monde à exécuter. Impossible! Tout simplement impossible! Ouais, il était en retard. Il était tout simplement en retard sur le fight. Elk, qui n'a pas pu faire la différence malgré un positionnement inspiré. Ah, il a monté, hein! Les JDG qui prennent un autre avantage ici et celui-ci, il fait beaucoup plus mal. Et surtout, on assiste à nouveau au décollage du Jace de Knight. Mesdames et messieurs, notamment en game 1, il était inarrêtable. Les conditions ont l'air d'être similaires, hein, les deux emprises de la nature. Ici effectue un double setup super de double fly la box, hein, qui crée énormément d'espace. Le repositionnement à la lanterne, on emmène l'ulti by extrêmement haut et la Elk. Bon, il y a un angle où effectivement il y a deux kills qui peuvent tomber entre ses mains, mais bah, s'il est là, il faut aussi admirer le respect des plumes, hein, côté JDG. C'est sûr. C'est sûr, son équipe n'a pas pu temporiser son arrivée. Les membres des BLG étaient beaucoup trop low. Ah, cette paire Aphelios Thresh. On avait bien tenu jusqu'ici. Elle échappe à tout un peu, hein, je trouve. Bon, avec Knight qui va pas faire son timide. Hein. Évidemment, Yageo qui lui rend... qui lui rend pas du tout la monnaie de sa pièce en réalité. L'arrivée des deux junglers. Double cover des deux junglers. On intercepte Shun sur ce move. On a la position, on a l'arrivée de Elk, mais Missing est là également. On est en désavantage numérique pour les JDG, mais on n'a pas peur. On va enchaîner sur Shun, on trouve le kill. En situation de 3 contre 4. Absolument, et une tourelle va sans aucun doute être récupérée par Knight. C'est la première du match. Il a-t-il trouvé un semblant d'ouverture, hein. C'est son spike Trinité. Qu'il utilise à bon escient. On dit qu'on a rush quand même des chaînes d'anathème, hein, pour 3-6-9. C'est vraiment là, c'est une éponge un petit peu. Il absorbe la pression de Bin. J'aime bien ce item, il est... Il s'est posé sur lui, on le voit en bas à gauche de l'écran évidemment. Il est que c'est efficient ce terrain. J'aime beaucoup. Ralentir Bin le temps que les coéquipiers, eh bien, scellent le match quelque part. C'est tout ce qu'il a à faire, hein. Il va faire son taf de tank, même s'il est sous pression, il sera là dans les moments importants. Il mettra son ulti et il tankera pour son Aphelios. Et en plus de ça, on a Kanavi qui intervient bien sûr. Hein. On escorte le VIP qui est Knight actuellement. On dira Kanavi est un peu un VIP aussi. Hein. Il s'est bien servi, il s'est coupé une belle tranche de tous ces fights avantageux. 5-0 pour les JDG dans cette partie. Le Herald qui sera start par Kanavi, il sera rejoint de Missing et Ruler sur ce timing et pas de contestation possible pour les Bilibili. Il va falloir trouver les armes, il va falloir trouver des solutions, car sinon, lentement mais sûrement, Aphelios va outscale, Knight aura trop de dégâts, trop de poke, et ça va être très difficile d'aller les déloger.
faut trouver des solutions dans ce mid-game. Pas sûr qu'ils gagnent le late avec leur compo. Écoute, je suis bien d'accord avec toi, mais on a trouvé une ouverture sur Knight qui n'a pas de chien d'arme à donner. D'ailleurs, il ne donnera rien du tout. Proc Phase Rush, Flash Out, il sort nickel. Il a fait consommer énormément de ressources. Téléportation de Yagao qui est passé dedans. Absolument, très belle absorption de la pression ici. On va pouvoir potentiellement reset et être là à temps pour le prochain dragon qui spawn dans 50 secondes. On va voir le fameux jeu de Prio en mid lane. On va tenir la position bot side avec des wards. J'ai l'impression qu'on doit reset du côté de Missing. Il n'y a plus de wards dans son inventaire. On veut contrôler cette river pour le prochain dragon qui arrive. Petite respiration. Plus de ça, avant le troisième drake sur une map montagne. Absolument, une montagne avec Sion plus Maokai et Thresh. Ce sera d'une efficacité redoutable. On va avoir du mal à trouver des all-in avec le shield et avec toutes ces stats défensives. Et on se déploie intégralement sur le bot side, bien entendu. Le dragon qui approche. On a plus ou moins la position. Il faut rentrer dans la river pour les Bilibili et se prendre des petites boulettes de ce Jace. On concède la prio. Oh là là, Sean, peut-être le pas de trop, il est intercepté par une peine capitale. Superbement snipé les ronces qui viennent offrir un deuxième kill au JDG, un deuxième kill pour Knight. Le héros de la faille prend la vie en mid. Il y a tout qui se passe merveilleusement bien pour les JDG. Absolument, et Ruler n'a même pas besoin de participer au fight. Il était disponible mais il choisit d'aller push en mid lane car le travail est déjà fait. Oh, le reste de l'équipe pourra aller chercher ce dragon sans aucun problème. Dragon, 2 kills, T1, charge du héros de la faille sur la T2. Oh, il va tenter le steal. Oh, Bin, tu es vaillant Bin, tu es courageux. Qui subtilise ce dragon et offre un shutdown d'objectif à ses coéquipiers. On avait identifié que Kanavi était sans smite. C'est un petit butin, mais dans la situation des Bilibili, ça représente beaucoup. On prend chaque petite victoire pour les BLG qui sont en situation de balle de match par les JDG. C'est quasiment la première bonne nouvelle de leur côté. Et la seconde, elle est peut-être ici avec Yagao aussi, il a la bonne inspiration sur le bon buisson. Il n'y a plus de flash pour Knight. Est-ce qu'on peut trouver le cas? Sloan est là en backup. L'ulti qui va être consommé, ça devrait être récupéré. Et Knight qui tombe, shutdown pour John. C'est bien ce qu'ils font, les Bilibili. Ils enchaînent. Après avoir steal ce Drake, ils trouvent un pick-off, ils trouvent un autre shutdown d'objectif. Et attention, on essaye de punir, mais le superbe sidestep de 369, est-ce que ça va lui permettre de sortir vivant de tout ça? Et non, il le sait, et donc il saute directement vers la wave. Il tente de gagner du temps pour son équipe. Pendant ce temps-là, on va push mid, on va push top. Et on veut split push. On prend la position. On prend la position dans la jungle adverse. Et on va probablement tenter un catch sur la rotation des JDG vers ce topside. Shun qui est déjà en position. Knight très inspiré qui somme son sweeper, du coup ça va être repéré. On trouve le all-in sur Shun, il prend un énorme burst. Forcé de reculer maintenant Knight en 1v2. La il va et qui récupère le kill. La vengeance de Knight. Ils sont venus le supprimer en 2v1. Et maintenant, il les soulève tout seul. Le sourire sur son visage alors qu'il est 1v2. Dans le plus grand calme, et maintenant le Shurelia va être utilisé. Ils vont start ce Nashor tout en flexant l'icône Top eSport. Knight, un doublé qui offre tant par un powerplay qui démarre. Il les a soulevés en 1v2. On a presque l'impression que Yagao est un non-facteur ici. Prêt, l'a ignoré. Jusqu'à... On vient de la base avec... Le massacré. Et oui, il est gros ce Jace. Il est très très gros. 5-1-3. Ah, il va poser des problèmes. Il a récupéré une stopwatch. Deux items plus épée dentelée. On se dirige déjà vers le GA.
Est-ce que le split push, la pression en side de Bean peut apporter dans ce match contre un Nashor j'ai pas l'impression hein. Mais bon, il a commit sur l'objet, donc il est un petit peu obligé d'adopter ce plan de jeu. Sinon, il a juste gâché des golds. On va récupérer cet T1 top du shutdown d'objectif encore pour Billy Belly. Est-ce qu'ils peuvent tenir? On parlait de ce scaling hein, avec Aphelios. Ça va être très compliqué à tanker. Ah, attention, On qui prend un vilain poke. C'est de la belle boulette. Léo qui s'enchaîne. 3-6-9 sur la mid lane, bien entendu. La pression vient de partout, il le tient en laisse, et cette fois-ci on décide d'aller le chercher jusque dans sa propre base. Ushun qui tombe, l'élimiteur Botset qui est ouvert, l'élimiteur qui est assiégé, Kanavi et les JDG qui vont peut-être envisager le dive sous les T4, qui vont peut-être envisager la fin de la game à 22 minutes. Ah, la première T4 qui va tomber, il continue, on est très très low HP, on essaye de reset, on est TP de la part de Bean vers la top lane, quoi. Deuxième T4 qui tombe, Nexus ouvert, et ils l'ont fait, 3-1, JDG est champion du MSI, Knight récupère son titre, et Rouleur complète le bingo le plus difficile de League of Legends. LCK, LPL, World et maintenant MSI. Quelle victoire de la part des JDG, une game tellement convaincante. Bean le prophète se sera trompé. Pas de 3-2. Et une quatrième série remportée par JDG dans cette même affiche. 4 séries. Ils auront fait une run, cela dit, très admirable, les Billy Billy. Absolument. Absolument. Et on va avoir droit, bien sûr, à la cérémonie, mesdames et messieurs. By Mercedes, les JDG, champions de LPL, champions du MSI. Qui soulèvent leur trophée amplement mérité, mesdames et messieurs. La meilleure équipe du monde, en tout cas pour cette moitié de l'année. Le MSI, plus que jamais, aux couleurs de la LPL, aux couleurs de la Ligue chinoise. 5e d'affilée. Domination du printemps indiscutable et une domination par conséquent de la scène internationale sur les récentes années qui est clairement de leur côté. Bien sûr, 2 Worlds pour la LCK, 1 pour la LPL. Mais bon, très franchement, si on compte tout, il n'y a pas photo. Ah, ils sont clairement au-dessus, ils l'ont montré sur ce MSI. La LPL en force. Bien écoutez, on sera pas allé en 5 game, bien sûr, on le regrette, mais très franchement, les JDG étaient meilleurs, très affûtés. Et on va profiter des highlights. And immediately the thresh is gonna go down as well. JDG destroyed 3 before they could blink. It's a 4 versus 5 missing. He's just walking towards them. Cyclone, he's gonna land on that. Kumushi gets knocked up. He tries to open. It's a double kill for Ruler. The turret is going to fall, but the stun is just massive. Low health bars absolutely everywhere. As Kanavi's going to be the one to take down Owner in the end. And it's 2 kills for JDG. Double knockup to come forward on the wombo combo. Will connect. The Kha'Zix's going to go down. Carrier will follow. Faker takes missing out of the fight. But now it's Ruler he has to contend with. And Ruler should be able to land a couple of autos. Gets the double kill. Well, Hook is going to land here. Faker just says, we're going in. Moonlight Vigil is kind of massive, but Ruler's gonna take down Faker. Zeus is huge, but he's dead! And it's a double kill for the Jinx. Right there, Bin finally leaping in. They're trying to kill him, but they can't do it. Ruler, are you kidding me? JDG might just be the best damn team fighting team in the world. Again, the body block there to make sure that Ruler is untouched, but finally a Hook's gonna land. But no, again, the scatter! They just
will not let Ruler drop. JDG so good at protecting the president. The president's about to rain hell. JDG are just too damn good. Spoke the god. A knight will not be found healed. Been TP's away. London, let's hear it for the 2023 Mid-Season Invitational Champions, JDG! And now please join me in welcoming to the stage Naz Al-Ettaha, Riot Games Global Head of League of Legends Esports. Thank you, Lore. And congratulations, JDG, our 2023 MSI champions. You have showcased some truly exceptional League of Legends on this stage, and you have shown the world that you and the LPL are a force to be reckoned with. 恭喜JDG获得了本届 2023MSI的冠军 你们在本次的比赛舞台上展现了非常卓越的英雄联盟游戏的内容和比赛的竞技 同时也向世界证明LPL JDG是最强的 再次恭喜JDG 2023MSI 우승 축하드립니다. 오늘 무대에서 정말 눈부신 경기력으로 LPL과 그리고 JDG가 정말 무시할 수 없는 강력한 힘을 보유한 팀이라는 것을 증명해내셨습니다. 축하합니다. I also want to take a moment to thank the City of London for being such gracious hosts to us. Too. And a big thank you to all of the fans here at the Copper Box and everyone watching from around the world. Your energy, your passion, it is so felt, and you have made this mid-season invitational truly unforgettable. So thank you all. Now please, London, give it up one more time for your 2023 MSI champions, JDG. Thank you so much, Naz. And now with that, it's time to hear from our newest MSI champions, starting with the head coach, Home. The expectations towards JDG were immense coming here at MSI. How does it feel for you to cement the LPL and JDG as the best region in the world? 가장 먼저 감독님께 질문 드리겠습니다. 사실은 토너먼트 시작부터 JDG가 우승할 것이라는 큰 기대를 받고 왔는데요. 이렇게 LPL과 JDG가 정말 세계 최강 지역이자 팀이라는 것을 견고히 증명해내신 소감이 어떠신가요? 일단 그냥 사실 쉴 때도 선수들이 이렇게 사실 그래도 힘들었을 텐데 쉬고 싶었을 텐데 솔직히 열심히 연습도 해주고 또 랭크 심지어 솔직히 랭크라는 숙제까지 냈는데 애들 해주고 그냥 다들 선수들이 너무 열심히 해줘서 오늘 이길 거라 생각하고 있었고 그래서 그냥 열심히 한 선수들한테 감사하다고 말하고 싶습니다. I just want to say thank you to all my players because they were working so hard for this moment, especially I was even giving out homeworks to play solo queue, and then I know that they were working so hard for this moment, so I was confident that we're going to win today. And a dominant victory, of course. First question for the players is going to be for 369. We saw the rivalry between you and Bin over the year. Today is the fifth time you beat him on the Rift. How personal is this victory today? 第一个问题想问到三六九选手，其实三六九选手和冰选手之间的对决可以说是历史渊源已久了。在今天的这场对决当中，已经是你目前为止第五次在今年击败他了。你觉得这场胜利对你个人来说意味着什么呢？ From my perspective, we got this win eventually, but I do think Bing is also a very strong player. Definitely.
feels a good victory, of course, for you. Kanavi, next up here. JDG trusted you throughout many iterations of the team. You've been with the team since 2020, hoisting the trophy today, staying throughout all these years with the team. What does it say about the trust JDG has for you and your achievements? 카나비 선수께 질문입니다. JDG가 카나비 선수와 정말 오랜 시간 함께하면서 언제나 엄청난 큰 신뢰를 보여주었는데요. 드디어 오늘 이렇게 MSI 우승컵을 들어올리게 되었습니다. 지난 수년간 정말 다양한 로스터와 함께하셨는데요. 이렇게 JDG가 카나비 선수에게 보내준 신뢰에 대한 생각은 어떠신지, 그리고 드디어 이렇게 MSI 우승하게 된 소감은 어떠신가요? 첫 국제대회 우승하기까지 4년 걸렸는데 이제 앞으로 좀 더 나은 모습 보여가지고 남은 LPL 서머나 이제 롤드컵도 계속 우승할 수 있도록, 그리고 팀이 좀 더 발전할 수 있도록 더 열심히 해야 될 것 같아요. It took me so long, for about 4 years, to finally win my first international title. I just want to keep it going until the spring season and also Worlds title. It's just the beginning of the journey. And Knight, LPL superstar, but you were still waiting to prove yourself internationally. How important is this MSI victory today, and is it the beginning of a long side of trophy? 下一个问题想问到 Knight 选手，其实 Knight 选手一直是我们 LPL 非常厉害的一位中单选手，但是好像 Knight 选手一直在等待像这样的一个机会证明自己。你觉得在本届 MSI 上获得冠军，对自己有多么的重要呢？这是不是意味着你在下一个阶段将开始引领时代呢？嗯，就这冠军对我来说就很重要吧，就拿这非常开心，就证明我是有实力在世界上拿成绩的。Actually, I do think this MSI 2020 trophy means a lot to me. It proves that I'm a stronger player. I deserve it. Definitely, you deserve it. And Ruler, you want it all now. World champion, LPL champion, LCK champion, MSI champion now. Are you finally the best ADC in the world? Ruler 선수에게 질문입니다. 드디어 정말 모든 것을 다 이루신 것 같습니다. 월즈 우승, LCK 우승, LPL 우승, 그리고 MSI까지 우승하셨는데요. 이제 당당하게 내가 세계 최고 원딜러다라고 말씀하실 수 있을 것 같나요? 그래도 아직은 세계 최고 원딜러라고는 말할 수는 없겠지만 올해는 저희가 주인공일 것 같습니다. I want to wait and see. Not yet, but I think we are the main character of 2023. It is JDG's world, and we live in it for now. And missing, I'm guessing that today's match was personal for you. I saw the flash emotes between you and Elk on the reef with the WE emote. How important and personal was it to defeat a former teammate? And what does it say about the bond you have? 今天我们在比赛当中看到 Missing 选手和 Elk 选手在游戏内都亮了 WE 战队的表情。我们都知道你和 Elk 之前都是前队友，你觉得今天这一场胜利赢下来之后，对你个人来说意味着什么？同时，你又是怎样看待自己和 Elk 选手之间这样的作为前队友这样的一种联系呢？今天赢下前队友感觉怎么样？ First of all, I want to give credit and give a big thank you to all of JDG staff. And in terms of Elk, the bond with me and Elk, I do want to play against Elk one more time in the next finals. Friendships on the Rift are the best ones. Thank you so much, girl, for the help on stage. And with our newest mid-season champion crowd for now, it is time for one final honor here in London. Experts from every region have voted for the MVP of the 2023 Mid-Season Invitational presented by OnePlus. Was no opportunity, it's 369. Yeah, he is going to flash in. Doesn't manage to get the body slam onto both of them, but it's still going to be fine. The Jinx is taken down, and Carrier just going to vacate the area. Kanavi, of course, knows now that he has been spotted. Last cones his way over there. Kanavi trying to fight back, but already Owner is going to get the flash. He's into the brush, though, and Knight, he comes running back. Blood for Kanavi. Well, there's the flash. Tibbers comes down yet again, but this time he manages to get off the Lamb's respite. The charm is fantastic, though. They take down the Rakan, but there goes the Kindred as well. Double kill for Knight. Another fight for J.
JDG. As now Rule has to deal with him. Ona gets into the backline, but Rule flashes. Sure. Oh my god, he gets excited and Gwen is not immune today. Now they're ready for the counterattack. River's already dead, and Ruler got the money. They throw down the chompers, and they beat down the Guardians. Knight gets away back into the safety of the pit as Kanavi tries to buy a little more time. A shot from downtown from Knight, and Gory's running for the hills. Ruler finds another one, and JDG tear him in half. London, it is my pleasure to introduce the mid-season Invitational OnePlus MVP, Knight! Knight, congratulations. I just heard that this victory may be special for you, as is it your birthday today in London time? Tomorrow will be your birthday in China, but how does it feel to get the birthday win today? 恭喜奈的选手获得了本次比赛的 Finals MVP 这一项荣誉，其实今天可能对你来说有一个特别的意义。从伦敦时间来讲，今天是你的生日；在中国时间，明天是你的生日。你觉得在这样一个特殊的日子里获得本次这项荣誉，感觉怎么样呢？嗯，就生日能拿冠军就已经特别开心了。然后还有现在还有这么多人为我们加油，就很开心。 On my birthday, especially we have so many crowd here cheering for us, it makes me feel much better. And you had the audience cheering for you throughout the entire tournament. Is there anything you want to tell the fans here today in London? 其实在整个旅程当中呢，现场都有很多粉丝为 Knight 选手加油助威。在今天赢下比赛之后，获得 FM MVP 之后，跟大家有什么想说的吗？嗯，就也谢谢大家一路支持吧。就我们京东也一路也不容易，就队员都很辛苦，就训练到现在才拿下冠军。 So first of all, thank you so much for your support all the time. And by the way, I also want to give credit to all of my JDG teammates. We have really worked so hard until today that we got this win. An important win for sure. Up next, Worlds. 还有什么其他想说的？嗯，就谢谢大家来支持我们。 Thank you so much for your support once again. Christina, thank you so much. Knight. Thank you as well. Congrats on taking the OnePlus MVP. I will let you join your team now. And London, once again for JDG, please. JDG, champion du MSI, mesdames et messieurs, voilà, on a le droit à un petit mot des 5 joueurs. 5 joueurs exceptionnels hein, qui soulèvent leur premier trophée du MSI sans exception. Et forcément, pas mal d'émotions avec un Knight qui remporte enfin son premier tournoi international. Hein, le prodige de la mid lane chinois, Ruler, qui gagne le MSI. Qui a gagné les Worlds en 2017, qui a gagné la LCK l'année dernière, qui a gagné la LPL sur ce Spring. Ruler qui rentre dans un club très 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 fermé très tôt. Quand tu penses à l'écart de temps dans lequel il a gagné LCK, LPL, MSI, c'est vraiment très court. En plus dans ça, il a fait quand même des demi-finales de Worlds. Donc c'est un joueur qui allait très très loin. Qui montre que c'est actuellement, je pense, le meilleur ADC. Il n'y a pas trop tout à ce niveau-là, mais il a été très, très, très bien entouré. T'as cité Knight, on peut citer aussi 3-6-9 et Kanavi. Mais Kanavi, moi je pense que dans cette série, il a aussi été très, très bon dans le Wukong. C'est lui qui l'a remis au goût du jour dans la méta. Là, il a joué ouais. Même contre les meilleurs champions de la méta, contre du Maokai, contre de la Vaille. Et en vrai, il a, avec tout le respect que j'ai pour Sean, il l'a fait un peu. Enfin, il a mystifié. Sean, il n'a pas vraiment joué du tout cette finale. Vraiment, Kanavi a été très, très bon, mais c'était la meilleure équipe de très loin, que ce soit en finale, même contre T1. Certes, il y a eu 3-2, Tion les a un petit peu accrochés, mais dans l'ensemble du BO, c'était aussi meilleur, donc c'est plus que mérité pour cette team.
Et Knight, MVP de la compétition, striker, de ton point de vue, est-ce que tu aurais mis, est-ce que c'est lui que tu aurais mis MVP, c'est lui que tu aurais choisi côté des JDG? Ouais, je pense que c'est complètement mérité. On peut aussi le donner, je pense, à un Canavi qui a aussi fait une grosse campagne sur ce MSI. Mais voilà, après, il faut faire un choix. T'as qu'un choix de MVP. Knight, ça me va très bien. Je pense qu'il a été très bon aujourd'hui. Sur la dernière game, il a créé beaucoup de différences dès la phase de lane contre son vis-à-vis Yagao. Donc, ouais. Il a claqué un petit 1v2 également sur la top lane. Il était bien fait. Il l'a fait sentir à Yagao et à Shun. Les trois games de Jace, mais c'est fou que Jace ait été aussi puissant en passant dans cette finale. 100% de win rate sur les 4 games. Et les trois games de Jace qu'il fait, c'est du très 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 haut vol. Il est capable de jouer, je pense, quasiment tous les champions du jeu. Il l'a prouvé, il l'a montré. Écoute, moi ça me va aussi comme MVP du tournoi. J'avoue que GDG, ouais, peut-être le support que je mets un petit peu derrière. Et encore honnêtement, parce que lui aussi fait de très très belles performances. Les 4 autres. Les 4, tu les aurais mis MVP, il n'y a, a rien à dire. Ils ont fait un tournoi où, pour moi, c'est les 4 les meilleurs à leur poste et il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Ah, écoutez, un JDG très très beau champion de ce MSI. On n'est pas revenu sur la dernière game, messieurs, mais c'est vrai que, bon, elle est presque anecdotique en fait, Striker. C'est allé assez vite. Hein. Pourtant, il y avait un blue side du côté des Billy Billy. Ouais, effectivement, il y avait un coup à jouer avec... la tentative de ce style-là, je pense qu'il y a rapidement eu un gap quand même en termes de niveau de laning phase et ça s'est vu au mid. Ça n'a pas forcément permis au mid jungle de BLG voilà, de s'exprimer. Et derrière, Knight qui était lui en permanence en train de couvrir sa botlane, qui pouvait jouer de façon agressive et qui a récupéré des leads. Et comme on l'a vu sur l'ensemble de la finale là, et même des séries précédentes, la botlane était la clé. Allez, comme toujours, hein, Knight qui profite, qui savoure peut-être le premier titre international d'une longue série, hein. Il y a le talent en tout cas de son côté, il y a le roster pour faire de très belles choses côté JDG. Ah, tu l'as tout et toi-même, c'est vrai que ce roster-là, pour faire un grand chelem, bon alors faut aller regagner la LPL, ce qui est vraiment pas facile. Mais derrière il y a les Worlds, j'avoue que le roster fait très très peur. En tout cas, ils ont montré une véritable domination. Bon, on le sait aussi que la Chine dernièrement a le MSI en poche. Ça fait 3 fois d'affilée, si je ne m'abuse, qu'il le remporte. Et au passage, ça faisait depuis 2017 qu'un joueur coréen n'avait pas gagné le MSI. Ok, stat intéressante avec Canavi et Roller qui sont tous deux. On va voir pour les Worlds après, mais ce sera à venir plus tard. Écoute, juste grand GG à GDG, même si je reste un peu sur ma faim. Personnellement, c'est même pas qu'il n'y a pas eu de game 5 ou quoi. C'est que les 4 games qu'on a vus étaient 4 games assez stomp. Ouais. Ça s'est pas vraiment joué en teamfight comme on l'attendait, ou ouais. Deux des meilleures équipes de teamfight, de ce qu'on vous a montré. C'est vraiment une équipe passe devant. Comme c'est que des wins de Jace, bah, le champion fait que c'est de la win par ok, j'ai mis une boulette, deux boulettes, du coup je peux poke, du coup je peux prendre la position, du coup j'ai le dragon, du coup j'ai la tourelle, etc. Et après il y a 5-6 000 gold d'avance et il y a même peu de teamfight. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu. Ah, je reste un peu sur ma faim. Toi aussi, Striker, t'as pas assez bien mangé dans cette grande finale. Ouais, ça reste du beau League of Legends, mais c'est vrai que d'un point de vue, ça aurait pu être plus close, quoi. Ça aurait pu être un peu plus haletant, ça aurait pu être un peu plus palpitant. On n'a pas eu beaucoup de suspense pendant les games. Et c'est dommage parce que je pense qu'on avait deux grosses équipes et notamment au niveau des drafts, il y avait des choix très tranchés qui n'ont pas forcément payé de part et d'autre. Mais c'est normal, il en faut. Et je pense que si on n'a pas ce genre de choses, on ne peut pas aussi avoir des choses qui marchent comme le Nautilus qui a été innovant et qui était une belle surprise pour ce La préparation de GDG est très bonne parce qu'en vrai, les drafts qu'on a eu aujourd'hui ne ressemblent en rien à aucune des drafts que BLG a joué précédemment. Ils ont réussi à sortir BLG de leur win streak, ils ont réussi à sortir BLG. De là, on jouera qu'il y a un gâteau anniversaire pour Knight pendant ce temps-là. Alors que Knight va souffler une bougie, effectivement. Ah, j'ai l'impression, ouais. C'est fou que ce soit anniversaire au passage. Des MVP, du game de MSI. C'est demain en Chine, mais c'est en demain, Europe, ouais. C'est maintenant, mais c'est assez incroyable pour lui. Et j'espère qu'il savoure bien ce moment. Ah, forcément. Oui, le fait que GDG ait réussi à sortir BLG de ce qui a marché pour eux dans les games contre la LCK, c'est juste super malin. Ils se sont super bien préparés à l'image de la première game de Tuss Jungle. Ils sont arrivés avec un véritable plan. Et ça, c'est le coaching staff qui a fait une grosse différence. Effectivement, belle préparation du côté des JDG. On a qui s'en met partout, mais honnêtement, il peut se faire plaisir vu la compétition et la finale qu'il fait. Bon, JDG, voilà. Une super team qui tient ses promesses jusque-là, Striker. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, effectivement, leur campagne sur cette année, elle est impressionnante. LPL, MSI, on va voir s'ils peuvent continuer sur le Summer Split. Bon, en tout cas, ils ont toutes les armes pour. Le jeu va beaucoup changer d'ici là. Mais quant à ce calibre de joueurs et cette adaptabilité, je m'en fais pas pour eux. Moi, c'est la manière qui me terrifie. Parce que, tu vois, les deux games T1, en gros, ils perdent deux games sans perdre un Ashor, sans perdre, tu vois, ces deux games où ils perdent un teamfight, ils perdent avec Even Gold pile-poil. Même ces deux games-là, elles sont super serrées et tu te retrouves contre Billy Billy qui a arraché toute la compète, qui a fait deux... Enfin, T1 et Genji contre Billy Billy n'y arrivaient vraiment pas.
ils leur ont 3-0-3. Enfin, il y a un gap, tu vois. C'est ça que je trouve ouf. Après, le gap, je pense pas qu'il va rester pour les Worlds, ce serait une autre compète. Et juste, ils ont mieux travaillé, ils ont une meilleure méta, ils ont tout ce que tu veux, mais le gap qu'ils ont fait avec l'événement est quand même assez ouf. Ouais, GDG au-dessus de la compétition hein, sur ce MSI. Et mesdames et messieurs, eh bien nous, il va être temps de tirer notre révérence. Hein. On arrive au bout de cette diffusion, bien sûr, au bout de cette semaine à Londres. Bien entendu, on espère que vous avez apprécié notre diffusion en direct de Londres. Hein. C'était une belle expérience de notre côté. La première fois qu'on a pu faire ça avec un cast français. Peut-être pas la dernière, on travaille bien sûr sur d'autres projets dans le futur. Alors n'hésitez pas encore une fois à nous soutenir via l'abonnement bien sûr. Et si vous voulez une pièce de merchandising OTP, il doit bien en rester quelques-unes au fond du hangar bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas hein, parce que on y est allé avec nos moyens à ce MSI 2023. Et bien sûr, n'hésitez pas également à suivre notre vlog. Le deuxième est sorti hier, donc sur YouTube. Et va y en avoir un troisième qui va sortir, bien sûr, pour conclure l'aventure. Et puis aussi, on peut remercier Striker qui est venu pour ces derniers jours bien avec sûr. Nous, qui a été fort sympathique. Est-ce que tu as aimé l'expérience? Ça va de ton côté? Ouais, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup pour l'invite déjà. Et puis, c'est un ça plaisir. Permet de se rendre compte de pas mal de choses et de la complexité aussi du métier de caster, parce que quand on est chez soi, c'est pas du tout la même expérience. Tout va très très vite, j'ai l'impression, quand on est sur place. On a l'habitude donc voilà, même si encore une fois l'habitude de se déplacer pas tellement. Striker, on te retrouve au Worlds. J'espère pas sur le desk, j'espère. Ah bah, j'espère pas pour toi non plus ouais. Certaine, mais non on fera ce qu'il faut, on y sera. Moi je le dis, on est sorti au bar hier avec Striker, bon, on a bu de l'eau et tout hein, tranquille, on est arrivé évidemment ici vraiment clair dans la tête. Il a dit: je suis la reine des salopes si on n'est pas au World avec BDS. Je le dis, donc on verra bien et on lui souhaite évidemment le meilleur et on souhaite aussi le meilleur au top side français qu'on apprécie tout particulièrement, et même Kraunik qui est passé par la LFL et compagnie. Bien sûr. Bah la écoute, La Brof va passer par la LFL, tu vois. Donc donc t'aimes pas la Brof? Mais non, mais c'est. Non, mais il y a plus de liens, c'est normal. Après, la Brof sur Thresh, moi j'aime bien. Ah, bien joué, Tréton. Bien sûr, hein. Il va créer des problèmes, je le sens. Je suis pour qu'il rêve d'être, mais c'est pas grave. Aïe, les mots sont beaux. Mais une petite punchline de Coach Striker, bien sûr, pour terminer ce live. Je pense que c'était de rigueur, mesdames et messieurs. On vous laisse là. Passez une bonne fin de dimanche, bien sûr. On espère que vous avez passé un bon MSI sur OTP. Et on se retrouve, eh bien, pour le début de la LFL, bien sûr, de la Div 2 également. La Div 2, la semaine prochaine, ça recommence. Et la LFL, dans deux semaines. Il me semble. J'en sais rien. Moi, je sais que la LFL, c'est vraiment toute fin mai. Ouais, mais la Div 2, c'est ce mardi. Voilà, donc les petites pépites françaises qui sont de retour sur OTP. Nous, on va prendre un petit break, bien sûr, profiter de notre dernier jour à Londres. Et on vous dit à très bientôt, bien sûr, sur nos antennes. Des bisous.